Voilà. Avec une luminosité toujours aussi dégueulasse, mais c'est pas grave. Ouais, mais t'achètes pas des projos. Bah, on pourrait. Voilà, on va détourner tous les dons et s'acheter des projecteurs pro. On va faire comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Oula, par contre, j'aime pas le fait que la webcam elle s'allume comme ça. Qu'elle s'allume? Ouais, j'ai l'impression qu'il De il va quoi pas. la l'autre? Ouais. Mais c'est parce que l'autre elle est activée sur une autre scène, c'est tout. J'ai pas envie que ça prenne un son dégueulasse, quoi. Non, mais ça prend pas un son dégueulasse, regarde, descend. Là. C'est, tu vois, ils sont pas. Ouais. Je vais voir si sur Discord c'est pas le cas. Voix overlay. Non, Blue Yeti, c'est bon. Bah nickel! Et avec un peu de chance, on n'a même pas trop de pertes d'image là. Pour le moment, il n'y en a pas. Bah écoutez. Salut tout le monde! Sérieux les dislikes? Ah, il y en a! On n'a pas de Ah compteur oui, c'est de. parce qu'il y en a qui avaient dû en mettre avant. On n'a pas de. On n'a pas le compteur de dislikes là. Ouais, non. Et on s'en branle, honnêtement. C'est pas grave. Bonsoir les beaux gosses, salut à toi. Le son coupe. Comment ça? Ah! Il coupe comment? Pourtant, nous, on a zéro image perdue. Ouais, non, mais c'est pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes avec le son? 10 dislikes. Oh mon Le dieu, son on est va très jamais beau. s'en remettre. Ça coupe pas, c'est la personne. Ah, d'accord. Le son coupe pas. Ok. Bon, bah, très cool. On va attendre un petit peu que les gens rejoignent, puis après, on va pouvoir commencer. Aucun problème. Est-ce que c'est un objectif. Il n'y a pas spécialement d'objectif particulier Non, en termes de donation? c'est pour ça, j'ai juste mis 1 euro histoire d'avoir une barre qui indique combien on a reçu Voilà. le soir, c'est tout. Mais on n'a pas un objectif d'un euro Voilà, non plus, quoi. on va pas donner 1 euro. Déjà, de notre côté, on se demandait combien on donnait. On pense partir sur 100 balles. Voilà, déjà, rien que nous, on balance 100 balles, donc. Par contre, En soi, j'aurais pu le faire démarrer à 100 balles, mais. vous pourrez pas voir la donation, malheureusement. Et je suis enrhumé. C'est pas sérieux. Ah putain. Est-ce que choper des plans sur Grindr, c'est PD? Un petit Un peu. petit peu, oui. Un petit peu. Ça dépend si la personne dit no homo ou pas. C'est ça. Ah désolé, merci bien. Pourquoi il y a le drapeau gay? Bah, c'est un peu le thème de la soirée, ça va être une radio libre sur le thème de l'homosexualité un petit peu, sur la commune LGBT et notamment l'association Le Refuge, qui est un peu le centre du live de ce soir. Voilà. Mais on va vous expliquer après quel va être le programme, ce qui va se passer, etc. Elle est où la Répondez la tablette? question, les trappes gays ou pas gays? Ah bah Un gays. petit peu quand même. Hein. Vous êtes ensemble? Ah Oui. bah tout de suite! Oui. Et la tablette, elle est là, mais vous la voyez pas. La tablette. Ça va être un long live. Oh bah il va faire quelques heures, ouais. On devrait terminer vers minuit, un truc comme ça, je pense. Oui. Facile. Et vous pourrez vous inscrire à n'importe quel moment de la soirée. Il faudra juste aller sur Discord. Vous avez le lien en description. Et envoyer un message privé à Lucar, le modérateur. Gay uniquement si tu restes dans le piège. La célèbre tablette. Ah bah Les trappes, c'est gay, mais ça ne nous empêche pas de profiter. Putain, j'adore cette mentalité. Alix, pourquoi t'as un gant coupé? Et pourquoi t'écris en caps? C'est parce que je dessinais avant, mais c'est. Je vais l'enlever là, je ne dessine plus. C'était sur la avec la tablette. Pour la tablette. La nuit des cons, il y a environ 2 ans, où les youtubeurs La faisaient des nuit de défis à cette thème. Crone, pas la nuit des cons. J'ai lu la nuit des cons. Oh la vache. Chaque palier de donation, comme à 20 € on casse un œuf sur la tête d'Alix. Non, on fera ça peut-être une autre fois, mais là. Bah, on va dire que si on atteint 200 €, il y a Alix qui est en kigurumi. Ouais. Voilà, c'est à la limite ça. Tu peux mettre le. Tu peux Bon, je mettre veux un bien le texte mettre, aussi. moi, c'est Non, bon. moi. D'accord. C'est quoi les traps? C'est quand ça ressemble à une fille, mais qu'il y a une surprise dans la culotte. Voilà, c'est. Je Celui de lapsus. Ah non, là La nuit c'est. des cons, quoi. Ouais, le seul con, c'est celui qui a dit ça. À quand Polymanga, quand tu Quand nous il nous invites? invite. Alors, ça va dans le couple, pas trop de chamaillerie? Oh, Non, ça ça va. va. T'inquiète. Alors, le but de la soirée, comme vous le savez peut-être pas, on a déjà fait plusieurs fois des radios libres, où en fait on lance un sujet. La nuit des rions. On lance un sujet et les gens viennent en vocal pour discuter avec nous de ce sujet. Et là, le thème, ça va être tout ce qui est relatif à la commu LGBT, à l'homosexualité et notamment au refuge.
Donc si vous avez des points à soulever, juste des questions, des trucs à partager, vous êtes le bienvenu. Il faut juste que vous rejoigniez notre serveur Discord dont le lien est en description. Vous envoyez un message privé au modérateur Alucard et vous lui dites j'aimerais participer en précisant de quoi vous aimeriez parler et vous serez dans la salle d'attente. Et petit à petit, on fera passer les gens comme ça en vocal avec nous, 15-20 minutes par personne environ. Et on discutera avec devant tout le monde et on pourra interagir avec le chat et tout, ça va être sympa. Si vous avez des trucs un peu sensibles ou quoi, ou vous osez pas trop à partager, n'oubliez pas que vous pouvez être complètement anonyme avec le compte que vous faites sur Discord. Et faut pas hésiter à partager si vous avez vraiment des trucs importants à dire ou des anecdotes ou quoi, parce que ça peut en inciter d'autres qui n'osent pas passer, à passer à leur tour. C'est Ah. contre nature. C'est un peu fort. Ah bah premier don, voilà. Juste pour débuter que je peux pas rester. Ah merde. Ouais. Bah merci pour ton premier euro C'est de la Galbar, c'est soirée. ça? Oui. Bah merci à toi. Non, c'est Galbor. Galbor. Bah merci pour ton premier don, tu ouvres le bal. Le message des temps. Donc le but, ça va être de parler de ça tout au long de la soirée. Au début, on va avoir un invité, c'est un... Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui bosse au refuge ou si c'est juste un bénévole ou je ne sais quoi. Bah, il va nous le dire. Il va nous le dire. Mais c'est quelqu'un qui est directement du refuge et il va parler avec nous de ce que c'est cette association. Il va répondre à vos questions. Vous pourrez lui poser des questions dans le chat, il pourra y répondre. Et ensuite, on passera avec vous, avec ceux qui sont inscrits pour la radio libre, et on lancera le truc. Et tous les dons qui seront faits lors de cette soirée seront reversés à l'association du refuge. Voilà. Pour savoir c'est quoi qui tombe dans le verre. Pour les petits dons, c'est des spéculoos. Voilà, c'est pour les petits dons. Et les trucs changent suivant la hauteur du don. Voilà. Donc au cas si on n'a rien de prévu, on va commencer tout de suite. Reste. Ah, il y en a qui nous parlent à côté, mais c'est un peu pas le moment. Désolé. Attends, je voudrais juste remettre. Docteur White. C'est contre nature. Hein. J'ouvre le bal pour ce soir. Ah non, tu as été second, Docteur White. Ah, dommage, Docteur White, tu es le deuxième donateur, mais merci pour Merci ton à don de toi. 2 euros. C'est très gentil. C'est vrai qu'on est en fin de mois, mais bon. Mais vous en faites pas, on va pas s'amuser à détourner les donations de ce soir, ce sera tout Voilà. pour le refuge. Hein. Et au cas, si jamais il y en a beaucoup des donations, on va faire un truc, c'est si pendant qu'on est en vocal avec quelqu'un, il y en a, on les lira quand la personne sera partie et on sera entre deux personnes, on va dire. Combien? Ah ben voilà. 3 points Je d'emprunt. peux pas rester, donc je lâche l'argent maintenant, continuez ce que vous faites, ça fait plaisir. Et merci à toi, Big G le comptable. Big G le comptable, merci beaucoup à Qui toi donne pour tes 33,33€. 33,33 euros. Et ben merci. Et puis, comme cette soirée c'est spéciale, on peut demander les dons Voilà. impunément parce que c'est pas pour nous. Donc n'hésitez pas cette fois à donner C'est un maximum contre d'argent. Ah, nature. Hein. ça part sur Dark Souls Soit 3 en vous écoutant. Et ben Merci à toi, Fuzz. merci Fuzz. Un petit don de 2 € qui fait plaisir. Je voulais faire un truc. le baisser peut-être un peu pour qu'on puisse voir Ouais. la barre. Ouais, mais là je peux pas trop. Mets-le. Attends, laisse-moi Non, faire. non, non, attends, J'ai attends, trouvé. attends, Non mais. Tu arrêtes de faire des bêtises. Attendez, on règle un petit peu Voilà. le. Et évidemment, il a fallu que tu décales ça. Qu'est-ce qu'il fait? Tac. Ouais, vas-y. Épate-moi. Pas con. Ah, presque. Voilà. Presque pas con. Voilà. Pas con du tout. Parce qu'ils sont tous fous avec Donc vous le message détournerez de dos. l'argent sur un autre événement? Bah ouais, on verra, oui. Oui. Un événement où il y aura plus de monde. C'est quoi votre logiciel de montage? C'est Adobe Premiere. Mais on Mais va ça pas n'a rien à partir voir. sur une FAQ de la chaîne, on va commencer tout de suite le vocal. Alors, nous sommes avec quelqu'un du refuge et on va lui parler tout de suite. Et T'as c'est vu? parti, j'espère qu'il est là. Allô? Bonsoir. Ah, salut. Bonsoir. On voit que ça marche C'est bien. contre nature. Hein. Ah, et merci à... Hey. Alors, je vérifie. Putain, c'est une blague. À mon avis, c'est revenu. Ah. Vu que ouais, ça s'est reset, là, c'est revenu, à mon avis. Putain, c'est bien le soir où il faut avoir des problèmes de co. Hein. Ouais. Parce que... C'est revenu? Je sais pas. Mais je comprends pas parce qu'on a la connexion à côté, mais... Ouais. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ah, allô? Voilà. On n'entend plus du tout notre ami là.
Mes oreilles ont mouru. Allô ? Le pire, c'est qu'on a eu vraiment une coupure très courte et ça a foutu. Bah ouais, c'est bizarre. Je vous entends plus. Je vous entends plus. Bah attends, déconnecte-toi du. Non, toi. Voilà, ça devrait aller. Allô ? Ah, voilà. Oui. Ça, c'est... On a eu un petit problème de notre côté, on sait pas ce qui s'est passé là. Oui, c'est pas grave. Ah, pardon. Alors, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors. Bah, du coup, je m'appelle Kylian, j'habite à Nice actuellement. Ah bah copain. Je suis bénévole pour l'association depuis 2 ans et demi. Mmh. J'ai 20 ans, hein, ceci dit. Je suis bénévole depuis 2 ans et demi du coup, et je suis passé en service civique pour l'association parce que j'avais envie de m'investir plus et j'avais du temps libre. Et du coup, je suis passé service civique en janvier dernier. Mmh. Et du coup. En fait, je suis basé à Nice dans la délégation de Nice et je m'occupe de tout ce qui est événementiel, partenariat pour l'association à Nice et aussi des loisirs et l'animation. D'accord. Donc en gros, c'est pour résumer rapidement mon rôle, c'est moi qui vais tisser en fait les partenariats avec les différentes structures à Nice, que ce soit les autres structures associatives, pour aider nos jeunes directement ou les partenaires, les privés, pour les dons, pour organiser des soirées, etc. etc. Voilà. D'accord. Et il y en a qui demandent, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du refuge et nous dire ce que c'est concrètement ? Ce que c'est concrètement le refuge ? Alors en fait le refuge c'est très simple, en fait c'est très basique au final. Le refuge c'est une association qui vient en aide à des jeunes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans, de 18 à 25 ans. Qui sont rejetés de leur famille à cause de leur homosexualité ou à cause de leur transsexualité. Mmh. Et le but en fait c'est de les accompagner, ça fonctionne par contrat de 6 mois renouvelable et on propose un accompagnement complet qui passe par un accompagnement psychologique, social, médical ainsi qu'un hébergement. On propose un hébergement d'urgence où en gros là par exemple à Nice on a en tout 8 jeunes accompagnés et dont quelques-uns qui vont être hébergés et ils vont vivre en communauté en fait dans un seul appartement ensemble. Voilà. D'accord. Donc en fait les jeunes qu'on accompagne vont rentrer en contact avec nous par une ligne d'urgence nationale, donc c'est un téléphone, un 06, tout ce qu'il y a de plus basique. En gros, quand il y a un entretien avec un travailleur social qui est fait, histoire de vérifier les propos, et on peut pas vérifier vraiment l'homophobie, mais histoire de comprendre ce qui se passe dans la vie de cette personne en difficulté. Mmh. Et à partir de ce moment-là, on va mettre un point d'honneur à aller le plus vite possible en fait sortir de son homophobie familiale ou sociale. Vous pouvez intervenir directement au niveau de la famille et parler avec la famille ? Non, nous on va pas faire ça parce que il y a d'autres associations par exemple comme Contact qui le font très bien déjà. Mmh. Et en plus de ça, généralement les jeunes qui arrivent chez nous sont en état de choc et veulent absolument être coupés de leur famille généralement. Après ça arrive mais ça sera que sur la demande du jeune et on va pas rentrer en contact nous-mêmes. D'accord. Voilà, ça sera que sur contact sur la demande du jeune. Et après j'ai oublié de dire aussi, on peut accueillir des mineurs seulement sur décision de justice. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, sur Paris, il y a un jeune qui a débarqué, qui avait 16 ans, qui a débarqué directement au local en disant qu'il venait d'être viré de chez lui et qu'il avait nulle part où aller. Et donc c'était dans la nuit. Et on a mis en place un gros travail avec le délégué de Paris. Mmh. Pour débloquer directement la vie de justice dans la nuit et pouvoir l'héberger directement en fait. D'accord. On essaye d'aller au plus vite possible à chaque fois. Il y en a qui demandent dans le chat pourquoi 18 à 25 ans. Alors en fait, pour le moins de 18 on vient de l'expliquer. Mais... Voilà. pour 18 à 25 ans en fait c'est simple, c'est si on va en dessous de 18 ans déjà comme je viens de l'expliquer c'est très compliqué, ça va passer par la justice. Et après, on estime, c'est un peu une question compliquée parce que ça va être différent pour chaque cas en fait. On peut pas vraiment définir, par exemple, à partir de 25 ans, il n'y a plus d'homophobie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais en fait, on estime qu'à partir de 25 ans, on a une certaine,
une certaine intégrité sociale et on a plus de chances de pouvoir se débrouiller par soi-même que quand on a 20 ans et qu'on sort directement du cocon familial. Voilà. Ouais, normal. Ouais. Pour ceux qui demandent dans le chat, oui, il y aura une rediffusion, ce sera sur notre chaîne YouTube secondaire. Si vous voulez le lien, c'est en description de la vidéo. Voilà. Et il y en a un qui demandait comment on faisait pour les dons, c'est pareil, c'est en description. Ouais, vous allez dans la description et normalement c'est le premier lien, c'est un lien PayPal. Enfin, c'est un lien Twitch Alert. Oui, c'est un lien Twitch Alert, pardon. Il y avait une question qui était pas mal, qui était avant. Est-ce qu'il y a d'autres refuges comme ça dans d'autres endroits de la France ? Oui, oui, il y a actuellement 18 délégations, donc dans toute la France. Hein, ça va de Lille jusqu'à Strasbourg, jusqu'à Rennes, et ça descend jusqu'à Nice, Montpellier. Il y en a vraiment dans toute la France. Et dans les endroits où on n'est pas implanté, on a mis en place un système de correspondants relais. En fait, ça va être des porte-parole qui vont sensibiliser sur le terrain. Par exemple, ça va être surtout dans des milieux dans la campagne, des milieux reculés, en fait. Là, on va pas pouvoir être présent. Et donc, en fait, on a 18 délégations à l'heure actuelle et on essaie de développer un maximum. Et dans les régions voilà, où on peut pas être, on essaye de communiquer un maximum sur le fait... sur le fait qu'on existe, et si par exemple un jeune arrive n'importe où, va rentrer en contact avec un correspondant relais ou un jeune qui arrive à Nice, les jeunes, s'ils le veulent, peuvent être amenés à intégrer une autre délégation, c'est-à-dire à Nice. Actuellement, on est complet, comme sur toute la France. C'est contre nature. En surcapacité sur toute la France. Et quand on peut pas accueillir, que c'est vraiment pas possible, on propose aux jeunes d'aller dans une autre délégation, autre part dans la France. Et généralement, c'est fait assez facilement parce que ça coupe directement avec l'homophobie. De la famille, ils préfèrent l'éloignement est souvent réparateur. D'accord. On peut peut-être lire vite fait les donations qu'il y a eu. Merci professeur Goer pour ton don de 5 euros qui nous dit « Vous avez de la chance, j'ai reçu ma carte bancaire hier, bande de salauds. » Et il y a eu une première juste avant. Oui, c'est SilverX30 qui a donné 2 euros et qui demande « C'est quand le prochain ça va vite ?» qui est complètement hors sujet. C'est pas grave. J'aimerais donner faire des dons, mais je ne peux pas. Bah, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes dans ce cas-là ? Oui, alors en fait on est en augmentation constante, c'est-à-dire que là en 2017 par rapport à 2016 on est à plus de 21%. Donc c'est énorme. Oui, oui, oui. De 2007 à 2016 on est à plus de 21%. Ah par contre, d'accord. Pardon ? J'ai cru que c'était en un an en fait. Oui, mais non, c'est ça, en fait par rapport à 2017. Enfin, par rapport à 2016, pardon. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait les chiffres de 2017 en début d'année et on s'est rendu compte qu'en 2016, par rapport à 2016, on a eu plus de 21%. Sachant qu'on est confronté aussi à une autre problématique qui est extrêmement liée à la nôtre, c'est-à-dire la problématique des migrants. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, on a énormément de migrants. De migrants LGBT qui ont fui leur pays, notamment dans tout ce qui est Moyen-Orient, Afrique du Nord, Tchétchénie, Pays de l'Est, voilà. On a actuellement 27% de migrants accueillis, ce qui est absolument incroyable. Et voilà, donc on est à peu près sur 80. On a presque une centaine de personnes hébergées actuellement. Alors, il y a deux questions. On va lire les donations qui viennent d'apparaître. Ouais, alors, il y en a eu un de 2 euros de Ajuster Naka qui n'a rien dit. Ou alors, il a dit quelque chose avec un mot interdit et ça s'est fait enlever. Donc, désolé si ton message n'est pas passé. Parce que j'ai pas setup de mot interdit. Donc, si ça s'est fait, ça s'est fait. Ou alors, c'est trop long. Non, ça s'écrirait quand même. D'accord. Un don de 8 euros de Galborz qui nous dit « Cet argent était pour un paquet de clopes, mais la sauce mérite plus. Désolé, je peux pas donner plus. » C'est pas grave, c'est déjà très gentil. Le moindre don, c'est déjà énorme. Alors, il y en a un qui demandait si on peut vous contacter à un numéro. Je vais faire un truc, c'est que je vais afficher... je vais créer un texte avec le numéro, ce sera mieux. Alors, attendez, je te laisse lire un peu le chat en attendant. Alors, attends... Déjà pas mal de spéculos sur 20 minutes, oui. Alors, ouais, tiens, par exemple, est-ce que vous avez déjà eu des soucis par des parties
ouais, des parties homophobes, genre Manif pour tous. Alors, j'ai juste une question avant, excuse-moi, oui. Je te coupe. Tu peux me filer le numéro de la ligne du refuge, que je puisse l'afficher, s'il te plaît? Ouais, ouais, je t'envoie ça de suite. Hop. Et après, on va répondre à la question. Et on répondra à ta question après, Super Grizzly. Alors, je te le donne en vocal, du coup? S'il te plaît, ouais. Attends. Alors, c'est le... Ouais, vas-y. Okay. C'est le 06 31 59 69 50. Donc voilà, c'est un numéro qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra si vous avez besoin d'appeler. Donc ça, voilà, c'est un numéro d'urgence. Et si n'importe, il vous arrive n'importe quoi, vous pouvez appeler à n'importe quelle heure, il y aura quelqu'un. D'accord. Ça, et le seul truc qui me fait peur, c'est que là, il risque d'y avoir des trolls. C'est possible, mais bon. Ça, malheureusement, on peut pas trop... Après, enfin, moi je me dis que si jamais ce numéro peut aider, je pense que ça vaut la chandelle d'avoir quelques trolls, je me dis. Oui, c'est voilà, un peu dégueulasse. C'est pas si grave. Fais juste afficher le logo du refuge que j'ai quelque part. Bah, trouve-le et drop-le directement sur... Attends, si vous pouvez répondre à la question en attendant. Est-ce que vous avez déjà eu des parties homophobes, entre guillemets, ou des problèmes avec des groupes comme ça? Alors, on va dire que l'association essaie d'être le plus apolitique possible. Celui-là, oui. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans ce qui va être, par exemple... Bien sûr, on sera forcément concerné, par exemple, quand il y a eu toutes les manifestations Manif pour tous, etc. On va être forcément concerné. Maintenant, on n'a pas eu de problème directement avec eux, puisque en fait, on n'est pas une association militante, au final. On va être une association qui va être sur le terrain pour aider qui en a besoin, mais on ne va pas être ceux qui vont porter les droits de la cause sur le devant de la scène. Donc, on ne va pas être forcément les premiers à être attaqués. D'accord. Il y en aura d'autres comme par exemple SOS Homophobie qui en ont pris plein la tête et oui bien sûr eux ont eu des problèmes mais nous ça va. Oui, comme il n'y a pas le côté militant tout de suite ça. Voilà c'est ça. C'est un peu plus moins transparent d'emmerde, entre guillemets quoi. Sachant que je me permets j'ai vu une question sur le chat si on pouvait appeler aussi pour juste des questions bien sûr. Bien sûr, s'il y a quoi que ce soit, c'est en fait, le numéro nature, d'urgence est vraiment pour les urgences. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de délégations en France, on a 18. Donc, la personne qui a dit ça, si tu as besoin, je t'invite à prendre contact avec la délégation la plus proche de chez toi. Si tu as le site du refuge, sur le site du refuge, tu as une carte où tu pourras trouver où chaque réfugié et tu vas avoir aucun souci pour les contacter et il y aura aucun souci par rapport à ça. Si tu as besoin même de passer au local d'accueil, de discuter avec quelqu'un, que ce soit le psychologue, travailleur social, il n'y a aucun souci, on sera là pour toi. Y en a qui demandait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'était pas d'accord avec le... ou qui ne comprenait pas l'intérêt du refuge. Qu'est-ce que le refuge apporte de plus par rapport à un refuge de jeunes tout court? Pourquoi se centrer uniquement sur les LGBT, homosexuels, etc.? Alors, en fait, c'est très simple. Au final, la thématique et les problèmes que rencontrent les jeunes touchés sont extrêmement complexes. C'est-à-dire que le choc subi, un refuge, entre guillemets, pour jeunes, lambda, entre guillemets, même si c'est pas le mot, jeunes hétérosexuels ou jeunes en difficulté, ne va pas forcément avoir la même approche, la même compréhension de la problématique. Et donc ça, ça sera que sur les jeunes LGBT, enfin, les jeunes... par exemple les lesbiennes, les gays. Maintenant, comment réagir face aux transgenres? Les associations qui vont aider les jeunes en difficulté vont être dépassées par ça et c'est une problématique extrêmement compliquée. Donc nous en fait on a une certaine expertise. Voilà, on apporte une expertise, un feedback en fait. On essaie d'apporter notre expérience, même si chaque bénévole va réagir différemment. On essaie d'apporter notre expérience et d'accompagner le jeune avec toute une mise en place autour, c'est-à-dire voilà, l'accompagnement psychologique, médical, etc. Et ça va être sur des personnes qui vont être formées à la problématique. C'est pas une problématique facile à aborder. D'accord, parce que d'autres refuges
pour des jeunes au sens large ne pourraient pas apporter. Bah, j'imagine qu'ils peuvent, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il y aura la même compréhension du sujet ? C'est pas certain. Ouais, je vois. Comme ce que quelqu'un disait dans le chat et qui posait la question s'il y avait beaucoup de gens qui se faisaient exclure de chez eux quand ils font leur coming out. Et bah oui, justement, c'est à cause de cette problématique que le refuge a été créé. Mm. C'est parce qu'il y en a énormément, et même à notre époque, et c'est malheureux de voir ça. C'est ça. Les donations. Dons, ouais. Alors, on a eu Stash qui nous a dit cadeau pour l'association de la part de votre lézard câlineur. Merci à toi. Voilà. On voit exactement qui c'est. Et à Lucas Jacal, notre modérateur, qui dit parce qu'un euro reste un euro, pour aider des gens aussi formidables que j'adore, c'est contre nature. Hein, oui, parce que je sais pas si t'entends, mais pour les donations, on a mis le sample oui. C'est contre nature. J'ai beaucoup rigolé, ouais. J'ai beaucoup rigolé. J'ai une question, alors ça, je pense que ça va être répondu vite fait. Je suis cis hétéro, mais est-ce que je veux être bénévole, est-ce que je peux ou j'ai les moyens? Alors, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Bien évidemment, oui. Évidemment, tout le monde peut venir, n'importe quelle aide, n'importe quelle disponibilité, n'importe quel don, pareil, n'importe quoi peut nous aider. Si vous avez l'envie d'aider, si vous avez n'importe quoi, une question par rapport à ça, si vous pensez que vous n'avez pas assez de temps, que vous pensez que vous êtes hétéro ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci, tout le monde peut venir tant que c'est dans une démarche bienveillante. Voilà, c'est juste ça. Alors, Super Grizzly, celui qui a posé la question de l'utilité, entre guillemets, du refuge, qui disait « Pourtant, je vivais dans un foyer avec des homos et il n'y avait aucun souci pour eux. » Bien sûr, je ne dis pas qu'il y a des soucis dans les foyers pour jeunes. C'est évidemment. Je dis que la seule chose qu'on pourrait apporter en plus, ça serait un accompagnement plus personnalisé. Et aussi, j'ai envie de dire, au moins là... quand ils savent qu'ils ont été rejetés par leur homosexualité, c'est un endroit où ils peuvent aller sans crainte de se faire rejeter, alors que dans un autre foyer, il y a toujours le risque d'avoir les autres pensionnaires qui peuvent être moins tolérants. Voilà. Ou c'est le fait de savoir que c'est fait pour, ça peut les inciter à le faire plutôt que de rester dans la rue. Voilà, parce que je veux dire, faut pas oublier que ce genre de communauté, c'est si on s'entraide, c'est simplement parce que de base, c'est des communautés qui ont pour habitude d'être exclues, donc ils se dirigent naturellement vers les gens de la même communauté. Voilà. Avez-vous des branches de votre association dans d'autres pays? Si oui, des infos dessus. En plus, serait sympa. Sinon, avez-vous des liens avec des associations équivalentes? Alors, oui, on est présent en Italie et en Suisse. C'est contre nature. Hein. Maintenant, c'est pas encore extrêmement développé. Donc, on est présent en Italie et en Suisse. Et on essaye de... On n'est pas présent dans les pays un peu plus difficiles, si je pourrais dire, par exemple au Moyen-Orient et dans les pays de l'Est. C'est ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est d'aider ceux qui nous contactent de là-bas. On n'arrive pas, enfin, on n'a pas de vrai partenariat avec d'autres associations là-bas. Bien sûr, on est en contact, hein, mais on n'a pas de vrai partenariat solide. Et après, nous, la seule chose qu'on peut faire, au final, c'est... aider ceux qui ont réussi à venir en France. Par exemple, un jeune Tchétchène qui fuit son pays à cause de l'horreur qu'il y a eu, voilà, de l'horreur qui se passe en ce moment et sur laquelle il y a eu un gros coup de projecteur il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Nous, en fait, on va l'aider. On va l'aider à partir du moment où il a fait sa demande d'asile. Voilà. D'accord. Malheureusement, on n'a pas le droit de l'aider avant ça, mais... essaye un maximum d'aider et de développer bien sûr le réseau. D'accord. Et comme dit dans le chat, quelqu'un qui dit je vous remercie beaucoup pour ce live, je fais partie du refuge à La Réunion. C'est pas notre pays, mais c'est loin. Mais, oui, la fameuse île de La Réunion. Oui, hein, l'île de La Réunion, oui. Putain. C'est pourquoi le live caritatif, c'est pour l'association Le Refuge qui aide les jeunes de 18 à 25 ans. Écrit de là. Voilà, exclus de chez eux pour leur homosexualité ou transsexualité. Voilà, tous les problèmes liés au LGBT. Voilà, LGBT-phobie, on va dire. Ouais. Et je dis pas toutes les lettres derrière parce que sinon j'ai pas fini. Voilà, on va lire à nouveau les donations. Petit point don. Alors, il y a Morgan Manga qui dit un don mini pour la bonne cause.
On m'a dit que j'étais homophobe parce que je n'aimais pas le yaoi. Moi, je dis bullshit, des bisous pleins d'amour et de tolérance. Merci pour tes T'as bien sentiments. raison. Et le yaoi, c'est encore autre chose, hein. Oui. Et alors, je ne sais pas s'il faut dire Viper ou Vipère, mais on va dire à la française. Viper Lyon 06 qui nous donne 25 euros et qui nous dit bon courage les gars, rendez le monde meilleur. Ah, du moins, on va essayer. Émoticône souriante. On va essayer. Mais merci pour tes 25 balles, en tout cas. C'est assez rare de voir des trucs comme ça sur YouTube. Et eh ben c'est bien pour ça qu'on le fait. Oh, je pense pas que ce soit si rare. Après, il y a des gros événements, genre le Z-Event, mais ça, c'était dans le milieu du streaming. Oui. Mais c'est pas si rare, je pense. En tout cas, là, on est presque à 100 euros de dons, déjà, oui. Et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Mais derrière. Les trucs, on voit pas assez l'écriture rouge en dessous du refuge. Ah, c'est juste le slogan, c'est... C'est le logo... Attends, regardez, on va faire ça, voilà. Agir contre l'isolement des jeunes, voilà. Voilà. Maintenant, je le remets à sa taille initiale. Je vous conseille le manga... Alors là, c'est ouais. Pas trop le sujet. Éclat-Dame qui parle de cette thématique LGBT+, dans la société, pour ceux que ça intéresse. Pardonnez-moi, c'est hors sujet, mais je tenais à le dire. Bah, enfin, pourquoi pas, après. C'est mis hors sujet, on va dire. Voilà. Je rappelle, si jamais vous voulez participer à la Radio Libre, dès qu'on aura terminé avec... avec d'autres invités, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment du live. À Lucard, si tu peux de temps en temps balancer le petit texte pour dire comment rejoindre. Il faut aller sur notre serveur Discord dont le lien est en description, vous demander à Lucard de participer, et il vous passe dans la salle d'attente. Et vous pourrez participer et parler avec nous, on va venir à vous tout de suite après. Le live devrait rester jusqu'à minuit et plus, on verra bien. Oui, voilà, on verra bien. Après, je soutiens tous ces petits PD parce que c'est pas cool de se faire rejeter comme ça. T'as bien raison. C'est comme, tu sais, tu fais une parodie du logo du refuge et c'est en dessous, il y a écrit agir contre l'isolement des jeunes PD. Ou agir contre les jeunes, tu sais. Mais combien de personnes sont concernées aujourd'hui? Alors, le chiffre, ça serait impossible à donner. Oula, mais on beaucoup. A des estimations? Alors, le seul chiffre que je peux donner, ça serait le chiffre... de l'hébergement actuellement, donc on avoisine les 100 personnes hébergées, sachant que... Juste sur Nice Non, sur le national. D'accord. Sur Nice, on est à 6 personnes. Ok. En fait, en 2017, l'association a enregistré presque 800 demandes d'hébergement. Donc on peut pas tous les accueillir malheureusement parce que pour des moyens logistiques et donc en fait quand on peut pas accueillir des situations quand c'est vraiment des situations graves, quand on peut pas accueillir, on débloque des nuitées d'hôtel. D'accord. Pour un certain moment, et après on essaie de rediriger quand c'est possible vers des foyers, justement comme des foyers des jeunes travailleurs, où on se rapproche de la mission locale. On a un tissu de partenaires associatifs qui nous aident à organiser ça. Donc en fait, on a fait en 2017, il me semble, 30 000 nuitées d'hébergement sur toute la France, et c'est à presque 15% d'augmentation par rapport à 2016. Donc en fait c'est ça le en fait il y a une petite il y a un paradoxe en fait, parce qu'on pourrait se dire que avec l'avancée des droits, forcément l'avancée des mentalités est obligatoire. Sauf que c'est exactement le contraire en fait. C'est exactement le contraire de ce qui arrive à l'heure actuelle. Je pense en fait que c'est plus vicieux que ça. Je pense qu'en fait, c'est avec l'avancement des droits, les gens osent plus faire leur coming out, et c'est à cause de ça qu'ils tombent sur, qu'ils se rendent compte que leurs parents ne sont pas tolérants. En fait, c'est pas un cercle vicieux, mais c'est parce que ça avance que les gens sont plus en confiance, et du coup, ça provoque ce genre de problème. Donc en fait, c'est juste que ça fait découvrir les gens qui sont pas, qui n'ont pas la mentalité qui a augmenté, enfin avancé, je veux dire. Au lieu de simplement de l'ignorer en fait. En fait, ce que je pense personnellement, c'est je te rejoins sur ça, c'est que en fait il y a beaucoup plus de personnes qui osent le dire tout simplement. Oui. Et du coup forcément ça augmente les chiffres. Donc c'est parce que voilà, il y a dans certaines familles on n'en parle pas tout simplement parce que c'est même pas un sujet. Et voilà. Mais le jour où ça arrive, il se passe ce qui se passe des fois quoi. Après, les mentalités mettent toujours plus de temps à changer, évoluer que le droit, et cela depuis toujours. Malheureusement, oui. En fait, généralement, ça prend souvent une génération en fait pour installer les trucs. Malheureusement. Alors, on a une donation. Oui, on a eu un don de 5 euros de Erion.
qui nous dit parce que l'asso mérite qu'on la soutienne, force à vous les gens, and be proud. Bah merci à toi mec, très sympa. Merci. Merci à toi. D'ailleurs, je sais pas si, ce que j'ai oublié de noter le notifier le refus sur Twitter, je sais pas s'ils savent que le live a commencé. Oui, je l'ai. En fait, je travaille à 10 avec le chargé de communication de l'association et oui, je l'ai fait pour remonter l'information. Il a partagé, etc. Ok. Bon, on essaie de participer un peu à notre échelle, donc mais bon, c'est toujours non, ça. Mais franchement, c'est très bienveillant et je vous en remercie à vous et même limite plus aux donateurs justement. C'est toute aide est incroyablement bénéfique et on peut se dire oh si c'est juste 1 euro, mais le souci c'est que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus 1 euro ça va vite. Exactement. Et c'est très important, tous ces petits dons, etc. C'est très important, sachant que pour vous donner une ordre d'idée, le refuge est financé à 80% de dons privés. C'est que des dons privés. On a des subventions, certes, de l'État, des régions, des mairies, mais c'est des dons privés pour la très grande majorité. Donc merci à vous tous. Mais il n'y a pas de quoi. Oui, c'est ça, Oculos. C'est quoi le refuge, une sorte de centre d'hébergement pour personnes LGBT? C'est ça, c'est spécifiquement les jeunes de 18 à 25 ans qui sont expulsés de chez eux par leur famille à cause de leur orientation. Le refuge leur offre un soutien moral, psychologique, logement, et les aide un petit peu à remonter la pente. Je suis là, c'est rien dit, ça parle un peu trop de dons, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, mais c'est un petit peu le but. Hein, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce soir-là pour parler dons et argent. Dire, tu vas pas dire aux The Event ou aux GDQ qu'ils parlent trop de dons. Mais si vous avez des anecdotes à propos d'amis à vous, ou de proches, ou même à propos de vous, vous voulez débattre d'un truc à ce sujet, inscrivez-vous pour la Radio Libre, on sera un plaisir de parler avec vous. Que pensez-vous du regard de la religion sur l'homosexualité? Il est souvent très mauvais, donc... Malheureusement. Même Pastèque, tu n'es pas sur le bon live pour te demander ce genre de choses. Ah, et une petite donation de Liendel. Je ne pourrais pas participer au live parce que j'avais déjà quelque chose de prévu ce soir, mais je suis quand même avec vous. Merci pour tes 10 balles. Merci pour ton don de 10 euros, c'est très gentil à toi. Du coup, à moins que vous ayez encore des questions, le temps que vous entendiez ma question, si vous avez encore des questions par rapport au refuge, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, on va passer tout de suite à la radio libre où on va parler avec vous. On va attendre un petit peu parce qu'il y a 40 secondes de décalage. Je reconnais deux pseudos dans la liste. Et merci à Lucard pour le rappel. Merci. Et oui, bien sûr, les modérateurs aussi sont là pour vous expliquer si quelque chose a déjà été dit, voilà. Pour pas qu'on se répète. Si je peux rajouter, par rapport au refuge, pour avoir une ordre d'idée de la structure de ce que c'est en termes de moyens humains, c'est environ 350 bénévoles à l'heure actuelle sur toute la France. On a 16 salariés qui s'occupent notamment de l'administration. On a 15 volontaires du service civique comme moi. On a 18 délégations, voilà, comme je l'avais dit, et on a 31 correspondants relais, donc des porte-parole sur toute la France qui parle du refuge, voilà. Et ça, c'est... Là, je viens de lire un truc qui est plutôt vrai. Vas-y. Le refuge, c'est comme les Restos du Cœur, ça devrait pas exister, mais les gens en ont besoin. Exactement. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. C'est triste à dire qu'en soi, ça devrait pas exister, mais en fait, c'est vrai. Est-ce qu'on peut mettre des pubs et récupérer l'argent en dons, Non, parce que ça serait trop compliqué. C'est pour ça aussi que... À calculer et tout, ça va être la merde après. C'est pour ça. Bon, personne l'a fait, donc en soi, j'ai pas besoin de le rappeler, mais n'allez pas sub sur Twitch ou donner des bits pour ça, parce qu'on pourra pas, en fait. Voilà. Parce que faut savoir, tout ce qui est lié à Twitch met 60 jours, donc ça va me faire un gros bordel dans les... Donc si vous voulez donner de l'argent, vous suivez le premier lien dans la description, mais surtout pas aller dans Twitch. Voilà. C'est pas le live pour ça, désolé. Mais sinon, il y a peur d'avoir d'autres questions. Mais au cas... pourquoi t'as commencé YouTube et pourquoi? Alors c'est pas trop le moment. C'est ce que j'aime dire. À la limite, il y en a un qui demandait si... Un éternel qui a demandé si les trappes c'était gay. Oui, mais c'est pas seulement gay, c'est aussi merveilleux. Voilà, c'est ça. Mais bon, on va partir sur des questions un peu plus sérieuses après. Alors, sinon, on va partir sur la radio libre, je pense.
J'ai vu une question dans le chat, désolé, hein. Une question super importante, et j'ai c'est vrai que j'en ai pas parlé, de Follet Astral qui dit est-ce qu'il faut parler de ça au collège, lycée pour changer les mentalités. Évidemment, oui. Et c'est l'un des combats majeurs pour la cause LGBT et d'autres, hein, comme le racisme, l'antisémitisme aussi. En fait, il y a des associations qui font ça extrêmement bien, et le refuge intervient aussi en milieu scolaire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les bénévoles sont formés par le directeur général de l'association. Après, il y a quelques phases d'observation, histoire de mettre ça en place dans des lycées professionnels, etc. Et ensuite, le refuge est appelé à intervenir dans des lycées et des collèges. Et c'est quelque chose qui est très important parce que justement c'est à ce moment-là qu'il y a des soucis. Quand au lycée, au collège, c'est là où c'est le plus important en fait d'intervenir et de se faire connaître. Et au-delà de changer les mentalités, c'est là où il y aura le plus de problèmes. Ouais. Par rapport à l'homosexualité. Surtout, etc. Que le collège, c'est pile, vu que c'est pile entre l'école où généralement les enfants sont trop jeunes pour comprendre le concept, et le lycée où la plupart du temps les mentalités commencent à se redresser un peu. Au collège, c'est un des endroits où ce genre de sujet peut être le plus cruel entre eux, quoi. Donc, exactement. C'est pour ça que c'est important. Il y en a un qui dit, je comprends pas. Attends une petite seconde. Le coming out, on peut en parler après si tu veux. Ouais, j'ai jamais compris en quoi ça pose problème pour que les gens soient gays, c'est leur vie, au fait, c'est rien de mal. Je pense, c'est une théorie comme ça, hein, mais je pense qu'en tout cas en France, c'est malheureusement dû à un très très fort héritage catholique oui, depuis toujours. Et dans on sait, dans les grandes religions monothéistes, ça a toujours été tabou, pour des raisons un peu obscures. Et comme en France, ça a toujours été très catholique depuis longtemps, c'est resté dans l'inconscient collectif. Mais pour répondre, pas d'une question d'héritage, mais d'une question actuelle, pour reprendre les mots d'Alexandre Astier, il disait que s'il y a autant de problèmes avec la sexualité d'autrui, c'est parce que les gens, surtout en France, ont une capacité de se mêler de ce qu'ils ne regardent pas avec une force aberrante. Ouais, c'est ça. Mais pour répondre à ta question, Fink, nous, de notre côté, notre coming out, ça n'a pas posé de problème parce qu'on a eu la chance d'avoir des parents, une famille très tolérante. Toi, je crois qu'ils en sont foutus royalement. Ah oui, non, mais c'est en mode... C'est genre, tu sais, ils ont même pas tourné la tête ou quoi que ce soit, c'est genre, ok, ouais, d'accord. Rien à foutre. Hein. Moi, de toute façon, je savais que j'avais aucun risque de le dire, donc... Moi, c'était plus de la grosse surprise de ma mère qui s'y attendait pas du tout, mais au final, bah, il n'y a pas eu de soucis particuliers, et ça se passe très bien. Je serais pas ici, sinon. Oui, sinon, tu serais pas chez moi, là. Bah du coup, on va passer à la radio live, je pense. Bah, je te remercie beaucoup d'être venu parler de l'association. Merci à vous. J'espère que ça aidera du monde, ce que tu as dit. Il y aura la rediffusion qui sera disponible, si ça en intéresse. Bien sûr. Pour terminer, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, que si vous sentez que ça va mal passer, même en préventif, hein, si vous sentez que ça va mal passer, que c'est un peu houleux, et que c'est un sujet assez sensible pour votre famille, n'hésitez pas, parlez-en. Mais à n'importe qui que vous jugez adéquat, c'est-à-dire que à la conseillère d'orientation du collège, du lycée, n'importe qui peut vous aider, faites-le. Et c'est déjà le premier moyen pour avancer. Et le refuge est là pour vous si jamais il y a besoin, et si jamais... J'espère pas, hein, mais si jamais vous vous retrouvez sans solution, le refuge est là pour vous. Il y a d'autres associations qui vont être très bien pour ça aussi, pour vous conseiller, pour vous accompagner dans vos démarches, etc., s'il y a besoin, par rapport surtout au transgenre. Donc n'hésitez pas, le premier truc qu'il faut faire si vous avez besoin, c'est d'en parler. Bah, c'est ce qu'on préconise à chaque fois quand on nous parle là-dessus. Si vous avez rien que des questions, vous voulez vous munir un petit peu, savoir quoi faire, appelez-les, ça coûte rien. Mais renseignez-vous, quoi qu'il en soit. Il y a même des associations qui peuvent vous permettre de faire intervenir un médiateur pour parler avec votre famille, hein, si besoin. Ah, évidemment, sans donner de nom, mais je dirais que dans ce chat, il y en a plusieurs à qui on a déjà fortement conseillé toutes ces démarches. Voilà, qu'on connaît personnellement, qui ont des problèmes niveau de ça. En tout cas, merci beaucoup à toi. On va passer merci la radio à libre. Mais il n'y a pas de quoi. Super. Et on se dit à peut-être à la prochaine, du coup.
Ouais, ça marche. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Bah, y'a pas de quoi. Pas de soucis. Bah, une bonne soirée à toi, du coup. Au revoir. Allez, salut. Salut. Drop-le dans un salon. Ah, par contre, il ne s'est pas déconnecté. Bah, non, mais drop-le dans un salon en attendant. Ça... Ah, voilà. Ouais, c'est bon. Pour participer, merci à Luc. Bah, du coup, vu qu'on a pas beaucoup de monde, je pense qu'on va faire tout bêtement dans l'ordre. Oui, même on peut faire des petites pauses questions entre et on verra. De toute façon, là, ah oui, attends, il y avait un don que je n'ai pas lu, je crois. Ah oui, je crois qu'il y a une donation qu'on n'a pas lu. Théo Angel Dust qui a dit pour une fois que je peux faire quelque chose pour une bonne cause, qui a donné 5 euros. Ah bah, c'est sûr, ça sera pas perdu, donc merci à toi. Bah, de toute façon, la barre là, elle sert juste à indiquer le. On en est quoi. On en est. C'est pour ça que le truc de base est 1 euro, parce que ça aide à partir de 1 euro. Donc voilà. On n'a pas spécialement de live goal, on ne sait pas trop mettre. Là, ça, c'est le pourcentage d'aide. Attendez, je fais un petit coup sur Discord. Fais un arrobase NH. Oui. Pourquoi ce sujet? Et pourquoi pas? Bah, si tu veux, je vais répondre. Tout bêtement. Non, mais c'est... Parce qu'à la base, on avait sorti en live à un moment qu'on était... On était bi, et notamment en couple, tous les deux. Et ça a interloqué beaucoup de monde, et on a eu beaucoup de questions en MP sur l'homosexualité. Ah, des sur des gens qui viennent en parler, parce que du coup, ça... Ils avaient des questions, il y en a qui avaient des problèmes, il y en a qui savaient pas... Se confier, tout ça, quoi. Et donc, à force d'avoir des questions, on s'est dit, bah tiens, on va en faire une radio libre. Il y a eu beaucoup de monde, ça a beaucoup plu, on a répondu à beaucoup de questions, on a aidé beaucoup de monde, visiblement. Donc on en a refait une autre, et à force, on a re-eu des questions, et on a pensé à en faire carrément un... faire quelque chose pour une association qui œuvre pour ça. Donc c'est pour ça qu'on est ce soir à faire un live caritatif pour le refuge. Ouais. Et je remarque que ça plaît toujours. Oui, parce que là, vous êtes 185, et on vous en remercie. Merci à vous d'être si nombreux. Qui est sur le lit? C'est un pote à nous, il ne participe pas. C'est le premier à le remarquer d'ailleurs. Non, il y en a déjà eu d'autres, mais c'est juste que j'ignorais ces questions. D'accord. Bah, du coup, on va passer à la radio libre du coup avec Angel 9¾. J'espère qu'elle est là. Putain, pour s'avouer gay, c'est compliqué. Voilà. Et pour s'avouer trans, c'est là encore plus. Trans, c'est encore une autre problématique qui est encore moins. Comment dire? C'est. Non, rien de tout ça, les gars. C'est, disons que c'est, comme c'est plus récent au niveau de la, j'ai pas envie d'utiliser un mauvais terme en fait, parce que j'avais envie de dire propagation, mais ça fait négatif. C'est que ça se, les gens se revendiquent trans de plus en plus, et comme c'est beaucoup plus nouveau que l'homosexualité dans la société, il n'y a pas encore beaucoup de... Il n'y a pas encore les trucs récurrents sur lesquels on peut se reposer. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Les dons iront directement à l'association. Oui, bien sûr. Là le montant que vous voyez là, c'est ce qui sera reversé. Voilà. Il faut compter 100 euros de plus, parce qu'on va donner 100 euros. Mais aussi... comme un truc que je lui faisais à la remarque tout à l'heure, c'est on va même donner plus de notre poche, parce que là il n'y a pas les frais PayPal qui sont pris en compte, alors que nous on va ne pas les compter justement. Voilà. Parce que genre sur 1 euro généralement on va toucher, je sais pas, 75 centimes, 80 centimes, mais c'est pas parce qu'on a touché 80 centimes par le don qu'on ne donnera pas 1 euro, on va donner 1 euro. Alors, je vais passer Angel 9¾ qui veut nous parler de son expérience. Alors, je sais pas exactement de quoi il s'agit, mais on va voir tout de suite. C'est parti. Allô? 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 Oui. Oh mon dieu. Bonjour. Bonjour. T'inquiète, tout va bien. Vous allez bien? Ouais, ça va bien. D'accord. Alors, est-ce que tu veux te présenter et parler un petit peu? Bah, je sais même pas de quoi tu voulais parler exactement. Je me fais appeler Angels, j'ai 13 ans, je suis pansexuelle. D'accord. Je me suis découvert il y a plus de
il y a plus de 2 ans maintenant. Est-ce qu'on peut définir... Tu l'as trouvé tôt. Je sens venir les questions, oui, déjà. Très tôt. Est-ce qu'on pourrait définir pansexuel pour ceux qui connaissent pas? Alors, ce n'est pas aimer le physique, c'est plus aimer le mental. C'est ne pas avoir de barrière de genre, en fait. C'est tu voilà, aimes n'importe on qui. Aimer tout, on peut aimer les hétéros, enfin, généralement. Imaginez... Hommes, femmes, trans... Le sexe, on peut... Voilà. Imaginez par exemple bisexuel, en général tout le monde voit ce que c'est. Bisexuel, c'est quelqu'un qui aime mec et fille. Pansexuel, c'est mec, fille et tout le monde, en fait. Voilà, c'est ça. Ça va être transgenre, transsexuel, voilà. N'importe. Pour les aficionados de Doctor Who, c'est Jacques Harkness. Voilà. Il s'en fout, il aime tout le monde. Donc du coup, tu t'es découvert pansexuel et tu voulais nous dire quoi par rapport à ça? Pansexuel, ce sont les mots, donc c'est pas faux. Bien vu. Déjà pendant un temps, j'étais plutôt bisexuelle. Mm-hmm. Et il s'avère que au final c'est pas le cas. Mais j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup beaucoup souffert étant donné que c'est découvert très très tôt. Et parce que j'étais amoureuse de ma meilleure amie, qui d'ailleurs heureusement est encore mon amie aujourd'hui. Je la remercie. Elle doit sûrement être en train de regarder le live d'ailleurs. C'est marrant. Et du coup, voilà. Et je m'en suis énormément voulu parce que ça a créé une grosse, grosse dispute. Avec ton ami. Une personne qui était. Ouais. Parce que elle, ses parents n'étaient pas du tout pour ça. Je vais essayer d'éviter de pleurer parce que c'est un truc qui me met assez mal. Mais voilà. T'inquiète, tout va bien. Oui. Au final, une personne qui était soi-disant proche de nous a tout raconté, et c'est en partie à cause de ça que je subis encore à ce jour du harcèlement au collège. D'accord. Ouais, c'était en 6e et je suis en 4e. C'est vrai que le collège, c'est un milieu assez horrible à ce niveau-là. Oui. Il y en a qui disaient, c'est pas un peu tôt 13 ans pour décider de son orientation sexuelle. Je pense que ça dépend des gens, en oui, fait. Voilà, il y en a qui mettent plus de temps que d'autres pour le découvrir. Ouais, ça dépend après de la maturité de la personne. Et... Après, je dis pas que je suis mature, il y a certains points, c'est vrai, je peux être un petit peu immature, mais sur d'autres, genre ce sujet-là, c'est un truc qui m'a fait apprendre conscience de beaucoup de choses, dont ça. D'accord. Donc toi, tu voulais parler de ton harcèlement, c'est ça, ou... Ouais, en grande partie, parce que j'avais surtout une question. Pour la personne qui est partie, justement, sinon c'est pas drôle. Une personne qui est partie pour le... Oui, la personne qui était au début du live. Ah oui, c'est vrai que là, c'était un invité, c'était pas quelqu'un qui répondait avec oui. nous. Mais de toute façon, il est contactable via Discord. Tu regardes dans le général, il est tagué, tu pourras. D'accord. Tu pourras lui parler. Ok. Mais oui, parce que. En fait, j'ai un collège rempli de personnes très très connes, des gros abrutis. Mmh. Bah, t'es au collège, quoi. Comme le disait quelqu'un dans le chat, ouais. Il dit le collège est souvent une période horrible. Donc, ouais. Une personne qui d'ailleurs va participer au live normalement. Mm-hmm. Mais notamment ma CPE qui sait que je subis ça depuis plusieurs années. Mais qui ne réagit pas étant donné qu'elle est homophobe. Pareil pour le directeur de mon collège, sous-directeur, machin et tout. Oui, et ça peut. Et le truc. Tu peux la faire sauter que, pour ça. Pas... Ouais. Le truc, c'est que je peux pas changer de collège, étant donné que c'est le seul. C'est le seul collège, le collège proche de chez moi, et c'est hors de question que j'aille à l'internat. Tes parents, ils sont au courant de tout ça? Mon père, étant donné que ma mère est plus ici. Ah. Et mon père, il se doute que ça va pas fort, mais il sait pas vraiment, vraiment quoi. Ah, il sait pas pour toi et ton harcèlement? Il sait pas vraiment, enfin, il sait que je suis clairement pas appréciée dans mon collège.
mais il sait pas à cause de quoi. Mmh. Après, entre temps, il y a eu plus de choses en plus de ma bisexualité, du coup. Mais ouais. Parce que franchement, la CPE et le directeur du d'établissement qui sont comme ça, sans déconner, faudrait porter plainte contre eux parce que c'est grave, quoi. Ils sont. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis allée me plaindre, parce que j'y suis allée, je me suis plainte plusieurs fois. La même réponse à chaque fois, c'est on n'a pas de preuves, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne ment pas? Oui, non, mais ça c'est de la connerie ça. Ouais, ils veulent pas s'en occuper. Ouais, c'est juste ils se dédouanent, c'est tout. Oui, c'est ça, surtout que bah, bon, là c'est le moment gros bad, mais j'ai plein de cicatrices sur les bras, à cause de tentatives de suicide et tout. Et non, selon eux, c'est parce que je me mets à l'écart de la classe, et c'est pas ma classe, c'est les autres qui me mettent à l'écart, c'est moi-même. Parce que là, clairement, faudra en parler à d'autres et porter plainte parce que c'est grave. Faut prévenir, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'autorité supérieure du corps enseignant pour pallier à ça. Ouais. Là, ces personnes sont clairement. C'est des responsables, c'est des personnes à haute responsabilité et c'est non-assistance à personne en danger. Là. Voilà, c'est ouais. Ça et oui, le rectorat, oui, ça doit être ça. Mm. Et. Je veux dire, c'est de l'incompétence professionnelle. Hein. C'est même pas de l'incompétence, c'est pire que ça. C'est de volontairement fermer les yeux là-dessus. Oui, mais bon, après, c'est sûrement ma dernière année dans cette ville. Tu t'en alors que de partir sur Montpellier. Pense pas que pour toi, parce que imagine, y a toi, mais imagine toutes les personnes qui vont passer après, qui seront dans le même cas que toi et qui ne seront pas aidées. J'y ai déjà pensé et bah je suis normalement, je dois avoir un contact avec une personne qui doit justement faire une visite dans le collège pour voir avec ça. Un inspecteur. Mais au final, oui voilà, un inspecteur, cherchez mon merci Alice. Mais j'ai pas de nouvelles de la personne et je retrouve plus son adresse mail et... Ou alors, ou appelle des associations, quelque chose, ou vraiment essaye peut-être d'en parler à ton père si tu sens qu'il le prendrait bien et qu'il pourrait t'aider. Mais si toi tu t'en sors, tant mieux pour toi, mais si tu le fais, tu pourrais aider beaucoup de monde. Parce que là, ils vont faire énormément de mal, ces gens-là, parce que c'est des gens à forte responsabilité. C'est des personnes qui sont sur l'établissement depuis plus de 10 ans. Ah, il faut les jarter, vraiment. Parce que. On sait pas pour rien qu'il y a autant de taux de suicide dans les communes LGBT et chez les jeunes. Hein. À moins que tu sois dans un collège privé catholique, c'est... Non, public et athée. Voilà, donc là, il y a... C'est pas pardonnable que des gens de cette mentalité soient un poste aussi important. Quoi. Donc vraiment, faut agir au moins pour les autres. Quoi. Oui. Comment on sait qu'on... Comment peut-on découvrir qu'on est LGBT? Simplement, comment dire, si tu sens de l'attirance pour autre chose que le sexe opposé et que tu ne le dénies pas, quoi. Enfin, je veux dire, même si t'es dans le déni, a priori, c'est que c'est le cas et c'est simplement. Quand tu sens que tu as une attirance pour une personne pas du sexe opposé, quoi. C'est... Une personne ou même un type de contenu, tout simplement. Après, je pense pas qu'on peut dire tu deviens LGBT parce que LGBT c'est un. Non, mais il a dit découvrir, pas le devenir. Oui, parce que LGBT ça désigne un groupe ou une communauté, on va dire. Ça désigne simplement tout ce qui n'est pas hétéro. Voilà. Complètement. Mais ça, si tu le découvres par toi-même, quoi. C'est en posant des questions. Si tu, c'est simplement, si tu aimes. Si tu aimes autre chose que la petite case hétérosexuelle qui est... Voilà. C'est pas compliqué. Y aura une rediff du live. Oui, sur notre chaîne secondaire, oui. Le lien est en description. Mais attention, il faut aussi penser à se protéger, entreprendre des démarches, et pour porter plainte, ça peut être épuisant. Il faut être sûr que père est tolérant. Oui, c'est vrai. C'est sûr, mais normalement... Mais vaut mieux essayer quand même. Oui, ça c'est sûr, mais... c'est quand même un sujet qui est très, très difficile à aborder pour moi. Oui, ça c'est normal, oui. Et encore plus avec mon père. Autant avec ma mère, ma mère était bisexuelle, du coup ça serait passé plus crème. Mais mon
père, c'est pas la même chose, surtout qu'on a des relations qui sont très compliquées. Et voilà. Je comprends. Juste, Félix, oui, le T veut dire trans, donc c'est pas uniquement une question d'orientation. Oui, c'est pour ça que j'ai dit personne pas hétéro ou cis. Mais essaye d'appeler, t'as plein de numéros pour des associations, juste pour avoir des renseignements sur quoi faire, parce que là, s'il y a moyen de faire tomber ces personnes-là, ça pourrait aider beaucoup de monde, franchement. Parce que les mentalités, elles changeront pas si tout en haut de l'établissement, bah, y a des gens qui pensent comme ça. Et ça va mettre des personnes en danger. Oui. Une personne qui demande s'il est en retard, oui, d'une heure. Un petit peu en retard, oui. Un petit peu. Il y a quelqu'un qui dit, si tu le dis pas maintenant, ça sera encore plus dur de le dire à ton papa. Ça dépend, en fait. Ça dépend des gens, quoi. Ah, c'est ça. Le truc, c'est que j'hésite à faire mon coming out à mon père. Parce que, même si je sais qu'il est très tolérant, vu que ses parents étaient du genre « on aime bien les homos, mais pas dans notre famille », j'ai peur qu'il ait récupéré cette mentalité, quoi. Après, il le savait que ta mère était bi? Mon père était au courant, je suppose. Mais mes grands-parents paternels, eux, n'aimaient pas ma mère. Oui, mais là, on parle de ton père, pas de tes grands-parents. Oublie pas aussi souvent que la génération, même si elle récupère des trucs de ses aïeux, généralement, la génération actuelle est toujours un peu plus tolérante que celle d'avant. Oui. Enfin, la plupart du temps, parce qu'il y a des contre-exemples, bien sûr. Tu devrais vraiment t'entourer et en parler à des gens autour de toi qui sont susceptibles de t'aider et susceptibles de faire bouger les choses. Et comme dit Chai Salio, le seul moment où tu dois faire ton coming out, c'est quand tu te sens prêt, faut pas se forcer. C'est ça. Mais si c'est avéré que le CPE et le directeur de ton établissement sont comme ça, faut vraiment essayer de faire bouger les choses, quoi. Et on vient d'atteindre les 200 personnes lors du live. Ce n'est pas rien. Mais du haut de mes 13 ans, c'est pas c'est super. Sûr, c'est difficile d'être pris au sérieux. Voilà, et surtout que pour expliquer, j'ai déjà pas mal de problèmes avec la justice pour différentes raisons. Mm-hmm. Et ils croient très peu les personnes, les mineurs, vu que souvent c'est des personnes qui veulent faire leur intéressant et du coup ils croient pas vraiment, quoi. Mais après, tu peux te dire un truc, c'est que si tu fais rien, rien ne se passera, mais si tu essayes, t'as une chance que ça se fasse. Oula. Dis-toi, si t'agis pas, c'est sûr qu'il se passe rien. T'as rien à y perdre. Faut au moins essayer, sinon c'est sûr qu'il y a rien qui se passera. Je rejoins votre chaîne, bof. Disons que si jamais ils tombent pas et qu'il s'avère que c'est... ils sont au courant que c'est moi qui ai demandé ça, je vais me faire défoncer, quoi. Et à tous les coups, je vais me faire détester, je vais me faire encore plus rabaisser par eux, donc bon. Ça, tu sais pas encore, hein, mais bon. Fais pas. Alors, la donation, c'était un don de 40 euros. 40 euros de chez Grido, je pense que ça se dit comme ça. Qui dit, j'ai reçu votre chaîne il y a peu de temps, j'adore ce que vous faites et défendez. Je suis hétéro, j'ai vécu des... Je sais pas, ils l'ont bien... En tout cas, il en a vécu. Ouais, il en a vécu. Il a vécu des situations du genre, je suppose. Mais je déteste les gens qui rejettent d'autres pour une différence ou une communauté. Je vous souhaite un bon courage à tous. Merci à toi. Et merci pour ta générosité. Merci, c'est ça. Est-ce que tu as autre chose à te dire, peut-être? Non. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, quoi? Alors, ma psy, et je la cite, aimer un sexe ou l'autre, ça passe, mais aimer les deux, ça commence à être un peu trop. Mais, elle est psy, t'es sûr? C'est pas une charlatan? Par contre, on est en plein drop, je crois. Ma psy m'a sorti cet argument aussi. Mais... elle me l'a déjà fait. Alors, on a eu un gros drop, mais je pense que c'est fini. Mais ils sont dangereux, ces gens, quoi. Mais je sais pas. En fait, non, ça doit être une personne frustrée d'être célibataire. Donc, elles sont en mode... elles voient les bisexuels comme quelqu'un qui ratisse tout. Franchement, fuyez-les, ces gens. Après ce que j'ai raconté, je sens que mon copain va m'engueuler, étant donné qu'il y a certaines choses que je lui ai pas dit. Ah. Et qu'il vient de compter sûrement sur le live. Ah bah, coucou à lui. Je l'embrasse et je l'aime.
Mais sinon, si t'as plus rien à dire, on va peut-être. Si t'as plus rien à dire, on va peut-être passer à une autre personne, du coup. Oui, parce qu'en plus, ça commence un peu à se remplir. Mais en tout cas, merci de nous avoir partagé ça. Ça n'a pas dû être facile non plus. Ouais. Je suis revenu de pleurer. Ah, écoute, c'est le cul coincé entre des chaises. Non, c'est le cul assis sur deux chaises. C'est ça. Mais bonjour, merci. Bonjour à la personne d'ailleurs qui est couchée sur le lit et qui ne participe pas au live. Ben, on lui dira bonjour à la personne qui est couchée sur le lit. Voilà. Il fait coucou. Il fait coucou. Mais merci beaucoup pour ton témoignage en tout cas. De rien. Bonne journée. Allez, bonne journée. Allez, salut. Au revoir. Oh, les deux psys, mais tu sais, des bonnes tartes oui, oui. Là, c'est. Désolé, lapsus, c'est pas grave. J'ai pas vu la phrase. Est-ce que c'est mal vu parce que c'est beaucoup trop d'un coup pour les gens? Je sais rien. C'est... Mais c'est mal vu par les gens qui sont coincés, surtout. C'est... Quand ça parle de sexualité débridée ou de tout ce qui est hors hétérosexualité, ça pose problème aux gens parce qu'ils sont coincés. Ils ont l'esprit mais étroit, ils regardent que devant eux et que ce qu'ils connaissent. Et le plus répandu, bah, c'est d'être hétéro et dans des relations uniques, on va dire. On va pas aller voir ailleurs, c'est on reste avec la personne. Donc quand ça va en dehors de ces modèles-là qui sont, qu'on le rappelle, de bonne origine chrétienne... catholique, bah ça va pas. C'est comme dit Tsukiyoko, ils disent c'est les psys sont frustrés sexuellement, c'est pas possible. Bah les psys ils ont des problèmes avec leur mère et ils arrêtent pas de dire fraude, voilà. Voilà. Nous aussi on peut en faire des généralités. Hein. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas et ça résume très bien. En fait, il y a pas mieux au niveau résumé. Perso, la zéophilie me gêne un peu. Oui, mais c'est pas inclus dans la ribambelle de lettres. Non, ça tombe bien d'ailleurs. Alors, on va passer... Et moi, j'en ai vu deux qui insultaient tes rideaux. Ah. Et ils traitaient de fils de pute et tout. Alors, normalement, c'est au tour de Kenda, mais qui n'est pas là. Ah, bon, bah, en attendant. Hein. Bah, c'est en gris, elle a dû se décommander. C'est pas grave. Alors, Chey Salio, un très grand artiste, qui va passer pour parler de la transidentité. Ça, alors, je n'y attendais pas. Allez, Chey Salio, c'est maintenant. Et ouais. Coucou. Salut à toi. Ça va bien? Allez, je suis fatiguée, mais je suis libre. C'est fatigué de quoi? Bah, les cours. Ah bah oui, les cours. Ouais, bah. Ça, les cours, mais il y a deux jours sur Twitter, oh, avec la bonne bière et tout. C'est... j'ai le droit de fêter ma fin d'année, wesh. Ouais, c'est ça. Ouais. La pinte, là. Ah ouais, ça fatigue de boire de la bière. Hein. Mais tellement, surtout quand t'as pas l'habitude de boire. Ouais, je confirme. Donc, bah... Ah, bienvenue à toi, oui. Bah, moi, mon sujet, c'est sur la transidentité, étant donné que je suis un mec trans, quoi. Ouais. Même malgré ma voix et tout. Juste que, des fois, sur Twitter, je vois les gens aussitôt, tous les cis, c'est que des enfoirés. Pourtant, je connais des cis que j'ai vus IRL, et ils m'ont aussitôt dit « il », « Léo » et tout, quoi. Ah oui, non, alors, mais c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, cis, c'est la contraction de... De cisgenre. De cisgenre. C'est quand tu t'identifies à ton genre de naissance. C'est ça. C'est en gros... En gros, tu es né mec oui, et ton sexe, tu te sens mec. Il n'y a pas de souci avec ça. Ou tu es né femme et tu te sens femme. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est... Ouais. C'est... Et il faut faire très attention à ne pas dire... ne pas utiliser le terme normal. Parce que là, tu te fais taper dessus. Oui, voilà. C'est sûr. Ça, c'est moi mais ou après, ah non, c'est bon. Pardon. Oui, pardon. Donc évidemment, dès que je vois les gens, tous les cis, c'est que des enfoirés, même le mot cis chez, ça commence à m'énerver. Ah non, ça, c'est, je veux dire, c'est je trouve ça débile dans le truc de base parce que c'est genre, ils font des généralités parce qu'on fait des généralités sur eux, c'est juste mesquin. Mais en fait, les deux camps font des généralités, ça c'était chiant parce que quand Gibbs il m'a vu IRL, à Tours, il a absolument pas buté, ni même Max quand j'ai vu à l'art tout play. Alors pourtant, ces deux gars-là, ils sont traités de tous les noms par la communauté parce qu'ils ont fait 2-3 blagues. Bah oui, non, je suis désolé. Bah oui, non, mais en plus, faut faire la part des choses entre l'humour et le penser vraiment, quoi. Mais non. Nous, on traite les gens de PD à la déconnade, alors que bon. C'est vrai que. Moi, même mes potes qui regardent le live, alors à chaque fois.
Oh mon, ma petite tomate PD, comment ça va et tout. Ça se reconnaître, mais je rigole. C'est comme ouais, quand on s'est vu à Tours, si on n'a pas dit immédiatement, c'est pas juste parce qu'on n'était pas au courant. Attends, bah oui, c'est ça. Tout. Ouais. C'est tout à fait normal. Et même, je suis pas du genre aussi qu'à attaquer. Ouais, vous savez pourquoi vous me dites elle, je suis. Déjà parce que ça ne peut pas se voir sur mon physique, malheureusement, oui. Et même de ma voix. Et encore sur Discord, ouais, mais t'es une fille ou un gars? Un gars. Et non, mais c'est pas possible, t'as pas mué. Tu sais, il peut avoir des gars qui peuvent avoir des voix super féminines et d'autres, oui. Nous qui ont des soucis, quoi. C'est, j'ai déjà vu des hommes avec des voix bien plus aiguës que toi. J'ai même vu à la télé. Ça fait même très bizarre parce que c'était beaucoup trop aigu. Même un enfant avait une voix plus grave, quoi. C'était très bizarre. Même j'ai vu à la télé un mec qui avait une voix juste hyper aiguë, mais c'est que quand il parlait fort. Je veux quoi. Ça doit être difficile de garder son sérieux quand le mec s'énerve. Ouais. C'est tellement ça, genre, alors comment ça va et tout. Et quand il chuchote, oh, fais chier. Alors pour ceux qui sont arrivés, qui demandent, le Refus, c'est une association qui aide les jeunes de 18 à 25 ans expulsés de chez eux pour leur homosexualité, leur transsexualité. Ou parce qu'ils sont pas hétéros, voilà, ils sont foutus à la porte de chez eux, et le Refus les aide à se réinsérer, à se loger, etc. Et si vous voulez faire des dons, vous avez un lien dans la description du live, c'est le premier lien, et tous les dons seront reversés à l'association, voilà. Et donnez tout votre fric. Donnez de l'argent. Pour les dons. Et j'ai vu dans le chat quelqu'un qui m'a dit, non, ça c'est un eunuque, dit, je ne sais pas, j'ai pas été vérifié. Je veux dire, si vous voulez tout savoir, c'était le... C'était le vendeur de maroquinerie sur le marché. Qu'est-ce que ça... Je le connais pas. Ah. La personne sur le lit, c'est Pinju. Non, c'est pas Pinju. Arrêtez de demander qui c'est. Vous ne le connaissez pas. Donc, mais après, le souci, c'est quand t'as ton entourage qui est au courant, ils disent aussitôt ton nom de gars ou de meuf sur le genre qui s'identifie, il n'y a aucun souci. Mais quand ça vient un peu de la famille ou même des personnes random, là, ça fait un peu plus mal. Du genre, j'ai la chance d'avoir ma famille qui comprend parfaitement. Ma petite soeur, elle commence par m'appeler par mon nom d'homme, etc. Il y a juste ma mère qui a vraiment du mal et je comprends parfaitement. Surtout la mère, c'est souvent là où c'est le plus difficile. Ouais. Mais il y a des moments, des fois, tu as envie de péter un câble, du genre, non, mais arrêtez, c'est pas ça mon nom. Et en ce moment, je suis en plein dedans. Et à chaque fois qu'on m'appelle par mon nom à des filles, ça me crispe au plus haut point. Mais normal. C'est pour ça que C'est pour ça que quand les gens m'appellent justement Léo, etc., ça me gratifie. Malheureusement, que ce soit par exemple pour aller acheter du pain, etc., aussitôt, qu'est-ce qu'il vous fout, madame? Ouais, c'est sûr que quand il n'y a pas encore toutes les transformations physiques de fait, c'est pour le grand public, c'est plus compliqué. Quoi. Le seul bémol pour ma part, c'est que j'ai une grande poitrine. La cacher, c'est très très compliqué, mais j'ai un ami qui est actuellement en pleine transition, lui il a la chance d'avoir une toute petite poitrine, et ça se voit physique, que c'est un gars. Franchement, c'est moi, malheureusement, j'ai une morphologie trop importante, donc c'est très difficile de la cacher. Il y a juste deux gosses qui m'ont appelé monsieur. Pour des personnes que tu rencontres dans la rue ou dans des commerces ou quoi, et qui t'appellent madame par réflexe parce qu'ils se fient à ce qu'ils voient, tu peux pas trop leur en vouloir. Là où ça devient problématique, c'est quand c'est des gens que tu connais bien, tu leur dis, tu te sens mec et tu veux être appelé comme ça, et eux, ils s'obstinent à ne pas le faire. Et ils comprennent pas qu'ils doivent le faire. Ça, c'est dur. Bah, par exemple, avec ma petite soeur, une fois qu'elle a compris que je ne veux plus être appelée Léa, elle fait aussitôt Léo. Ah, t'as vu, je t'ai appelé Léo, mais trois fois, c'est bon, j'ai compris. Avec des gros randoms sur Discord, du genre, quoi. Il y en avait un gros qui m'a fait « Non, mais c'est impossible, t'es pas un mec et t'as une voix pareille, donc c'est carrément impossible, t'es un trap et tout. » Mais de toute façon, ce gars-là, il était réputé pour faire la même chose. C'est contre nature. Et un gros coup avec d'autres personnes. Je vois, oui. Voilà, quoi, ça dépend vraiment sur qui on tombe. Et oui, mais en plus là, en plus toi, comme t'as changé le nom quand t'as pris ton nom masculin, en fait t'as masculinisé ton nom de naissance, donc c'est même plus facile pour ceux qui te connaissaient déjà.
Parce qu'il y en a, ça passe, c'est pas un mal, mais ça passe du coq à l'âne, donc c'est un peu plus dur de refaire la connexion des fois. Donc, ouais, avec mes profs par exemple, au fur et à mesure de l'année, j'ai commencé à me. Et il y a eu un de mes profs qui a fait c'est toi qui m'a dit, oui. Ah, vas-y, il fallait me prévenir. Ok, je me voyais pas venir devant lui. Alors, monsieur, maintenant, appelez-moi Léo. Voilà, au revoir. Et même tant que j'ai pas fait mon changement civil, pour l'instant, je veux pas non plus forcer les gens, mais par contre, quand j'ai commencé ma transition, etc., auprès de mon entourage, là, je vais insister un peu plus, même si j'ai pas encore fait le changement de nom. Il y a eu deux donations, on va peut-être les lire. Alors, 5 euros de Yellow Sign qui nous dit bon courage aux gens du refuge. Combien ? Bon live à tout. Voilà, putain. Je te lis juste après. Dr. White qui a donné 1,38€, je cite, pour remettre le chiffre rond parce que ça dérange mon chaton. Merci à toi. Ouais. Et Nico Spitzer qui vient de balancer 50 boules. Alors, qui nous dit moi-même, j'ai été expulsée de chez ma mère après qu'elle ait découvert ma bisexualité. Heureusement, j'ai réussi à me redresser. Le tout, c'est de ne pas hésiter et de dire ces quatre vérités. Soutien à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. Et ben, c'est un beau message. Merci à toi. On est désolé pour ce que tu as subi. Ouais. Et merci pour ta générosité. 50 balles, c'est pas rien. Voilà. Effectivement. Tu es top donateur de ce soir. Bravo, tu es le top donateur. C'est vrai que j'ai pas cette tête de top donateur, mais c'est chiant à faire. On avait dit 200 euros le kigou, j'avoue. C'est vrai que je ferai en changement de personne. Et à 300 euros, c'est moi qui le porte, c'est ça? Ah non, c'est bon. Il veut pas me le filer. Non, parce qu'après, il faut que je me rhabille et tout. Et non, on n'était pas des femmes avant. Nous, on est PD6, voilà. On n'a jamais eu de problème d'identité à ce niveau-là. Non, mais quand même, par curiosité, je m'étais posé la question et je me suis dit non, je suis très bien comme ça. Moi aussi, je me suis posé la question. Oh non, être une meuf, des fois, c'est trop relou, donc je vous rassure. Ouais, c'est ça. Désolé les filles, mais après, un moment, ça peut plus durer. On en connaît plusieurs, mais je pense surtout à une qui, où c'est vraiment, ça lui est venu sur le vraiment du jour au lendemain. Oui. C'est vrai. C'est vraiment. Ça peut arriver d'avoir un coup, le déclic. C'est ça, c'est. Elle s'est vraiment réveillée un jour en mode fait. Mais en fait, je me sens femme. Et c'est vraiment. C'était le bouton on-off, quoi. Ça arrive. Enfin, tant que c'est pas non plus les petits, comme on avait dit à Tours, c'est pas non plus des petits jeunes de 13 ans qui disent ouais, c'est trop cool d'être trans. Bah, moi aussi, je suis trans. Tout, regardez comment je suis spéciale. Tant que c'est pas ça, j'ai envie de dire. Voilà, quoi. Ouais, non, mais ça. Il y en aura toujours, malheureusement, mais a priori, ça, pour le coup, c'est le. J'aime pas cette phrase, mais c'est le. C'est une phase, quoi. Hey, ouais, t'as jamais pensé à se faire opérer pour devenir Fury? Alors, c'est pas faisable, mais si on peut, je le fais. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? PD, petit doudou. J'ai envie de continuer justement à propos du coming out. Franchement, les gens, si vous vous sentez pas prêt à faire un coming out, ne le faites pas. Franchement, ne le faites pas. Vous forcez pas parce que vous êtes mal, etc. Si vous vous sentez OK pour en parler à votre famille, si vous savez qu'elle est qu'elle est un peu tolérante, qu'elle comprend, etc., qu'elle est pas en mode devant la télé, oh, regardez, moi, c'est PD, etc. Non, soyez attendez quand même, que vous soyez confiant en vous. Et que, au cas où justement que vous faites virer de chez vous, voilà. Faut aussitôt balancer parce que il faut que je le dise. Par exemple, avec mon père, je l'ai toujours pas dit face à face à cause de ma belle-mère. Et j'attendrai justement que je commence ma transition pour lui annoncer ça. Parce qu'il est toujours ma fille. Et je peux pas le faire du mal. Oui, tant que j'ai pas pensé. Petit message quand même à l'abruti qui vient de se faire ban du chat. La transsexualité ou la transidentité, ce n'est pas une maladie mentale. Hein. Respectez un minimum les gens, s'il vous plaît. C'était considéré comme ça au Moyen-Âge. Mais, Voilà. Bah, c'est ça, moi je suis fier d'être malade. Bah, oui, c'est ça en plus. Puis après, comme on dit, les fous ils sont fous par rapport à une norme. Pour eux, c'est les autres qui sont fous. Donc c'est malade mental, ça veut tout et rien dire. Vous êtes des gruyères mentaux. Mentaux comme... Ce mot-là n'existe pas. Écrit comme ça, ça n'existe pas. C'est pas grave. Mais du coup, on fond au soleil, c'est quoi, c'est... Oui, je sais pas. On est délicieux sur la pizza. C'est ça. Oh, putain. Ne me donne pas la dalle. On s'en fout, on a bouffé de la pizza, là. Bande de raclette. Ah tiens, bonne question. Là. C'est quoi la différence entre transsexuel et transgenre? Oui, bonne question. Transgenre, c'est quand tu...
niveau du physique, en fait, tu veux te faire paraître pour un garçon, etc., mais tu t'en fous des organes génitaux. Tu peux, par exemple, garder ton vagin, mais avoir une apparence de mec, et transsexuel quand tu fais la transition complète. Du genre, tu te fais un phalloplastie et un vaginoplastie, mais vraiment parce que ça te complexe beaucoup trop. D'accord. Moi, c'est ça ma définition. Bah, en fait, transsexuel, c'est dans le physique. Simple. C'est simple à se rappeler, en fait, parce que transgenre, c'est le genre physique dont se le paraître, et transsexuel, ouais, c'est au niveau des organes sexuels. Voilà, c'est totalement... moi, je dis que c'est la transition complète. Mmh. C'est comme ça que, oui, je le dis. Transsexuel, c'est vraiment physique. Transgenre, c'est plus mentalement. Quoi. L'apparence. Ouais, pour moi, c'est l'apparence. Parce que tu peux être totalement un garçon, etc., mais tu t'en fous d'avoir un vagin. Mmh. Mais du coup, vous cassez pas la tête, dites trans. Mais voilà. Vous risquez pas de vous tromper. Surtout si vous tombez pas sur des cons trans, quoi. Genre à être oppressé partout... Oui, non, mais bien sûr, parce que ça, je veux dire, c'est, on défend tout ça, mais les social justice warriors insupportables, hétérophobes et tout, non, c'est un hétérophobe, c'est comme un homophobe, hein, c'est aussi con, c'est aussi con. Ouais. Ouais, et les gens qui disent si chier, franchement, ceux qui utilisent ce terme-là, je connaissais pas. Si chier, ça m'énerve, ce, une horreur. Ah non, c'est un mépris pas possible, quoi. Ah ouais, bah après, eux, ils se plaignent qu'on a du mépris pour eux, mais par contre, eux, on peut le faire nous aussi. Bah non, vous prenez l'amour, alors ne prenez pas la laine non plus. Ouais, non, mais ça, faut pas chercher déjà quand les gens réagissent comme ça de base, c'est déjà foutu. Mmh. En fait, transgenre, mec, femme devient juste un trap. c'est un peu plus que ça, mais trap, c'est plus une... C'est un délire de 4chan, trap. Hein. Oui, n'oublions pas. Bah, oui, mais c'est vrai qu'en soi, mais j'ai toujours eu une légère différence de quand je pense à un trap et un transgenre. Parce que pour moi, le trap, c'est plus... Il va pas... il va faire exprès de se déguiser en fille, mais il ne va pas être transgenre. En fait, tu vois, c'est plus... Je sais pas, c'est que ma version des faits, hein, c'est pas, y a pas de vérité avec ce mot de toute façon. Pour moi, en fait, le trap, c'est plus quelqu'un qui en joue plutôt que. Voilà, plus un crossdresser en fait. Mm. Voilà. Et même c'est plus fictif les traps, je crois. Fictif non, ça existe les traps, mais. Il me semble que c'est plus du domaine du fétiche en plus. Hein, ouais, c'est plus du côté du fétiche que du côté de l'identité. Voilà. Mm-hmm. C'est des pièges pour les hétéros, c'est exactement ça. Mais en soi oui, les traps tels que 4chan les ont appelés, c'est simplement des transgenres ou des crossdressers qui peuvent te berner justement parce que tu ne le remarques pas. Et juste pour voir ta réaction. Mais pour voir ta réaction. Voilà. Genre, qu'est-ce que c'est ? Ouais, alors que s'il tombe sur nous, ça serait plus nice, quoi. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être ? Trap, c'est une catégorie qui fétichise la transidentité. Soyez fiers de vous. Ne soyez pas chiants, surtout. N'allez pas non plus mettre votre relation sexuelle sous le nez. C'est votre vie. Ils n'ont pas à le savoir. Vivez votre vie, point barre. Et si vraiment vous avez des soucis, bah, vous avez des numéros pour le refuge. Voilà. Voilà. Bah, merci à toi. C'était très cool de parler de ça. T'inquiète. Et bah, bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous deux aussi. Allez, salut. 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 Salut Chinis. Eh, hey, salut Chinis. On devrait sortir la vidéo PSP demain. Oui. Et on parle de toi, MDR. Et les trappes, c'est le démon. Oui, bah je vais en enfer alors. Ah, mais on y va quand tu veux en enfer. Alors, j'avais le Google Doc. Alors, attends, parce que. Oula, il y en a un paquet là. Ouais, oula, faites attention. Au niveau, on n'est pas sûr après de pouvoir. Là, on pourra pas faire passer tout le monde, je pense. On va essayer d'en faire passer le plus possible, mais bon. On va passer à. Je dois le passer le Kigou. Moi. Ah oui, bah d'abord, on va passer au Kigou. Et ensuite, on va passer aux questions. C'est moi ou c'est que des filles qui sont exprimées ? Alors non, la personne qui était passée est un mec. Et juste avant, il y avait une fille. Et juste avant, il y avait un mec du refuge. Donc non, il n'y a pas que des filles. Attendez, parce que moi, j'ai un peu chaud. C'est ça, plains-toi. Ah oui, toi, tu vas crever de chaud. Hop. Excusez-moi. C'est bon, je suis en cadre.
Non, c'est bon. Apouel. Non. Allez. Mata Apouel. Non. Une autre fois. Un strip de Materia. Non, pas sur YouTube. Hop, chouette. Quoi, c'était un mec. Oui, juste avant, c'était un mec. Vous n'avez enfin, pas suivi les gens. Enfin, qui est né femme et qui se voilà. Qui se sent mec, voilà. Où ça alors? It's a trap. Non, malheureusement, il n'y a pas de trap ici. Le trap, c'est un style de musique merdique. C'est ça. Alors, si genre, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est quand une personne est née, par exemple, mec ou femme, et elle a aucun problème avec son genre de naissance. Genre, t'es né mec, et tu te sens mec, quoi. Tu te sens pas femme. Et inversement. Michael Bay essaierait-il de faire passer un message avec Transformers? Transformers, oui. Non, je ne pense pas. C'est quand elle a 6 genres. Non, c'est pas ça. Bonsoir à Fluttershy. La vraie? Non, pas la vraie. Je maintiens qu'on parle jamais d'asexualité. Bah, venez parler d'asexualité. Y a pas de souci. Tant de bordel sur le vocal d'attente. Ah, je sais pas, je n'y suis pas. Tiens, je vois que dans la liste d'attente, il y a un certain Théo Pulsar. Donc, je ne sais pas si c'est le vrai. Je ne pense pas. Ouais, non. Je faut sais pas s'il est français, Pulsar. Je sais pas. Faut éviter d'utiliser le terme normal, oui. Vous pensez quoi des non-binaires? Aucun avis. C'est... Les traitements pour trans sont pas un peu longs, coûteux? Il me semble, oui. Il me semble. C'est quoi être asexuel? C'est quand tu n'as aucun besoin réel, tu ne ressens aucun besoin ou attirance pour plus les attirance. Relations sexuelles. Plus attirance que besoin. C'est ça. C'est, t'es pas attiré par les relations sexuelles, t'en as pas besoin. C'est quoi le truc avec les binaires, non-binaires? J'avoue ne pas comprendre. Ça, je sais plus ce que c'est exactement. Binaire, c'est homme-femme, et non-binaire, c'est quand tu changes, je crois. Voilà. Être une personne binaire se ressent homme ou femme, et non-binaire se ressent bah, autre chose. Je suis hétéro, mais je trouve que Noctis, je sais pas qui c'est, est canon. Est-ce que je pars homosexuel? Ah, peut-être. Je sais pas qui c'est, mais je dirais peut-être dans le doute. Quelle est votre situation? Alors, nous deux, on est en couple et on est pansexuel. Je suis normal, tout comme les guignols que je regarde. Mais oui, on est tous normaux. Voilà. Alors là, normalement, on va faire fuir des gens. La normalité n'a jamais existé. C'est ça. Alors. Oh, il est beau. Mais oui, il est beau. Attends. Je sais pas si on peut lever les os. Non? Non, ça retombe après. Voilà. Les personnes LGBT sont minoritaires, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Je crois qu'en majorité, c'est minoritaire, oui, je crois. Alors, on va passer à... c'est bon. Ça jouit dans le vocal à cause du kigou, apparemment. Alors, Lantoum, pour son couple homosexuel. Alors, c'est parti. Il y a du monde, hein. Il y a une galette. Il y a une galette, c'est vrai. Allô? Allô, allô? Oui. Attendez, j'enlève le chat, que ça fait un écho. Voilà, nickel. On m'entend toujours, là? Ouais, on t'entend bien. Super, nickel. Alors, du coup, il faut que je fasse une petite présentation, là, vite bah, fait si... ou... Ouais, si tu veux, pourquoi pas. Ben, donc moi, j'ai 21 ans. Ça va faire à peu près un an et quelques mois que j'ai découvert que... Enfin, donc j'ai admis que j'étais homosexuel. Enfin, j'ai pas fait de coming out, mais j'ai découvert que j'étais gay, quoi. Mm-hmm. Et après, quelques mois après, je suis tombé en couple avec quelqu'un. On s'entend bien, tout ça. Voilà. Hein. Moi, je vais vous dire un sujet vraiment ultra léger. Hein. Il n'y a pas trop de. Ce sera pas comme les autres précédents où il y a eu des problèmes, bah, comme celle qui, la première là au collège. C'était assez dur pour elle, la pauvre. Moi, franchement, non, c'est très léger. C'est quoi
D'accord. Contre nature. Ah. Merci à toi, Chinis, pour ton don de 20 euros. Et bien, c'est l'élève caritatif. Oui. C'est gentil. Ah, ça fait partie de tout l'argent que t'as eu grâce à Super Connard, ça, non? On se comprend. Non, la personne derrière ne fait pas de gym. Ah, il y a un autre don de Michael. Aime les chiffres ronds. Merci pour tout ce que vous faites. Ah, pas mal, 36. Alors, merci pour vos dons, les gens. Vous êtes merci vraiment beaucoup. Super. Il y a des micro-coupures son, je ne pense pas. Il y en a des légères sur Discord, mais c'est indépendant de notre volonté. C'est Discord qui fait ça de temps en temps. Un coming out, c'est quand un gamer découvre le monde extérieur. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est un getting out. Voilà. Je connaissais pas. Bah du coup, on va te laisser continuer, oui. Ah, après, je passe direct à la question, là, ou... Comme tu veux, bah, parle de ce que tu veux, en fait, hein. En gros, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, je suis un putain de surfag, ça j'admets direct. Ah ça, copain, voilà. On aime pas trop ça, ici. Copain. J'ai vu, ouais. Et du coup, mon copain, en fait, je l'ai découvert à la base sur un site Fury. D'accord. C'était Entro City, je crois que ça s'appelait. Mais je crois que ça existe toujours, hein, mais c'est plus trop... Je ne connais pas. Enfin bref, il faisait des lives sur Twitch et c'est comme ça que je l'ai découvert. Mmh. Et donc, en gros, voilà, on s'est mis ensemble. Bon, lui, il habite hyper loin de chez moi. Moi, j'habite à Montpellier et puis il est à Meaux, c'est près de Paris. Mmh. Et du coup, quelques mois après qu'on soit mis ensemble, on arrive à se trouver un petit rendez-vous pour qu'on se voit à IRL, quoi, enfin. Et du coup, voilà, on se voit la première fois, on est super contents, tout ça. Puis après, en fait, on a décidé de... passer à l'acte, quoi, tout ça, voilà, ça va être très... je suis pas très subtil, désolé. Et du coup, en fait, moi, comme c'était ma première fois avec un mec, donc j'ai eu du mal, un peu, tout ça, bon, je me suis dit, bon, bah, c'est normal. je ressens beaucoup de similitudes avec une histoire commune. Ah, bah, c'est bien. Voilà. Vous pouvez témoigner, alors. Voilà. Ah, la gêne de la première fois, quand t'es, surtout que t'es pas... Voilà. T'es pas trop à l'aise avec le fait d'aimer les mecs, bon... On va pas se mentir, c'est pas oui, ouf. Surtout que, enfin, dans ma famille, c'est bon, ils sont pas. Du côté de mon père, surtout, ils sont très homophobes. Mais après, de ma mère, ça va, elle est plus tolérante. Ça enfin, va. De toute façon, j'ai pas fait mon coming out. Enfin, ma famille. Du coup, voilà, il y a la première fois. Puis après, je me dis, bon bah, écoutez, pendant une semaine, du coup, on a tenté et je me suis dit, bon bah, c'est la première semaine. C'est normal que moi, j'ai du mal au début, quoi. Et après, on s'est revus quelques mois après, pendant une semaine aussi, mais j'avais toujours autant de mal, en fait. Et du coup, je me demandais, putain, merde, ça se trouve, je sais pas, c'est parce qu'en fait, peut-être que je suis pas vraiment gay, finalement. Parce que mon copain, lui, vraiment, il est à fond, il arrive, il a pas... Mais moi, j'ai... Il y a des petites coupures, on t'entend pas bien. Je disais que mon copain, lui, il a pas de soucis, il est vraiment à fond dedans, et moi, ouais. Non, il n'y a rien à faire, j'ai toujours un peu de mal. Parce que oui, ouais, lui, il était déjà gay à la base, depuis oui, longtemps ouais. De moi. C'est simplement que même si t'es d'accord avec tout ça, t'as pas encore tout assimilé, c'est pas un problème. Ça ça vient avec le temps, généralement. Et... Ouais, ouais, et du coup, ouais, j'avais des doutes. Je me demandais, est-ce que c'était parce qu'en fait... je regarde trop du gif et du coup ça m'a perverti. J'arrive plus à faire des relations normales avec des gens. On va pas se mentir, quand t'as une forte attirance pour le gif gay en général, t'es... Ouais, voilà. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un justement qui disait dans le chat comment ça se fait que 80% des furies sont gays. Le chiffre est faux. Je suis quasiment sûr que c'est beaucoup non, plus proche du 50-50 qu'autre chose. Mais c'est vrai que. Je crois que c'est 75% ouais, qui sont bi. En tout dans la communauté, oui. Et après le oui, reste parce plus, c'est contre nature. Hein. Merci Silver pour tes 10 euros. Merci à toi, super de faire des lives comme celui-ci, soutenir les petites choses. Merci à vous les gars, merci beaucoup. Merci à toi.
Et c'est quoi Fury? C'est une commu qui aime les personnages anthropomorphiques. Voilà, les animaux anthropomorphiques. Donc ça a une apparence animale, mais ça a comportement et morphologie humaine. Voilà. Et sur ce, oui, je disais aussi, il y a une blague dans le Fury qui fait que beaucoup deviennent gays parce que c'est une sorte de mème que les dessinateurs gays dessinent mieux. Donc souvent, en fait, les gens sont plus attirés. C'est pas faux, hein. Et que souvent les gens en fait sont attirés par les plus beaux dessins, donc deviennent gays. Mais c'est une blague dans la communauté, ça. C'est ça. Faut prendre ça au sérieux. Parce que je connaissais pas. Mais parce que du Fury et hétéro, il y en a énormément, hein, c'est pas rare. Mmh, ouais, et du coup je voulais demander, enfin, si c'est pas indiscret, vous a fallu à peu près combien de temps pour qu'il n'y ait plus de soucis à ce niveau-là, si c'est pas trop indiscret. Comment ça, à quel niveau tu veux... Bah, je veux dire, relations sexuelles, tout ça. C'est un peu la gêne, hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ouais. Hein. Non, je me pose vraiment la question. Ouais, là. Non, c'est ça, c'est... C'est même trop, comment dire, c'est trop vague, même, j'ai envie de dire, parce que... Je sais pas, moi, ma première relation, c'était avec lui. Les premières, c'est toujours awkward, mais... Moi, c'était à mes 22 ans, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, et il a fallu quelques mois pour que je sois complètement en accord avec ça, mais au bout de quelques mois, ça allait, quoi. Et merci à Master Gwen... Pour tes 10 euros. Que le plus petit que 3 est de l'association. Ouais, désolé, on ne l'entendra pas là. On ne l'a pas mis là parce que sinon, ça, vu qu'on parle en radio libre, ça aurait été pénible. Mais ça reviendra dès les prochains lives. Mais merci pour ton don. Mais sinon, oui, il m'a juste fallu quelques mois de pratique, on va dire, pour que ça passe. Parce qu'en fait, vous aussi, je sais que vous habitez. J'ai cru que vous habitez pas au même endroit. Non, pas encore. Et du coup, en fait, vous aussi, vous voyez, genre, semaine. En ce moment on essaie de se voir un mois tous les 3-4 mois, quoi. On essaie de faire un truc comme ça. Oui, voilà. On arrive à se voir de plus en plus souvent. Voilà. Ça, mais il y a eu une période où il y a eu une des très grandes pauses et c'était un peu pénible. Ok. Bah ça nulle tout ça, j'ai envie de dire. Non. Oui, Sirvald, j'ai un peu la tête de Maillard, je sais. C'est quoi l'espèce de verre? Ça, c'est ce qu'indiquent les dons. C'est quand il y a des dons et sur Twitch, quand il y a des subs et des bits, ça tombe dedans. C'est pour que le chat fasse mumuse avec. Voilà. Et plus vous faites des gros dons, plus ça fait jarter les petits dons qui y a en dessous. Voilà, c'est plus le don est gros, plus les pièces qui tombent dedans sont lourdes. Mais c'est juste pour rigoler. Et donc du coup, toi actuellement, ça se passe bien à ce niveau-là, t'as plus de soucis? Ben en fait, je sais pas, parce que ça va faire depuis le mois de décembre qu'on s'est plus revus. Enfin, qu'on a pas pu se voir IRL, quoi. Et la dernière fois, j'avais toujours un peu de soucis. Et des fois, je me demandais aussi si c'était pas parce que du côté de mon père, vraiment les gens... Enfin, ma famille est très très homophobe, parce qu'elle est très très catholique du côté de mon père. Ah bah oui. Du coup, je me demandais que comme c'est pas bien, c'est interdit, enfin c'est pas bien, c'est du côté de ma famille, je serais vraiment rejeté, quoi. Ça me bloquerait un peu, quoi. Si tu veux mon avis, en fait, pas au niveau de la famille, mais juste de ton côté à toi, si t'as encore des soucis de genre pas très à l'aise, des trucs comme ça, je pense que c'est parce que... Parce que comme tu vois pas souvent, ça avance très lentement, en fait, j'ai pas l'accoutumance, mais l'habitude, quoi. Et merci. Oui. Alors comment il s'appelait? Merci à Joël Gavin ou Gavin qui a donné 20 boules pour plus de contrions. Voilà. Ah, c'est un contrion, oui. Oui, c'est un contrion. Bah du coup, on a dépassé les 310 et limite, tu peux rajouter 100. Ouais. Je peux essayer de faire un truc. Parce que nous, de base, on a prévu de donner 100. Donc clairement, là, il y a 410 euros de dons. Je vais essayer de faire quelque chose en espérant qu'il n'y ait pas un don qui passe au milieu. On va bien voir. Il y a une troisième personne avec vous. Oui, c'est un pote qui participe ça pas. Ça vous obsède, hein. Il va devenir célèbre à 310. Force. Donc, il va y avoir des suppositions. Tout le chat est obsédé par
des suppositions, des théories, des fanarts, des fanfics, je sais pas. J'en ai même un qui a dit c'est pour le plan A3, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça, ouais. À 16, vous conseillez quoi comme site de rencontre lesbien? Alors, je connais pas. Mais je t'invite à chercher par toi-même, en fait. Moi, je pourrais proposer des sites furies, mais bon, c'est ouais. pas... Bah, les meilleurs, quoi, c'est... Oh, wow. C'est bon. Ou même 621. Ah, voilà. Alors, on est à 410€ de dons pour voilà. l'instant. Voilà. En rajoutant le... les nôtres. Notre don. On va l'appeler l'homme sur le lit. C'est ça. Ça fait tellement un nom de bouquin. Oui. Ce que j'aime bien, c'est que les gens, vu qu'ils savent pas qui c'est Aelix, Materia et les jambes. Les jambes ou l'homme sur le lit, voilà. Ça le fait rire au moins. Il fait un doigt, très bien. Ah. Ah, arrête de marcher sans mon casque, je vais te taper. Non. Attends. Là. Tiens, voilà, garde le cap sur les genoux. Voilà. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non, à part Metal Gear. Non, mais, c'est pas productif. Sinon, franchement, j'ai envie de dire, ouais, continuez ce que vous faites, franchement, chaque fois, j'ai découvert votre chaîne il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Mm-hmm. Franchement, je me suis éclaté à voir genre les Savavit, ou même le live le dernier avec le Metal Gear Solid version poulet. Vraiment, continue. Merci beaucoup. C'était vraiment excellent. Bah, on en profite. Alors, demain, il y a une nouvelle vidéo qui sort, mais bon, ce sera une vidéo OPSP. Et après, il y a une vidéo gaming qui est bientôt prête. Voilà. Et j'ai beaucoup chouette. Aimé la personne qui veut des fanarts de légende. Putain. Oh putain. Allez, merci à tous. Merci beaucoup, allez. Allez, salut. Bonne soirée, à la prochaine. Allez, à salut. Salut. Putain. Les jambes mystérieuses, homme, femme, agrou-grou. J'aurais bien dit trap, mais non, malheureusement non. Voilà. Il y a deux personnes, il y a Dr. White et Kara qui veulent parler de leur coming out. Faut passer les deux ou il y a personne là. Bah, ah, c'est Kara, il est là. Non, non, c'est Kira ou Kara. Kira. Parce que. Attends, parce que là je vois qu'il y a quelqu'un qui édite. Il y a Kara là. Ouais, il y a Kara apostrophe. Ouais, et docteur. Ouais, c'est bon. Est-ce que les gens ont une chaîne YouTube? Je ne pense pas, non. Vous allez refaire ce genre de live. Alors, on fait de temps en temps des radios libres sur des sujets divers et variés. Mais. En caritatif, occasionnellement, je pense possible, qu'on en fera oui. un. Mais... C'est très possible. En fait, ce que je préférerais, ça serait pas d'en refaire un, ça serait de participer à un plus grand événement qui ramène plus de monde. Voilà. Style, bon, pas à ce niveau-là, parce que... MDR, t'es qui dans le stream game, mais genre ZD Event, quoi. Alors, on va passer Dr. White et Kara, ils veulent parler du coming out. Alors, hop. Voilà, et il faut se démute. Bonjour. Attends, juste... Bon, coupez le son du live. Voilà, coupez le son du live. Mais laissez le visuel. Voilà, vous nous entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, bienvenue. Bon, bah moi je connais déjà les deux, hein, mais bon, je fais une présentation rapide, donc Materia LX, copain, Materia LX. Ah, on s'en doutait que c'était le fameux. Le fameux copain. Non, du coup, bah j'avais dit à Lucard que j'étais là pour combler, mais du coup il a voulu me passer devant tout le monde, j'ai pas compris pourquoi, j'ai eu peur. Non, c'est juste que c'est parce que c'est l'ordre dans lequel t'es arrivé, en fait, tout bêtement. Pas... Là, on fait passer dans l'ordre... Non, bah du coup, je sais pas par où commencer. Je pourrais peut-être commencer par contre, parce que ça, je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait. Parce que bah, je reviens de loin, je reviens d'un stade où j'étais homophobe à celui où je suis actuellement bisexuel. Bah, bien fait. Tiens. C'est un beau parcours, ma foi. Ma faute, c'est désolé. Bien. C'est comment oses-tu de rendre des gens, moi, homophobes, pas homophobes? C'est ça. Non, c'est... C'est-à-dire que oui, j'ai été homophobe pendant facile plus de 12 ans, je vais dire facile de mes 16 à 18 ans, voilà. Bon, disons que quand t'es ado, tu vois, tu veux rentrer oui, dans un ça. Cercle, voilà. Donc, et puis, l'important, c'est de pas le rester. Ouais, voilà. J'étais tellement rentré dans le cercle que j'étais devenu littéralement homophobe, tu vois, et tout. Et quand j'ai eu, vers mes 18 ans, je crois que j'avais pas exactement 18 ans, j'ai rencontré donc... Voilà, exactement. Bon, bah,
je l'appelle sur son surnom. Parce que je vais pas l'appeler oui. Chaton, les gens ils vont pas comprendre. Alors tu as rencontré Chaton, oui. Voilà. Et puis bon bah disons que je venais, j'avais plus rien à prouver à personne, j'avais pas besoin d'intégrer de cercle et tout, plus libre de mes pensées. Et on a commencé à parler et tout, mais j'étais, toi, très ancré dans le fait d'être hétéro. Je restais hétéro malgré tout, toi. Je voulais pas du tout devenir gay et tout ça, ça me dégoûtait. Forcément. Et... désolé, on se prend la gueule à cause du chat, je suis désolé. Alors, on vient quand même de noter dans le chat... Il y a quelqu'un qui demande si l'homme sur le lit est cisgenre, et il y a quelqu'un qui répond non, il est cisjambe. Donc, je... Ça me stresse sur le lit depuis tout à l'heure. J'ai une idée peut-être de qui ça peut être en plus. Ah oh putain. Ça m'étonnerait que tu devines qui c'est. Mais bref. Moi je dis matériel. Est-ce non, que non, si c'est la personne qu'on a parlé en MP Je sais pas. Un... On a déjà parlé d'une personne en MP particulière, mais bon. Bah je sais pas du tout là tout de suite. Ça commence par. Non, laisse tomber. Non. Bon, bref. Okay. Non, bah... j'ai pas envie de donner de nom, en fait. C'est bah, du coup, non. Et, non, c'est pas Squeezie, non. Ah, oh, le plot twist de fin de life. Ni Sifano. Donc, du coup, t'étais devenu homophobe et en fait, ouais. T'as rencontré ton chaton. Voilà, et genre, on se connaissait depuis même pas 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Deux. À peu près. Voilà, et puis au bout de 2 semaines, on discutait déjà pratiquement tous les soirs ensemble, tu vois, il y avait une grosse affinité qui s'avait créée en à peine 2 semaines, mais... Voilà, je suis arrivé, j'ai fait explication, je suis arrivé, j'ai fait bonjour, tu veux sortir avec moi. Ah. C'est-à-dire que au bout de 2 semaines, il est arrivé, il m'a dit, en fait, je t'aime. J'étais pas bien, j'étais en panique. Tu vois, mon cerveau, il a brûlé comme le gif de Kermit, quoi. Et tout, mais... Ah, je suis désolé, mais là, le chat, il est fou. Il est merveilleux, le chat. J'aime bien, c'est dans les propositions de qui c'est. On a eu Mister MV. Je ne peux plus. On a eu Darty, on a eu Jean Lassalle. Moi, je... Répondez à leurs questions, qu'on en finisse. Non, mais ça, tout bêtement, ça ne regarde pas qui c'est. Donc, du coup, très drôle. Il a voulu sortir avec toi, oui. Oui, excuse-moi. Et donc, disons qu'il y a eu, bah, je crois que Mathé, toi aussi, tu as eu la même chose, une période où bah, tu t'es mis en question de te demander si c'était bien ou mal, ou si c'était ce que tu voulais et tout. C'est ça. Pas bien ou mal, plus ou... si tu l'étais vraiment ou pas. Oui, en fait, voilà. Ouais. Exactement. Et donc, bon, bah, disons que, comme je l'ai dit, j'ai essayé. Voilà, je me suis dit, écoute, on essaye. Ouais, c'est t'as rien à perdre de toute façon. Voilà. Ouais, voilà, j'avais rien à perdre. C'est virginité. Oui. Mais c'est une autre histoire. Et disons que bon bah il y a eu 6 mois pendant lesquels je sortais avec, mais où je savais pas si j'étais devenu gay encore. C'est-à-dire que je sortais avec, on sortait pleinement ensemble littéralement, mais je savais toujours pas si j'étais gay ou pas. Donc je vais pas dire que j'en ai énormément souffert, mais un peu quand même. Tu vois, j'ai une grosse remise en question. Ouais, t'as eu une sorte de stress, de remise en question, quoi. Ouais, voilà, je veux dire. Et surtout, bah, voilà, ça, c'est la deuxième partie de l'histoire. C'est vraiment que bah, j'ai une famille qui ne l'accepte pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, bon, bah, j'ai officiellement fait mon coming out, mais disons qu'on n'évoque pas le sujet, c'est mieux. Voilà, oui. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, c'est, le genre, c'est encore en tension, quoi. Voilà. Donc, bon. Ouais, voilà, mais on va dire ça. Aujourd'hui, oui, c'est ça, voilà. C'est les jambes de Materia, il les a laissées là-bas. Ouais. Aujourd'hui, c'est donc, ça fait 2 ans que je me considère officiellement comme bisexuel maintenant et officiel défenseur de trappes, parce que les trappes, c'est pas gay, je m'en fous. Mec, c'est complètement gay les trappes. Non! Mec. C'est pas gay si t'es dans le déni. C'est... Me lancez pas! Ah, c'est complètement gay les trappes et c'est incroyablement bien. Voilà. C'est pas gay si ça ressemble à une fille, je veux pas le savoir. Ouais, mais c'est gay s'il y a un zizi. Putain, le déni, quoi. C'est comme aussi, c'est comme dire aussi, c'est gay de sortir avec une fille parce qu'elles aiment la vite et oui, que... Oui. Et que parce qu'elles aiment la vite et que la moitié des chromosomes sont les mêmes. Disons que les trappes, c'est le mode facile pour accepter ton homosexualité. Voilà. C'est une porte d'entrée vers ta transition. C'est pour les hétéros qui assument pas.
en vérité, ça je te jure, c'est une true fact, quand je me posais vraiment encore des questions sur moi-même, les trappes m'ont beaucoup aidé à me dessiner. Ça, j'avoue. Non, mais c'est une true fact en plus. Voilà, il fallait un tremplin et c'est ce que je me suis servi au mieux. Après, bon, moi je suis rentré dans le Fury Fandom par la suite, encore par sa faute. Ça aide. C'est toujours toute sa faute à chaque fois. Hey, c'est gay s'il y a un Zizi Alix 2018. Mais bon, voilà, si j'ai vraiment un message à donner à tout le monde, c'est de ne pas perdre leur temps comme moi je l'ai fait à se demander. C'est plus de. Faites ce que vous voulez, bordel. Ouais, voilà, c'est juste parce que vraiment, si je me suis posé autant de questions, c'est vraiment toujours par rapport à mon entourage, jamais par rapport à moi. Je savais pas vraiment ce que moi je voulais et tout, mais je sais que faire part de l'entourage, c'est genre impossible pour certaines personnes, mais voilà quoi. Il y a un moment, faut se dire, faut s'assumer, et puis bon, aujourd'hui, je m'assume et je suis pleinement heureux. Quoi. Moi, je sais que mon entourage, ça s'est beaucoup mieux passé que beaucoup de gens, même si, enfin, c'est juste. J'en ai, hey, je suis gay, il me fait, ah, ok. Vu ouais, à telle heure. C'est un peu ce qui s'est passé ça. Chez moi aussi, quoi. Ça s'est pas mal passé. Ça s'est pas bien passé. C'est juste, hey, je suis gay, ok. Ok, point. c'est juste, ok. Oui, avec le gros K. okay. Oui. Ou, vu non, à 22h37. Trop de touches, juste K minuscule. Ouais, non, d'accord. C'est vu à telle heure, c'est oui, tout. Ils sont là. Voilà, après, les anecdotes, j'en ai à plus savoir qu'en faire, mais littéralement, je peux occuper minuit avec les anecdotes de mon homosexualité, donc je crois que je vais encore plus laisser ma place aux autres, ça sera plus simple, je crois. Ouais, parce que moi, si je commençais à déballer ma vie, j'irais pas jusque minuit, j'irais plus 5h du mat. Au pire, on continuera ça en message privé, voilà. Ah, c'est quand tu veux, Mathé. Bah, y'a pas de soucis. Oh, ces propositions là. Oh, j'ai officiellement une autorisation. J'ai officiellement une autorisation. Je regrette déjà. J'ai une autorisation que pour toi. Alors, estime-toi heureux. Ouais, je sais pas. T'es un de ceux que je connais qui assume le moins, donc bon, on en reparlera. Ah, enfin bref. À part ça, bah écoutez, juste moi, je vous connais pratiquement maintenant la vidéo sur. Le ça va vite, le premier sur Dark Souls. Mais ça date. Hein. Voilà, j'adore littéralement tout ce que vous avez fait depuis. Même juste les lives à la con, parce que c'est vraiment vos lives en fait que j'adore. Et puis bah écoutez, continuez et apportez le bonheur. Moi, ça me fait kiffer. Bah merci à toi. Pas de soucis. Des bisous à vous deux. Des bisous. Des bisous. Allez. Je m'en bats les couilles, Civil War. Plan 1-5 avec la paire de jambes. J'accepte. Il accepte. Très bien. Je note. Allez, Lucas, j'ai 500 euros. Allez, des bisous. Pour un ou deux. De quoi, pardon? Les jambes comptent pour un ou deux? Pour un. Je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui demandait si les jambes étaient ensemble. Moi, je dis, il y a juste un gros foot fétiche dans le chat, c'est tout. D'accord. Ça. Allez, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, bisous. Bonne soirée. Alors, monsieur avec son pseudo magnifique qui s'appelle Itachi est dessus. Ça l'a fait rire. Incroyable. Qui demande, qui dit qu'il est en kiff sur moi, et est-ce que c'est gay ou zoophile? Non, c'est gay et furie. C'est ça. C'est pour quel refuge, celui des animaux? Oui, Sir Gibbsy, tout à fait. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais ici, espèce de pédé d'homophobe? Voilà, c'est... Regardez un hétéro cisgenre. À la limite, pour vous inciter à faire des dons, on peut faire des donation goals pour chaque palier de 100. À 100 euros, je veux bien mettre mon kilt. Bah, y en a un qui avait proposé le gage du kilt à 400. Mais du coup, bon, ça serait, là, c'est 400... On va dire 400 sans le lot, donc à 500. Voilà. À 500 euros, j'ai un kilt dans mon dressing, je le mets. Voilà. Promis. Non, c'est pour l'association Le Refuge, on rappelle, qui aide les jeunes expulsés de chez eux parce qu'ils sont LGBT. Voilà. Voilà. À 100 euros, on voit plus que les jambes. Allez, on va passer à la personne suivante. On avait lu le don d'un euro, là. Le don d'un euro, excuse-moi. Faut nous le dire si on oublie des dons. C'est parce que là j'ai plus le dashboard donc j'y pensais plus. Le don d'un euro.
Il dit merci pour tout, votre soutien, presque 500 euros, presque 500 euros récoltés, c'est énorme, merci encore. Bah merci à Kylian Montesquieu pour ton don d'un euro. Allez, merci à toi. Alors, suivant, je disais, Major Inomino, son expérience de bisexuel. Nice. Oui, alors, d'ailleurs, bah, Kylian, c'est la personne qu'on avait en... C'est la personne du refuge qu'on avait en, en vocal au début. D'accord. Pour ceux qui se demandent. Oui, c'est vrai. Alors, non, pas, non pas, pas en slip pour 600. Non, non en kilt. Le allez. Kilt pour les gens, maintenant. Moi, je dis que y a... Je dirais... Ah. Allô ah. Tu as été move. Bonjour. Calme-toi, calme-toi. Bonsoir. 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 Alors. Bonsoir. Alors, tu es venu pour nous parler de quoi, je te prie? Et qui es-tu? Je me nomme Major, c'est 18 ans, j'ai eu 18 ans il n'y a pas longtemps, et je viens parler à peu près de mon expérience, on peut dire bi, tout ça, et du regard à peu près des autres, et du regard que j'ai eu par rapport à la société sur ça. D'accord. Et aussi, on peut dire des difficultés à moi-même à la mettre, ce côté qui était en moi assez renfermé, qui était assez secret, quoi. Oui, le... simplement se l'accepter, l'accepter toi-même, quoi. L'accepter, non. On va dire, à peu près depuis 5 ans, je sais que je suis à peu près bi, tout ça. Mm-hmm. Mais tu vois, dans ce côté bi, je suis garçon, tout ça, et dans ce côté bi, pour moi, tu vois, c'était tout amoureux des filles, et pour le côté garçon, c'était simplement, j'avais envie de faire, tu vois, de leur faire un truc, une soirée, c'était tout. Vois-tu? C'est jamais une histoire. Et or, récemment, j'en ai reparlé de mon orientation sexuelle avec mon meilleur copain par rapport à ça. Et c'était la première personne que je lui avoue que j'étais bi déjà. Et ça, ouais. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, mais en même temps du bien. Oui, je vois. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis remis en question sur plein de choses, sur mon orientation, tout ça. Et je ne savais pas qui en parler, tout ça. Du coup, pendant au moins un mois, je me suis renfermé sur moi-même. J'étais plus moi-même. Je ne me sentais plus bien du tout. Je n'avais pas envie de bosser. C'est une chute de notes incroyable. Et j'avais envie de parler à des personnes, mais je savais que ma classe, si je le disais, si je faisais mon coming out, tout ça, je serais rejeté. Et on va dire, en plus, là, récemment, je suis maintenant avec quelqu'un, avec un garçon. Mmh. Ça fait bizarre parce que personne de ma famille sait que je suis comme ça, de cette orientation. Et que seul mon meilleur pote, c'est ça. Et un autre pote aussi, c'est ça. Mais sinon, il n'y a personne d'autre. Et pour moi, c'est mal au cœur. J'ai mal dans ma pensée que personne d'autre le sait. J'ai envie de le dire, mais en même temps, de le garder, moi, de peur que les gens me jugent trop. C'est, t'as envie de le dire à plus de monde, mais t'as peur de la réaction de tes proches. C'est la réaction. Mes proches, non, je sais qu'ils sont assez ouverts sur ça. Mm-hmm. Mais surtout, vu que je suis interne aussi. Ah oui. Et vu que aussi, c'est pour ça. Après, rien ne t'empêche d'en parler sur Internet. Ça fera déjà plus de personnes à qui te confier. Oui, voilà. On va dire aussi, surtout que... Lorsque j'en ai parlé pour la première fois, c'était aussi, il y avait quelques crues dans ma classe et j'ai découvert que certaines personnes de ma classe étaient homophobes. Et ça aussi, ça m'a mis dans un état très bizarre. En même temps, c'est essayer de défendre le point de vue, mais tel que des personnes de ma classe considèrent un mec de ma classe gay et je vois leur réaction par rapport à cette personne-là, sans dire, j'ai envie de garder ça aussi pour moi. Et c'est beau aussi de tenter de défendre cette personne-là sur le fait que s'il est gay, on s'en fout. Même, et il le critique toujours, tout ça, et souvent les réactions vraiment qu'ils font. Du coup, souvent, ça reste assez enfermé. En fait, t'essayes d'aller dans leur sens ou de dialoguer, mais quand c'est trop violent de l'autre côté, tu peux plus au bout d'un moment, quoi. Ouais. Non, c'est normal, ça. Mais oui, ça pour le... Du coup, là... Je dirais de pas tenter le diable pour ce qui est de ton internat et de pas provoquer les homophobes qui pourraient te mener la vie dure. Je veux dire, l'internat, c'est que des cours, ça va pas rester éternellement comme ça. Oui, c'est ça, en plus c'est ma dernière année. Donc.
En plus. Bah, donc, faut encore tenir un petit peu. Quoi. Voilà, t'embêtes pas, l'année elle est plus proche de la fin que du début. C'est... Ouais, elle est plus pour être tranquille. Tu pourras en parler avec d'autres personnes dans un lieu plus, plus sain pour ce niveau-là. C'est ça. Bah, voilà. Ah. Aussi, on va dire, quand on se l'a dit la première fois, comme je vous ai dit, c'est mon souhait. Non, mais m'a remis en question. Et surtout la question, pourquoi moi, pourquoi pas un autre, et pourquoi ça. Tel que j'avais fait plein de recherches, tout ça. C'est ça, on peut dire, pour les gays ou les lesbiennes, maintenant, ils s'expliquent scientifiquement, tout ça. Mais pas pour les bis. Et pour moi, j'ai énormément du mal à ne pas l'expliquer aussi moi-même. À dire que la science n'a pas de réponse. Pourquoi moi, je suis bis, alors que je sois gay ou hétéro, simplement. Et là, la science aura une réponse pour moi. Alors que là, rien. Et ça fait aussi énormément du mal pour moi sur ce côté-là, tout ça. Bah, c'est juste que ça arrive, mais il faut pas se prendre la tête là-dessus, dans le sens où c'est pas anormal, c'est pas grave, c'est parfaitement naturel de l'être, et faut pas se poser de questions, on est comme on est, c'est tout, quoi. Bah, c'est ça que c'est naturel, mais c'est dit pourquoi. Pourquoi, ça peut être, c'est une question con, mais des fois, je me la pose énormément, et... Pardon. C'est contre nature. Seven, salut tranquille, vous êtes des gens bien. Merci à toi, Seven. Je ne sais pas si tu es le vrai, mais des bisous à toi. Bon, je pense que si, il n'y a pas de raison. Alix en mort cérébrale. Non, j'écoute, c'est tout. J'ai pas l'air blasé avec Rokigou. Quand j'écoute, j'ai l'air blasé, mais ça veut pas c'est dire. C'est ça, juste qu'on est concentré sur ce que dit la personne à chaque fois. Je suis bien le vrai. Oui, ah bah non, voilà. c'est pas le vrai, il a pas dit oui. Enfin, je pense, ouais, il est pas sûr. Remise en question, Swiss Seven. Allez, des bisous à toi. Du coup, est-ce que tu arrives quand même à être bien par rapport à ça, par rapport aux gens qui t'entourent aujourd'hui, ou c'est encore maintenant, compliqué? Maintenant, oui, j'arrive assez à être bien, tout ça. On va dire, les potes d'internat, je sais que je l'aurais toujours pas dit. Et sur ce point-là, ils sont très ouverts, ils sont quand même assez actifs sur ça, déjà. Mmh. Franchement, oui, ça va, mais c'est surtout, comme je l'ai dit la première fois que j'en ai parlé, ça m'a fait du bien et du mal à la fois, parce que ça me posait plein de questions, tout ça. Et normal, oui. J'en ai parlé à mon pote, il a dit, je lui ai dit aussi pareil, pourquoi moi, pourquoi c'est comme ça, comme je lui ai dit, c'est expliqué pour le game et pas pour moi, il a dit, te pose pas cette question-là, c'est normal. Même s'il me l'a dit ça, même si c'est que c'est normal, pour moi, je sais pas pourquoi il y a un truc qui gagne. Un truc qui dit pourquoi moi. Mais je pense qu'il n'y avait pas autant de gens qui comprennent pas que c'est normal, de gens qui réagissent mal à l'homosexualité, tout ça, il n'y aurait même pas besoin, ou même pas lieu de se poser ces questions, oui, voilà, pourquoi moi. Oui, c'est. Je pense ouais, c'est que. Je pense que ce que ton. Ton questionnement où tu où ça te prend la tête, je pense que ça va disparaître au fur et à mesure du temps. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est pas pourquoi moi, c'est pourquoi les autres sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça? Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter, sinon au cas on va passer à la personne suivante. Moi non, c'est pas un code spécialement rajouté. D'accord. Bah, donc, du coup, bah, bonne soirée et merci beaucoup. Et bonne soirée au chat. Hein. Ah, bonne soirée à toi et merci de nous avoir partagé ça. Merci de rien. Et un coucou aux jambes. Coucou aux jambes, oui. On transmet. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pourtant, être trisexuel, si on considère que les jambes ont un sexe. Non. Putain, on crée vraiment des délires à partir de rien sur le live, c'est incroyable. C'est merveilleux. Je me rappelle du plus petit que 3 et du un disque. Oui. Les gens se créent des délires à partir de rien, c'est incroyable. Eric, c'est le grattage de Boussache qui dit... Non, quand je suis comme ça, je me gratte pas. Alors, on va parler avec Niaxain et comment faire son coming out. Ah, un tuto peut-être. Tuto. On va voir ça tout de suite. Je le transfère. Bonsoir. Oula. Waouh. Ça s'appelle la saturation. Ouais, ça a un petit peu saturé. On t'a même entendu. Ah oui, oui, on m'a move pendant que je faisais une blague, effectivement. Et ils n'auront jamais la fin, tant pis pour eux.
RIP. Alors, est-ce que tu veux nous te présenter un petit peu et nous parler un petit peu de, bah, de ce pourquoi tu es là? Alors, moi, je suis là parce que je voudrais demander des conseils comment faire son coming out. Car ah, tu veux des conseils, pardon. Oui, c'est ça, et aussi parler avec des gens. D'accord. Toi, actuellement, tu es dans quelle situation? Tu as besoin de faire un coming out, c'est ça? Oui, j'ai besoin de faire un coming out. Je l'ai déjà fait à mes amis plus proches, et je ne l'ai pas fait à mes... À tes parents. Mes parents, ouais. Oui, exactement. C'est quel genre de coming out? Bisexuel. D'accord. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas ta famille, on ne sait pas s'ils sont ouverts des sous. Ils sont assez ouverts. Ils sont... Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord. Essaye peut-être de diriger la conversation ou de simplement d'attendre le moment où le sujet est lancé. Peut-être pour pouvoir commencer à parler du sujet. Si tu sais pas vraiment comment faire. Après, si de base tu fais confiance à tes parents, tu sens qu'ils sont ouverts d'esprit, ils n'ont pas de problème avec ça, tu devrais pas trop te triturer l'esprit non plus. À la limite, si tu as des parents tolérants, il risque de t'arriver la même chose que moi, c'est que ce soit surtout la surprise, qu'ils s'y attendent pas, ça les prend un peu au dépourvu, mais qu'ils le prennent pas mal pour autant, quoi. D'accord. À la limite, tu devrais peut-être essayer d'entendre lancer des sujets à rapport à l'homosexualité, à la bisexualité, savoir un peu ce qu'ils en pensent ou comment réagissent. Je vois plein de gens qui se demandent ce qu'est un coming out, c'est simplement avouer son homosexualité, bisexualité, trans, voilà, tout ça. Donc du coup, tu devrais peut-être essayer comme ça. Sinon, je reprends ce qu'avait dit Célio tout à l'heure, il faut pas se forcer à faire son coming out si on n'est pas prêt à le faire. Mm-hmm. Il faut... fais-le quand tu te sens que tu es prêt à le faire. Et salut à toi ou Face. Il faut quand même noter qu'on ne voit pas les jambes d'Alix et Matera, parce qu'on n'en a pas. C'est ça. C'est pour ça qu'on en a une paire de rechange, mais on se la prête. Je suis un trap sans le faire exprès, si tous les gens m'appellent mademoiselle. D'une certaine sorte, façon. Je sais pas si j'aurais d'autres conseils à ce niveau-là, parce que je suis pas tellement un expert en la matière. Mais oui, essaye de tâter le terrain un peu avec tes parents, savoir un peu leur position à ce niveau-là. Et dès que tu te sentiras prêt ou dès que tu auras l'occasion, tu pourras lancer le sujet, quoi. C'est genre de matériel. Non. Fais les boire. Oui, ça peut être une solution, faire boire tes parents, ouais. Tu sais, ils sont complètement beurrés, comme éviter, ça tu leur balances l'info au milieu. Ils pourraient ne plus s'en rappeler après, donc... Attends, tu m'as donné une information très importante, mais je ne m'en souviens plus. Pourrais-tu la répéter? Vous pouvez nous... J'ai rien compris à ce que t'as dit. À tes souhaits. Non, en fait, en dessous de leur bureau, il y a un portail et ça ressort les jambes sur le lit. C'est ça, c'est pas ça. Voilà. Mais sinon, le mystère est donc résolu. On peut... Il y a plein de gens qui disent les jambes éternues, à tes souhaits les jambes. Depuis on le rhume. Ça le fait beaucoup rire. Les jambes ont éternué, possibilité qu'un nez y soit implanté. Oh putain. Ah c'est énorme. Ah mais c'est live quoi. Il faut mettre le kilt. Non, c'est à 500. Non, on va parler de la personne. Et on ne met pas le kilt aux jambes, non. Voilà, on est à 416€, à 500 je mets un kilt. Promis. Je vous entends parler de mademoiselle, mais vous savez que les féministes grognassent... Oui, c'est vrai, on n'a plus le droit de dire mademoiselle, et ça, c'est une belle connerie. Bref, on va pas partir sur ce sujet-là ce soir. Mais sinon, je sais pas si t'as d'autres questions par rapport à ça, parce que je vois pas ce qu'on peut te dire de plus, en fait.
Alors, je suis désolé, Darkseid, désolé que tu sois aussi loin de la vérité, mais bon. Du coup, est-ce que tu as une autre question ? En fait, pas grand-chose d'autre. D'accord. Bah, j'espère que rien que ça, ça t'a aidé un petit peu. Parce que malheureusement, il n'y a pas, oui, de, oui, y a pas de façon miracle, il n'y a pas une façon de faire, quoi. Donc, Oui, voilà. Je vois. Mais attends le bon moment, attends d'être prêt, quoi. Mmh. Oui, il y aura une VOD. Oui, il y aura une VOD sur la chaîne, la chaîne secondaire, le lien est en description. Pourtant, c'est joli, mademoiselle, c'est vrai. Mais comme dit... C'est contre nature. Hein. Je lis juste après. C'est vrai que Monde à Moiseau s'est perdu beaucoup plus tôt. J'arrive pas à comprendre les homophobes. Tous leurs accoumements sont démontables en 10 secondes. Sinon, continuez ce que vous... à nous faire rigoler. J'adore vos vidéos, je crois. Et c'était de... Alors, attends. C'était un don de 10 euros de... Smaco. Smaco, merci à toi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend des arguments soi-disant homophobes, ils sont tous très facilement démontables. Et le seul argument qui n'est pas démontable, c'est parce qu'il existe déjà pas de base, c'est quand il dit « ouais, mais c'est Dieu, et Dieu dit que c'est un péché ». C'est ça. Le problème, c'est que argumenter avec des homophobes, la plupart du temps, c'est des gens de très mauvaise foi ou qui ne savent pas débattre ou écouter. Donc c'est même si tu leur démontres leurs arguments, bah ils vont se braquer et dire non mais je m'en fous de ton avis quoi. Non non mais c'est ça. C'est... Malheureusement. Le c'est contre nature, oui. Oui. Bah, non mais c'est... en plus c'est complètement pas contre nature, ça a été prouvé à de multiples occasions. Oui c'est naturel. Naturel. Non ta gueule. Bah si tu n'as rien d'autre à rajouter, on va peut-être passer à quelqu'un d'autre du coup. Oui oui. Est-ce que vous pouvez me move dans la salle d'attente, s'il vous plaît? Tu peux même le faire toi-même. Soit tu peux le faire toi-même. T'as juste à cliquer. T'as juste à cliquer sur salle d'attente du live. Mmh. Bah, merci à toi d'être passé. Et bon courage pour ton coming out, du coup. Merci beaucoup. Et une bonne soirée à toi. Ouais, bonne soirée. Une bonne soirée à vous aussi. C'est naturel comme l'eau, Rosanna. Oui, Tunis, tout à fait. Oui. Guérico. Ah, il veut partager son point de vue d'hétéro gay friendly. Ah, en soi, oui. On va voir ça. Alors, Guérico, c'est parti. Tac, il est là. On m'envoie un double. Ah, bienvenue. Allô ? Oui, allô, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bah, là, on t'entend, ouais. Nickel. Donc, avant de commencer, je veux juste faire une grosse dédicace au chat d'attente. D'accord. Ils sont chauds. Ah, ils sont chauds. Ils attendent qu'à passer, c'est tout. On sait pas si on passera tout le monde. Dans le doute, on ferme les inscriptions et on essaie de voir là. Mais c'est pas qu'on ne veuille pas, mais. Oui, mais tout le monde est en mode de la dédicace, donc voilà. C'est... ils sont fous. Alors, bah, du coup, tu voulais nous parler de quoi? Un peu tout en fait, d'autant le collège que tous les gens, que tout ça. Ok, d'accord. Perso, moi j'ai 17 ans, j'ai déjà passé bien le collège, je sais ce que c'est, on a tous eu des merdes, voilà. Mmh. Voilà. Bon, je suis pas homo, je suis hétéro, je suis hétéro, vraiment, mais je comprends qu'on peut aimer quelqu'un d'autre d'un sexe opposé et plusieurs personnes en même temps, des trucs comme ça. Mmh. D'accord. Ce que je comprends pas, par contre, c'est quand, par exemple, des gens lambda. Ah, qui change de sexe, mais que je sais pas comment expliquer ça. Mais pas ton temps, vas-y. j'ai perdu le mot, c'est. C'est. Par exemple, une femme se définit comme homme. Ah, la transidentité. Voilà, mais je comprends pas quand on est un lambda, enfin lambda dans la vie de tous les jours et que qu'on connaît pas cette personne qui vient s'énerver dès qu'on dit elle. Ah. Oui, non. Ça c'est un autre problème en fait. Oui oui je comprends. Après ça peut être dû à un ras-le-bol ou des trucs comme ça. Mais oui mais quand même, en fait faut des barrières. Si tu dis madame une fois et
et qu'elle s'énerve instantanément alors qu'elle ne t'a pas juste repris, là c'est que tu es tombé sur quelqu'un. De ça. Sur quelqu'un d'abject. J'ai jamais vécu ça, mais. Oui, non. Mais... Ça peut exister. Oui, bien sûr. Oui, non, mais ça existe même beaucoup trop pour leur image d'ailleurs. Parce quand, que ça, quand t'as un doute. Et c'est ça qui fausse l'image des gens. Oui, mais faut pas non plus se dire qu'ils sont tous comme ça. Voilà, faut pas généraliser. C'est faut pas généraliser. C'est quelque chose. Généraliser. C'est quelque chose qui existe malheureusement. Oui, oui, c'est malheureusement ça existe. Mais après, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu es t'es trans que tu es forcément que tu peux pas être un gros con. Hein. C'est ça ne protège pas. Totalement d'accord. Faut partir du principe que si jamais tu essaies d'orienter un peu la conversation là-dessus ou quoi, si t'as un doute, tu lui demandes, excuse-moi, est-ce que... Oui. Je voudrais juste savoir comment il faut que je te définisse, parce que j'ai un doute. Si elle te répond en s'énervant, bah c'est un ou une... Connasse, oui, on va dire. Exactement. Mais si jamais elle te le dit clairement et que... Si tu te trompes, c'est pas grave, ça arrive, mais ce qu'il faut, c'est pas insister et dire non, mais c'est pas comme ça, ou essayer de la contredire, c'est juste, tu acceptes, tu dis oui, d'accord, bah, je fais comme ça. Parce qu'il y en a qui sont au stade où ils disent non, mais je refuse parce que moi, je ne te considère pas comme ça, je ne comprends pas. Faut pas tomber là-dedans. C'est ça dépend pas de toi, ça. Ah, c'est ça. Après, aussi au niveau collège, j'ai pas trop écouté le live parce qu'on était vers le chat et ça gueulait beaucoup. Mais au collège, il y en a, par exemple, des enfants, mais des personnes de 13, 14 ans qui changent de genre juste pour être dans la mode. Et ça, je trouve ça assez triste quand même. Parce que bah oui, mais bon. Ça existe, mais ça reste rare. S'ils le font par mode, s'ils le font par mode, bah laisse-les dans leur coin, tu t'en fous. Voilà, au bout d'un moment, quand ils se rendront compte que c'est pas ce qu'ils sont, bah ils changeront. C'est tout. Mais ceux qui ont des problèmes au collège, il faut en parler, ça c'est sûr. Et puis comment dire, c'est s'ils font ça par mode, c'est leur problème. S'il y a des dons qui sont pas passés, Je viens de vérifier, j'ai pas de dons qui avaient ton pseudo. Y a Azazel aussi qui a fait un don. Mais... Non, il y a ni Azazel ni je crois que c'est Fenris. Alors, c'est déjà arrivé que les dons ils mettent du temps à arriver quand c'était des dons par exemple de la Suisse. Attends, je vais vérifier sur PayPal s'il y a des dons qui sont en attente. Je vais vérifier. Ça arrive, on va vérifier ça. Mais oui, clairement, faut en parler, oui. Dans son coin, même pour tout autre problème, harcèlement sexuel, ça peut arriver au collège. Harcèlement physique, harcèlement moral, tout, faut en parler. Il y en a un, il y a 10$ canadiens qui sont en attente. Aller voir l'homophobe du coin pour. Je sais pas si ça va le débloquer ou. Ouais, il y a. Bon, 10$ canadiens en attente. Ah bah, c'en est un qui est passé tout à l'heure, il avait compté pour 6,13€, donc c'est bon, celui-là. Ah, celui-là, il est bon, ok. En fait, c'était juste que PayPal me demandait est-ce que tu veux les garder en dollars canadiens ou. D'accord. La Suisse ne veut pas lâcher l'argent. Ouais, enfoiré de Suisse. De l'argent. Rendez l'argent, les gens. C'est déjà un peu en retard, comment ça va? C'est oui. Ça. Bah, ça va très bien. Sinon. Oui, il faut en parler. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, peut-être? Oui, bon, après, mon intervention est pas. Après, ça peut aider des gens, mais bon, voilà. Mais personnellement, je me place dans la pensée scientifique. Oui. Mm-hmm. C'est-à-dire que. Et l'hétérosexualité, je prends E2 parce que c'est ceux que je connais bien parce que j'y ai travaillé dessus. C'est à la base de ce que j'ai à peu près recherché. De tout ça joue en fait. C'est pas ça vient plus tard, surtout. Aimer par exemple un homme qui aime un autre homme, une femme qui aime une autre femme ou un homme qui aime une femme, ça apparaît à la naissance. C'est, je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est un pic de ce que j'ai vu, un pic de testostérone. Qui joue à la naissance. Tu penses à la vidéo de Max Burt? Ouais, c'est une théorie, je crois que c'est. Voilà. Je sais pas si ça a été. On n'a rien prouvé pour l'instant, mais c'est une des théories les plus probables. C'est une des plus théories les plus. Comment dire? Les plus véridiques. En fait. Parce que j'étais allé chercher autre part et. C'est vraiment. Qu'on soit clair pour l'instant, c'est l'une des théories les plus probables. Mais il n'y a rien de prouvé, c'est une théorie. Oui, il n'y a rien de prouvé, mais c'est le plus probable. Non, oh là, tu calmes-toi, Deshoui, c'est ce qu'on dit. Tu te calmes. Calme-toi. Ah oui.
Oui, c'est une théorie, c'est ce qu'on dit. Oui, voilà. Pour l'instant, je suis suisse, moi, bon, on n'est pas tous des voleurs, non mais... Mais calme-toi. Ils sont nerveux en plus, les Suisses. Et des bisous à toi. Ah, les jambes se sont retournées. Oui. Si c'est pas trop personnel, pour vous, comment ça s'est passé, en fait, votre coming out, des trucs comme ça? Oh, très bien. Très bien, ouais. Oui. C'est... Là, t'as trigger tout le monde. Alix, ses parents, lui, eux, ils s'en foutent, tout bêtement, ouais, en fait. Ils ont aucun problème avec ça. Moi, ils ont été, ils ont été surpris, mais ils l'ont bien pris. Alors, je suis désolé, Azazel et Fenris, vos dons n'apparaissent pas, en fait. Donc, je pense qu'ils ne sont simplement pas passés. Je suis donc désolé. Je ne sais pas, je sais pas où ça coince. Moi, je ne peux pas. Là, par exemple, on ne peut rien faire. Il y a les jambes qui dit bonjour. Salut à toi. Mais ouais, je sais pas si on peut rajouter autre chose à ça, mais non, ça s'est bien passé de notre côté, quoi. C'est bien cool. Alors, on a eu du bol, quoi. Comparé à d'autres qui se font virer ou des trucs comme ça, c'est presque honteux, quoi. Là, c'est carrément honteux. Quand on a un enfant, faut prendre soin de lui, quoi. Bah oui. Qu'il arrive. Bien sûr. Bah, tu l'acceptes qu'il est, quoi. Qu'il ait par exemple une maladie mentale. Quand je parle de maladie mentale, c'est-à-dire trisomie, des trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est pas une maladie mentale, mais oui. Je pensais, excuse-moi. Ah, pas grave. Non, c'est une maladie physique, vu que c'est dans les gènes, c'est pas. Pas bon, on n'est pas là pour. On n'est pas là pour parler. Non, mais c'est pas ce débat, c'est pas le débat. C'est encore une chose. en tout cas, si t'as rien d'autre à rajouter, on va passer à quelqu'un d'autre. Sûr. Et on te remercie pour être passé. Rébellion des gens, oui. Et on va te souhaiter une bonne soirée, du coup. Bonne soirée. À vous aussi. Allez, salut. Alors, move. De quoi? Ah oui, il n'est pas move. Vas-y. Hop. S'il y en a qui demandaient pourquoi on avait affiché le drapeau gay, c'est parce que c'était en rapport avec le sujet de ce soir, quoi, et l'association. Voilà. Alors, le prochain, c'est Théo Pulsar. Alors, Pulsar, et on va le passer maintenant. Allô? Allô. Salut à toi. Salut. Alors, je vais juste couper le son du live parce que sinon je vais m'entendre en double et ça va pas être très fun. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, le don de Fenris vient de passer. Il dit voici une petite pierre pour un édifice qui demande encore beaucoup de travail pour être achevé. Bravo pour votre super initiative. Eh bien, merci à toi pour tes 5 euros. Merci à toi, Fenris. C'est cool de te contribuer. Ah. Voilà. Bah à toi maintenant. Déjà, je tenais à vous dire merci pour tout ce que vous faites, pour les vidéos, pour tout ça, parce que quand même, vous faites bien marrer, hein. Faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment. Ah, merci. Et puis, ça fait toujours aussi sympa de glisser un petit merci comme ça au passage, tant qu'on a l'occasion. C'est gratuit. Ouais. Oui, voilà. Hein, et ensuite, alors moi, ce dont je voulais parler, c'est pas vraiment pour moi, puisque je m'en sors plutôt bien de mon côté. Hein. C'est ce que j'ai un ami qui, lui, par contre, est assez mal depuis quelques mois. Dans le sens où j'ai quand même réussi à l'empêcher de se mutiler pour l'instant, mais à mon avis, si ça continue comme ça, il va commencer à le faire. C'est pas d'accord. Un joueur. Parce que il est bi. Le problème, c'est que sa famille est très fermée sur le sujet. Genre vraiment très très fermée. D'accord. Ils sont pas. Ouais, c'est pas le Moyen-Âge, mais ça y ressemble. Il cherche une solution pour le dire à ses parents sans que ça crée de conflit et sans c'est que ça parte en couille. Contre nature. Il a quel âge? Il doit avoir 17 ans vu que il a un an de moins que moi. Voilà. Peut-être vu que sa famille est extrêmement fermée et que a priori ça peut pas bien se passer. Ça serait peut-être une bonne chose de pas en parler pour le moment.
En tout cas, pas. C'est contre nature. Hein. Pas entre. Pas tant qu'il est susceptible de, sur... de subir quoi que ce soit de leur part, que ce soit exclusion ou quoi que ce soit. Je pense qu'il devrait se tourner vers d'autres personnes pour avoir du soutien, mais que pour ce qui est des parents, ça devrait attendre en fait. À la limite, s'il en a besoin, il peut toujours appeler le refuge pour avoir juste des conseils et des infos, parce qu'ils connaissent plein de monde et à appeler ou quoi. Et j'ai plus le nom, mais il y a une association qui a pour but de faire les médiateurs, on va dire, entre la famille et la personne concernée. Ouais, s'il y a des problèmes. Parlé tout voilà. À l'heure. Mais au cas, parce que là on l'a pas de tête, il devrait appeler au moins le refuge pour expliquer sa situation et il aura au moins des conseils et saura quoi faire. D'accord. Eux, ils seront vraiment parce bien conseillés. Ouais, oui, c'est l'association Contact, voilà. L'association Contact. Tiens, je prends des notes en même temps, comme ça je peux leur dire après. Voilà. Mais il faut vraiment que ça vienne de lui et qu'il ose le faire. Quoi. C'est, il n'y a personne qui pourra aller le chercher à ce niveau-là. Je vois. Parce que bah, ça le met mal aussi, en fait, de ne pas pouvoir non plus en parler librement, comme ça. Ouais, je m'en doute, ouais. Parce que bah, moi encore j'ai du bol, ma mère a plutôt bien accepté le truc. Mais ouais, je comprends à peu près, enfin je compatis à ce qu'il vit, quoi. Ouais, normal, quoi. C'est pour ça que je me disais que c'est toujours intéressant d'aider comme ça et aussi de demander. En plus pour aussi les autres gens qui sont sur le live, quoi, et qui écoutent. Bah oui, c'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à venir parler, parce que ça peut en aider beaucoup qui vont regarder ce live et ensuite cette VOD, quoi. C'est... Voilà, voilà, bah c'était à peu près tout. Et je sens que je vais aussi me faire harceler dans le chat si je fais pas une dédicace. Donc, dédicace à la salle d'attente du live. Je sens que vous allez en avoir beaucoup, je suis désolé. Ah, mais ils ont l'air complètement chauds, quoi. Ah, mais on est très chaud. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'ai balancé une image de Queen Yaman pour montrer à quelqu'un ce que c'était. Oui, mais t'as là, Alucard qui a balancé un. Je crois que c'était un pain lorrain et c'est parti en couille, c'est parti en foot fight. On voit le général. Hein, voilà, donc. Le général sur le côté. Dans lequel. Voilà, c'est le chat qui est parti en couille, c'est un parti en couille de moi. Calmez-vous un peu avec le général, s'il vous plaît, que ce soit pas invivable pour les autres. Voilà, voilà, bon, bah, c'était tout. Encore merci pour tout ce que vous faites. J'espère que vous passerez en Bretagne un jour, hein. Ça serait sympa qu'on puisse vous voir là-bas. Ouais, faudrait qu'on ait une occasion et qu'on ait les moyens d'aller là-bas aussi. Mais ce serait bien, hein, parce que bon... À la limite, là on a 351 euros sur PayPal, bah on les détourne pour aller en Bretagne, voilà. Ouais, c'est ça. On vous accueille avec des cartes. Si on a l'argent là, c'est bon, c'est pas de voilà. soucis. Bonne soirée à toi en tout cas. Bon, merci, à vous aussi. Je retourne dans la salle d'attente pour rejoindre un peu les camarades. Ça marche. Et voilà. Hein. Je dis bah, bonne soirée bleue. Bonne soirée. Bonne soirée. Je crois qu'il y a des donations qu'on n'a pas lues. Oui. Alors, il y a Dark Mitrailleur qui a donné 5 euros et qui a dit petit don avant de partir pour apporter un peu d'eau au moulin. Bonne soirée tout le monde. Merci à toi. Et Azazel qui a réussi à donner ses 15 euros. Et il dit j'ai envie de refaire mon don car j'aime bien les problématiques que vous soulevez, ça fait réfléchir. Bisous sur vos fesses de la part d'un hétéro fort dérangé. Ah, un hétéro dérangé. Voilà. Bientôt un copain. C'est ça. Un confrère. Il y a Dracodemus qui est en haut à cause de Monkey Go. Un hétéro dérangé, pour ainsi dire un confrère. Je vais faire une petite phrase longue et inutile pour masquer le chat étant donné de rentrer en contact avec les gens derrière et je vais consulter un dico et apprendre à m'exprimer et trouver des idées. On transmet. Alors, personne suivante. Kira Nero qui veut parler de la situation en Belgique, ça peut être très intéressant. Mais je crois qu'on a déjà eu dans une ancienne... C'est possible. Il me semble que c'est la personne qui a deux personnalités, si je ne dis pas de bêtises. Ah, peut-être. On va bien voir. Allô ? Allô ? Elle est partie. C'est un petit problème. Je vis le chat et je vois juste mon chat vomi par terre. Oui, c'est un chat, quoi. Ouais. Les chats, ça passe son temps à dormir ou à manger ou à vomir. Ah, j'ai entendu un bruit extérieur. Allô ? Oui ?
C'est en train de jouer avec son micro. Ou alors il nous fait de l'ASMR, je sais pas. Je sais pas. Attends, deux secondes. Mon avis, ah. C'est à moi, là. Oui. Oui. Ah, j'étais parti justement au moment où on appelle. Ah bah bravo. D'accord, donc. Ah bah bon. Je sais pas si faut savoir que ça va être pile à ce moment-là, en plus. Ah, faut être aux aguets, quoi. Ah, ouais. Ça va. T'as la chance, on était pas sûr. Bon, alors... bah... On va faire un petit résumé, donc... Bah, je t'en prie, vas-y. Moi, c'est Kira, hétérosexuel, belge. Ça, en plus. Important. Ouais, il fallait le préciser. C'est pour préciser un peu la situation géographique. C'est pour trigger tous les belgophobes qui est ici. C'est ça. C'est ça. Personnellement, j'ai toujours été ouvert d'esprit, j'ai jamais eu de soucis... que ce soit avec les hétéros, les homos, enfin bref. Mais j'ai souvent connu des situations où les gens te sortaient des trucs assez impressionnants. Comment je veux dire ? Quand on était dans les écoles et tout ça, donc ce qui revient sûrement au lycée pour vous, j'ai déjà eu un éducateur qui avait été hétérosexuel, qui avait eu un enfant et tout ça. Et qui avait fait son coming out, il avait annoncé qu'il était homosexuel. Et j'avais des élèves qui ne voulaient pas aller près de lui, parce que soi-disant qu'il pourrait toucher les enfants. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, oui. J'ai jamais vraiment compris le rapport entre l'histoire d'être homosexuel et pédophile. Non, mais il y en a qui font le... C'est parce qu'en fait, tu t'as pas compris le rapport parce qu'il y en a pas, en fait. C'est ça. Il y en a qui font l'association, on sait pas pourquoi. C'est... Oui, j'ai jamais compris. Ouais, alors il y a ça... Il y a aussi, ça j'ai pas vraiment de vérification derrière, mais j'avais des amies qui étaient lesbiennes, je restais souvent avec elles, et à ce qui est pareil, il y a déjà des policiers qui sont venus les voir en rue, parce qu'elles se donnaient la main, quoi. Bah oui, d'accord. Ouais, je sais pas dans quelle commune de la Belgique profonde vous étiez. Ah, nous on est dans une région où il vaut mieux pas être homo, parce que t'en ramasses plein la gueule. Je l'ai déjà expliqué à Materia, j'ai un ami qui était bi. Et pendant un voyage scolaire, pendant que nous on était partis dans un autre pays, lui était tout seul avec d'autres élèves avec qui il avait gym. Et il y a eu une altercation, il a eu le malheur de dire qu'il allait défoncer quelqu'un. Ça a été pris dans un autre sens et ils l'ont passé quasiment à tabac. Et lui a voulu se revenger par après avec une arme, quoi. Ah ouais, d'accord. Et ce gars-là, il n'y avait personne qui pouvait l'approcher. Donc les gens... qui allait près de lui pensait que c'était comme une maladie et se reculait à 4 mètres, quoi. Forcément, quoi. Ouais, c'est... J'ai c'est... jamais vraiment... C'est un peu moyenâgeux. Oui, mais c'est souvent la mentalité qu'il y a ici, tu sais, que les homos, c'est contagieux, que si tu côtoies des homos, tu vas le devenir. Ou alors, je suis resté pendant quelques années avec des amies lesbiennes. Et alors, la seule chose qu'on me disait quand j'allais chez elles, c'est « Vous avez fait un truc à trois ?» Bah, le principe, c'est non, ça marche pas comme ça. C'est ça, les mentalités sont tellement ancrées sur des conneries énormes que les gens s'imaginent des trucs à la con, quoi. Après, je voudrais pas donner des arguments aux homophobes, mais bon, lui, je l'ai côtoyé des années et à cause de lui, voilà. Aujourd'hui, regarde où j'en suis. Bon. Mais comme j'ai envie de dire, si tu côtoies des homos, tu ne deviens pas homosexuel, tu le découvres. C'est pas. C'est une nuance. Ouais. Ouais. Ouais, t'as dû découvrir un tas de choses, Materia, donc oula. C'est pas mal. Oh, t'as pas idée. C'est bon à savoir. Enfin bon, non, mais il y a énormément de préjugés qui sont encore en place, il y a énormément de gens qui sont massacrés juste parce qu'ils annoncent qu'ils sont homo ou quoi. Même dans certains pays où ils se font bien arranger parce qu'ils ont avoué leur homosexualité ou autre chose. Donc... Bah, y a plein de pays où c'est condamné par la mort. Ah, donc voilà. Enfin, c'est condamnation à mort. C'est con. C'est con, ouais. C'est... Ouais. Ça doit être fun. Et en Belgique, enfin, aujourd'hui, voilà. C'en est où exactement c'est... Oui, j'aurais pas cru que la Belgique... Après, c'était juste l'endroit où t'es qui fait ça. Disons que c'est toujours compliqué. Par exemple, tu vas aller à la capitale. La capitale, tu vas avoir des gens qui vont être habillés en haut, en couleur. T'auras aucun problème. T'auras des quartiers qui seront prévus... Il y aura des quartiers gays, il y aura des trucs ainsi, tu n'auras pas de soucis. Mais tu vas aller dans des villes où tu as principalement des wesh, où tu as, enfin sans stigmatiser non plus, mais tu as des wesh, tu as des racailles, tu as des gens racailles. Comme ça.
Dire à Caillou, moi, c'est, voilà. C'est tout de suite juste les fouteurs de ouais. merde. Tu vas avoir ça, dès qu'ils vont voir quelqu'un un peu efféminé ou quoi, ils vont vouloir aller se foutre sur sa gueule, quoi. Ouais, je vois le genre. Complètement d'accord. Donc, bah après, voilà, oui, comme dit, il y en a un qui dit hashtag Charleroi, oui. C'est... Ouais. Mais bon, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire, ça, c'est pas propre à la Belgique. C'est... Non, c'est pas... Ça dépend vraiment des coins. Maintenant, par exemple, dire, tu vas j'ai dans... appris il y a pas longtemps. Ouais. Non, je veux dire, tu vas dans les quartiers... Tu vas dans les quartiers malfamés du 92, des trucs comme ça en France, c'est pareil. Hein. C'est contre nature. Alors, hein. Azael qui refait un don. Les homos en Belgique sont traités comme de la merde, mais c'est comme ça, même si tu l'es pas. À peine tu es différent, tu es catalogué comme un pestiféré. Signé un belge métalleux, Louviérois hétéro dérangé du bulbe. Bah, ah merci. Super, hein, Louviérois avec moi. Merci pour ton nouveau don de 10 euros, c'est cool. C'est Azazel qui tout à l'heure a dit dans le chat qu'il te connaissait. Qui sait qui tu étais. D'accord. Okay. Alors, je vais exaucer le souhait du chat. Je vais te demander de te décaler un peu de mon côté, non de l'autre. Et je vais désactiver les logos quelques secondes parce qu'il y en a qui veulent faire des screens des jambes. Voilà. Voilà, je vais retirer les logos, vous pouvez les voir. Bah non. Il y a tout le monde qui va être en fétiche dessus. Pour bientôt, revenir sur l'histoire. Bientôt le kilt les gars, oui. Oui, pardon. L'histoire de la ville ou du pays. J'ai appris dernièrement qu'il y avait dans le village de ma grand-tante, donc qui est plus proche de la frontière française, il y a un jeune homme qui était fort efféminé, mais qui n'avait jamais rien fait de mal spécialement ni rien. On est allé jusqu'à lui enfoncer un parapluie dans... Mmh. Voilà, parce qu'il était homosexuel, et pourtant c'est un village, donc tout le monde se connaît et tout ça, et il n'y a pas... mais oui. Visiblement... Mais malheureusement, souvent les villages ont tendance à être un peu moins progressistes. Un peu plus extrêmes, on va dire. Oui. Putain, c'est horrible. Ouais. À fond. Ouais. Putain. Maintenant, on en revient sur l'histoire des métalleux et tout ça. J'ai eu le malheur de porter un bracelet en cuir pendant un temps quand j'étais à l'école. Je me suis fait arranger comme pas possible, quoi. Juste pour un bracelet. Ouais, on a dit que j'étais gothique, que j'étais sataniste, j'avais pas mal d'emmerdes et tout ça, et bon. Bah... Et après, j'ai décidé de m'habiller comme je voulais, quoi. Je veux dire, pour te dire la stupidité des racailles de là où j'habite, je me suis déjà fait traiter de skinhead alors que j'ai les cheveux longs. Un skinhead aux cheveux longs, c'est pas mal, hein. J'ai déjà eu la blague aussi, hein, de... Okay. Bon, évidemment, ils l'ont dit de loin et tout, parce que j'avais un chien en laisse, donc évidemment, ils n'allaient pas s'approcher, ils n'ont pas assez de courage pour ça. Mais, Ah non, moi, les attaques, ça dépend qui, mais souvent, c'était des trucs à distance, te lancer des objets ou des bazars comme ça. C'est rare qu'on vienne en face de toi, ou alors ça parle quand ils sont en groupe, bah, évidemment. Et quand tu te retrouves tout seul avec eux. Oui, voilà, bizarrement. Hein. Oui, voilà, il y en a dans le chat qui sont éclatés de rire parce qu'il y a un skinhead avec des cheveux. Oh mon dieu, ouais. Il est chaud, il se cache avec. Bref, la Belgique, c'est pas triste non plus en ce moment. On va éviter d'aller en Belgique du coup, pour y habiter à cause de ce genre de truc. Non, la Belgique, on veut y retourner en plus, parce que c'est cool la Belgique. Ah ouais, mais je veux bien y aller, j'y suis déjà allé plusieurs fois. Mais ouais, pareil. Peut-être pas y habiter du coup, ou alors bien choisir son endroit. Ouais, voilà. C'est un peu compliqué parce que, bon, j'ai 24 ans, donc j'ai changé d'endroit quelques fois. Mmh. J'ai été dans une ville qui est proche de la Louvière, c'était pas mieux arrangé non plus, mais bon, on faisait pas trop gaffe. En grandissant, en allant à la Louvière, là, c'était... Pendant un temps, t'avais quelques punks, puis t'en as quasiment plus, des gothiques, t'en avais plus non plus. Maintenant, c'est beaucoup des racailles ou des choses comme ça. Je vais aller à Soigny, ce qui est c'est une petite ville. Tu vas avoir même des inconnus qui vont dire bonjour, tu vas avoir des événements, tu vas avoir toutes sortes. Mmh. Tu vas aller à Mons ou à Namur, dans des villes un peu plus grandes et culturellement qui ont parfois plus de trucs. Il y a un peu moins de gothique, d'émo ou des choses comme ça, mais il en reste quand même une bonne partie où les gens ont l'esprit ouvert. Et tu le vois déjà en fonction des boutiques. Tu n'as pas les mêmes styles de boutiques, par exemple, tout ce qui était musique et tout ça dans ma ville. Donc dans la Louvière, bah, c'est mort, quoi. Tout est fermé. Mmh. Ouais. Donc ça dépend vraiment les endroits où tu vas et
T'as toujours des mentalités différentes, t'as toujours des petits groupes. Maintenant, c'est clair que je me fais pas beaucoup de liens ou de connaissances dans la région. Il y avait la taverne du théâtre qui faisait des trucs, mais la ville, maintenant, n'autorise plus trop à mettre certains types de musique, vu que c'est mal vu. Donc voilà. Ouais. L'homosexualité n'est pas ouf non plus. Hein. Non. Bah, du coup, s'ils ont déjà du mal avec les sites vestimentaires... C'est ça. Compliqué. T'as pas de club gay dans le coin, je crois. Je pense pas en avoir déjà entendu parler, donc... voilà. Enfin bon. Tac, un petit ban dans le chat, et ça repart. Bah, je te remercie de nous avoir témoigné de ça, mais faut pas avoir peur non plus d'aller en Belgique, parce que ça reste cool, la Belgique. Oui, non. Et malheureusement, non, mais exactement venez... comme en France, il y a des coins où ça craint un peu, quoi. Vous venez quand vous voulez, hein, j'ai déjà proposé plusieurs fois, y'a pas de soucis. Ah, y'a pas de soucis, nous, il nous manque juste l'occasion et les c'est moyens. C'est contre nature. Ouais, bah, la Medinazia, il faudrait envoyer un message complet, comme vous avez déjà expliqué, avec ce que vous faisiez réellement et tout ça, pour... que ça passe un peu mieux, mais bon, il faut qu'ils soient d'accord de vous prendre. Ouais, c'est ça, mais déjà qu'on a dans les conventions françaises, il y en a plein qui sont moyen chaud quand il s'agit de nous défrayer, alors pour aller en Belgique, ouais. Après, moi, pas. Ça serait moins cher. Peut-être, ouais. Ça, je reçois un message. En tout cas, bah, merci à toi. On va passer à quelqu'un d'autre, du coup. Ouais, bonne soirée. Bonne et soirée. Bonne chance pour la suite. Bah, merci. Merci. Salut. 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 Mais non, le fil du casque qui bouge pas tout seul, c'est parce que j'ai la bougeotte sur une jambe et que le fil est dessus. Alors du coup, le don c'était... Alors c'est encore notre ami Itachi est dessus. Qui nous dit, vous êtes un exemple pour les influenceurs français. Je vous kiffe, gros big up et bon courage à tous ceux qui ont des familles vieille France, fermé d'esprit. Je vous aime, moi je vous aime, j'aime tout le monde. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, mec. Et on se prétend pas encore influenceur, mais on essaye d'influencer les gens de manière positive. Des petits influenceurs. Voilà, les mini influenceurs. Alex, il a des jambes. Putain. Allez, le prochain c'est Mythis et qui va encore parler de coming out. Il est toujours là. Tac. Allô. 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 Allô, j'ai perdu à peu près 20% d'audition à cause du channel salle d'attente. Ah, ça c'est normal. Ce qu'il paraît, oui. Et donc, oui, moi je viens de parler de conditions assez difficiles au niveau du coming out. Mm-hmm. D'accord. Parce qu'en gros, donc moi avant j'habitais un peu plus dans le nord, au côté de Belfort. Et il faut savoir que c'est un endroit qui est assez chaud au niveau de ça, c'est-à-dire qu'ils sont très très peu tolérants. Mm-hmm. Et du coup, très souvent, dans quasiment en fait, tout le long de ma jeunesse, en fait, j'ai mangé des blagues homophobes, etc. Mm-hmm. Donc faut savoir qu'aussi j'avais pas d'avantage, c'est que bon, je suis plutôt rond, on va dire, et il faut savoir que du coup aussi ça arrangeait pas les choses. C'est et donc rare, du coup au départ, je voulais en... Et du coup, de base, je voulais en parler à un minimum de personnes, parce que du coup j'en parlais quasiment à personne que j'étais homosexuel. Mmh. Et c'est seulement quand je suis parti en bac pro que j'ai commencé à avoir des gens à peu près tolérantes. Attendez, je vais couper le live par contre, parce que j'ai un écho horrible. Oui, voilà. C'est entendre sa voix en simultané, ça va, mais en décalé, c'est horrible. Ah, c'est perturbant surtout. Et comment dire, et donc du coup, en fait, j'ai rencontré du coup mon meilleur ami à qui j'ai réussi à dire ça. Et faut savoir que du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé du coup à plus en parler à mes amis, etc. Je voulais surtout pas en parler à mon père parce que du coup, mon père était entouré de personnes, on va dire. C'est assez bête à dire, mais c'est des mecs du bâtiment, etc. Ils faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues homophobes, etc. Oui, un peu le cliché du beauf, quoi. Voilà. C'est exactement ça, c'est le beauf par excellence, et c'est, du coup, c'était vraiment très compliqué. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, d'abord, j'en ai parlé du coup plus à mon meilleur ami, puis j'en ai parlé à mes amis un peu plus en général. Ensuite, donc, j'ai déménagé dans le sud, dans un endroit qui est magnifique, qui est Nîmes, c'est génial. J'ai jamais eu aucun problème dû à mon homosexualité, je peux me balader avec mon copain... sans problème, sans me faire cracher dessus, etc. Ce qui était impossible avant, quoi. Si je faisais ça dans le Nord, normalement, je me ferais caresser. Et c'est seulement il y a un an de cela. Donc je vous raconte ça, tout ce qui s'est passé. C'est passé il y a 6-7 ans à peu près. J'ai à peu près 21 ans. Et c'est seulement, voilà, depuis que je suis arrivé ici, que du coup, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et du coup, je suis allé avec mon copain et mon meilleur ami devant mon père. Et c'est seulement là où j'étais capable de trouver les mots pour lui en parler. À savoir que moi, du coup, j'étais allé avec avec genre une feuille entière, avec tout un discours pour éviter qu'il le prenne mal. Mmh.
Et j'ai vraiment eu peur, moi, justement, bah, du fait que ses relations avec ses amis, etc., c'était vraiment des relations qui étaient très... Bah, moi, je me sentais mal quand j'étais avec eux, quoi. J'étais tout le temps mal, je pouvais pas me sentir bien. Oui. Et du coup, quand je lui en ai parlé, bizarrement, en fait, ça s'est mieux passé que prévu. Oui, bah, parce que, en fait, t'avais extrapolé dans le mauvais sens, en fait. J'ai pas du tout entendu ce que vous avez dit. J'ai dit, t'as extrapolé dans le mauvais sens, en fait. Donc, tu t'attendais au pire. Allô ? Si tu nous entends plus, là, c'est un problème. Excusez-moi, j'ai eu un problème Discord. C'est pas grave. Je suis vraiment désolé. Ouais, t'as extrapolé, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, je me suis forcé à en parler plus à des personnes, donc, en dehors de ma famille le plus possible. C'est-à-dire que vraiment, j'essayais d'en parler à mes amis, etc. Généralement, ils le prenaient très très bien, j'ai jamais eu de soucis. Et vraiment, après, j'ai dû en parler à mon père, etc. Bon, malheureusement, je continue à me faire lyncher au niveau des amis à mon père, etc. Bon, ça, c'est malheureusement, c'est des choses qui arrivent et je pourrais jamais rien y faire. Mais j'ai trouvé ça plus simple de commencer par des personnes auxquelles on est vraiment proche, c'est-à-dire les meilleurs amis, etc., que de parler directement à ses parents. Ça permet toujours, je pense, d'arranger la chose. D'accord. Mais c'est vrai, faut toujours tâter un peu le terrain avec ses familles, avec sa famille, ses parents, tout ça. Et éviter d'extrapoler comme ça, parce que des fois on se fait des idées aussi sur ses proches ou sa famille. C'est... Mmh. Avec le stress, c'est normal, quoi. Et puis je vais pas vous mentir, j'ai appelé le refuge aussi pour avoir des conseils. Et j'avais aussi appelé. C'est Allo Dépression, je crois que ça s'appelle. Si je me trompe pas, qui est aussi un autre numéro gratuit qu'on peut appeler si vraiment on se sent mal, etc. Et qui m'avait beaucoup aidé aussi. Il y en a plein des numéros pour. Mais je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur d'appeler, quoi. Faut pas se dire que si on appelle c'est parce qu'on est comment dire honteux, parce qu'on n'est pas comme les autres, etc. Faut se dire qu'ils sont là pour vous aider et qu'il faut surtout pas hésiter à aucun moment de communiquer et de les appeler pour régler ce. Bah pour déjà avoir quelqu'un avec qui discuter, parce qu'avant tout ils vous écoutent et ils vous donnent énormément de conseils pour vous sentir mieux dans la vie quotidienne. Et il veut permettre aussi de trouver des solutions. Oui, c'est ça. Et vraiment, c'est des gens qui sont formidables et il faut surtout pas hésiter. Après, c'est la famille, les amis, c'est les premiers soutiens. Ça arrive dans certains cas que malheureusement, on puisse pas compter sur eux, mais il y a toujours des solutions, il y a toujours des numéros, des associations, il y a toujours des gens pour vous aider, quoi. Bah, faut surtout pas se laisser aussi tomber dans une spirale si ça se passe mal avec votre famille, si ça se passe mal avec vos amis, etc. Faut surtout pas commencer à se dire, à se remettre... Bah, se mettre dans le mal, à s'enfermer, etc. Faut surtout pas faire ça, sinon c'est le meilleur moyen de je trouve plus mes mots, excusez-moi. Pas grave. De tomber en dépression, quoi. Bah oui. C'est aussi un facteur qui est une des causes de dépression. Il faut surtout pas tomber là-dessus. Dès que vous sentez que vous en avez besoin, faut appeler le numéro, quoi. C'est ceux qui sont le plus à même à vous répondre si vous ne trouvez aucune autre solution. Voilà. Donc parlez-en. C'est ça, parlez-en. Voilà, surtout de rester pas enfermé, parlez-en. Et des fois, la famille dépasse qu'on croit aussi, c'est ce que j'ai appris. Ouais, c'est ça. C'est malgré tous les préavis que je m'étais fait sur mon père, comme quoi il allait me haïr après ça, etc. Bah en fait, non, ça s'est mieux passé que prévu. Et des fois aussi, la bine fait pas le moine. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est tout pour moi. Bah merci de ton témoignage, pardon. Bah c'est normal, je pense que c'est nécessaire parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont peur de ça, donc je me suis dit que autant donner un autre avis, même si pour certains ils trouveront ça bizarre. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente soirée. Toi aussi. Et bon courage, et merci pour tout en fait. Merci beaucoup pour votre chaîne qui m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles. Il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, salut. Salut. Alors, suivant. On va peut-être réussir à faire passer tout le monde. Si on traîne pas trop sur les derniers, on peut faire passer tout le monde. Ouais, on a encore 3 personnes à faire passer. Alors, Erion voudrait parler de son expérience et on n'en sait pas plus. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Ça va bien, ça va. Le peinard.
Bon, alors je vais me présenter. Donc moi c'est Quentin, j'ai 26 ans. Donc moi je viens parler surtout c'est de mon vécu, on va dire. Du haut de mes 26 piges, forcément, on a vécu un peu de choses. Bon, ça va peut-être être un peu long, mais je vais essayer de faire court. En gros, moi, ça a commencé bien avant le collège, en fait. Après, c'était pas forcément par rapport à ma sexualité, mais déjà à cette époque-là, on me traitait de PD, machin, etc. C'était plus méchant qu'autre chose, mais bon. Au collège, ça s'est suivi. Mais si vous voulez, après, par la suite, les mentalités ont commencé à changer. À ce moment-là, j'ai vu quand même les mentalités changer en... allez, je vais dire une bêtise, je vais dire en 15 ans de temps, j'ai vu les mentalités bien changer quand même. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que... c'est vrai que malheureusement, les jeunes, surtout au collège, au lycée, sont très très méchants entre eux. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Je confirme. Et que faut pas hésiter à parler quand on a des problèmes. Après, moi, quand je suis allé à la fac, tout ça, ça allait beaucoup mieux parce que forcément, les gens, à partir du moment où vous êtes majeur, que vous commencez à aller dans la vie active, si je peux dire ça comme ça, on commence plus à sortir du milieu scolaire, à s'ouvrir au monde, etc. Donc, les mentalités changent. Et c'est plus trop pareil, mais faut savoir que il y a quand même un cap à passer. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à le passer, ce cap-là. J'en ai même fait une dépression, une tentative de suicide, etc. Mais j'en parlerai pas, parce que c'est un sujet qui est quand même assez coton. Mais voilà, et en gros, heureusement, d'ailleurs, j'ai eu des amis qui m'ont soutenu. Je me suis pas laissé non plus sombrer quand j'ai vu que ça n'allait plus du tout. Et deuxième point aussi, quand j'en ai parlé à mes parents, c'est pareil, j'avais beaucoup peur parce que moi je viens d'une famille, si vous voulez, où mon père est portugais, mais vous savez, la vieille famille portugaise, catholique, machin, donc super compliqué. C'est marrant, on en revient souvent à la religion, c'est ouais, bizarre. C'est bizarre. Ouais, ouais, c'est ça. Donnez-moi un lien, je crois. Et ma mère, c'est pas vraiment mieux parce qu'elle est témoin de Jéhovah, en fait. Ah putain, d'accord. Voilà. Donc ma mère, elle, alors ma mère a été, a eu une très bonne réaction, enfin une très bonne. Elle a plus eu peur pour moi qu'elle m'a pas rejeté. Mais elle avait quand même beaucoup de préjugés, notamment le fait que si j'étais homosexuel, j'allais attraper le sida, machin, etc. Et voilà, enfin, je lui dis, maman, le sida, c'est pas que les homos. Hein. Ah, non, déjà. Mais c'est... Oui, c'est en fait c'était juste des préjugés bêtes quoi en fait. Oui, c'est des préjugés. Enfin, je vais dire une bêtise, c'est peut-être des trucs de la vieille école qu'ils ont appris eux ou je ne sais quoi. C'est un passé qu'ils ont et qu'il faut malheureusement remettre au goût du jour parce que franchement c'est n'importe quoi. Et ça a été une épreuve aussi pour moi parce que enfin c'est quand même assez difficile quand même de faire changer la mentalité de ses parents. Sachant que nous, on est gamins quand même, on n'a rien. Enfin, par rapport à eux, on n'a rien appris de la vie. C'est ce qu'ils nous disent tout le temps d'ailleurs. Puis leur dire, bah, tu sais, en vrai, c'est ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme toi, tu l'as vu. Enfin... Et finalement, petit à petit, ça passe. Alors, avec mon père, je vous dis pas, c'était compliqué. J'en ai profité que j'avais des séances chez le psy. Pour lui en parler. Ça a été un gros sketch quand même. Finalement, il s'en est ressorti, qui m'a dit, je pense que c'était par gentillesse au début, il m'a dit, je m'en fous, du moment que t'es heureuse, ça me va. Sauf que, je le voyais très bien, ça n'allait pas. Ouais, il a dit ça pour te faire plaisir. Oui, voilà. Mais il a mis des années et des années à l'accepter. Et le pire, c'est quand t'as dit ça à ton père. Et puis, je vais dire une bêtise, 3 jours après, t'es tranquille à table, tu regardes les infos, et puis forcément, t'as un truc qui va parler des homosexuels, et t'as ton père qui sort d'un seul coup, tu vois cette bande de PD là ? Et tu fais, papa, tu m'as bien regardé ? Ah merde, pardon, excuse-moi. C'est sorti tout seul. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Oh la vache. Bon, après, on va revenir sur le dire, don c'est que, sur le chat. Après, ce que je veux ressortir de mon vécu, c'est que, alors forcément, il y a des hauts et des bas, hein, voilà.
Mais faut pas hésiter à parler non plus. Enfin, après, il y a la manière de le dire, forcément. Il y a le moment de le dire aussi. Parce que tu vas pas sortir à ton père qui vient de rentrer de son boulot, qui est fatigué, qui en peut plus, qui a envie de, juste de se caler devant la télé. Bah, papa, je suis homo. Ça, si tu dis ça, je pense que tu lui pourris sa journée. Et c'est. c'est un peu ça. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'il faut un moment de calme déjà pour leur expliquer. Bien sûr, il y a toujours. Faut trouver le bon moment. Voilà, faut trouver le bon moment, faut trouver les bons mots aussi. Alors, faut prendre du temps dire, surtout. Bah, je suis pédé, salut, je suis débite. Hein. Excusez-moi. voilà. mais bon, je sais qu'il y en a qui, un jour qui ont sorti ça à leurs parents, mais. Voilà. C'est possible, oui. Évitez quand même de dire ça à vos parents parce que des fois ils peuvent mal le prendre. C'est ça. parce que si tu dis à ta mère, tu sais, maman, on aime la même chose, tout ça. Oui, ouais. Mais... Alors qu'en soit, oui. En soit, oui. Oui, enfin voilà, bref. Donc, mais si vous arrivez à dire les bons mots au bon moment, etc., il n'y a pas de raison vraiment éventuelle que ça. Que ça fasse quelque chose de mal là derrière. Après, c'est une acceptation, hein, c'est un temps d'adaptation. Et je pense que moi, je suis issu d'une famille quand même, parce que je suis le dernier de la bande, si je peux dire ça comme ça, parce que mes parents sont assez vieux, mes parents ont plus de 60 ans. Maintenant, les familles sont quand même assez jeunes. Je pense que des parents qui ont 35-40 ans vont pas réagir de la même manière que des parents qui ont 60-65 ans. Ça, malheureusement, ça n'a pas forcément de rapport, ça dépend purement des gens, c'est purement de la chance. Ça n'a pas forcément de rapport, mais disons que c'est une... La probabilité est plus grande de manière générale, mais c'est pas une fatalité, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens, ces parents plus jeunes ont quand même baigné dans un milieu où il y a moins de pression, il n'y a pas cette pression qu'ils avaient avant, dans les années 50, voire 60. Malheureusement... Proportionnellement, je suis même pas sûr qu'il y ait moins eu d'homophobie avant ou qu'il y en ait plus aujourd'hui. Ça dépend purement des gens. Oui, je pense malheureusement qu'il y a autant d'homophobie qu'il y a 50 ans. Voilà. Malheureusement, c'est un cas, c'est un fait. Mais faut savoir que même si ça se passe mal, il y a toujours des gens qui seront autour de vous pour vous épauler, pour vous rassurer, pour vous aider surtout. Je parle notamment, et pas forcément des associations, mais je parle aussi d'eux parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui. Mmh. J'ai eu l'occasion d'être bénévole il y a quelques années de ça pour SOS Homophobie. Mmh. Donc moi, c'était surtout sur des forums, tout ça. Et j'ai vu pas mal de témoignages des jeunes qui ont fait leur coming out à leurs parents, que ça s'était assez mal passé. Des jeunes qui n'osaient pas, d'autres qui l'ont fait que ça se passait plutôt bien. Et derrière ça, il fallait répondre d'une manière, enfin plutôt dire, si ça se passe mal, tu as tel numéro, tu peux appeler le refuge, tu peux appeler telle association. S'ils hésitaient, on pouvait leur donner des manières d'aborder le sujet. Tout un tas de choses qui fait que ça se passera mieux dans un futur proche plutôt qu'ils se cassent la figure et puis que finalement ils se retrouvent dans un contre un mur, quoi. Voilà. Vous parlez d'un truc sérieux, habillé en chien, c'est ouf. Alors c'est pas un chien d'abord, hein. Oui. Et cela dit, ça lui va bien. Merci. Bon, on a envie de s'amuser un petit peu aussi, quoi. Et non, j'ai un peu chaud, mais pas trop. Il y en a qui me demandaient. Et j'ai vu dans les trucs, non, c'est hors de question qu'à 600, je me rase quoi que ce soit. Mais vous en faites pas, on n'a pas oublié ce qu'on a dit pour le don et on va le lire après. Oui, oui. Mais ça doit être déprimant de passer sur des forums toute la journée comme ça. Oui. Ah, c'est vrai que c'est assez éprouvant, ouais, parce que des fois on tombe sur des témoignages ça... qui te foutent par terre, quoi. En fait, on a mal pour la personne, quoi. Bah oui. Surtout moi qui suis assez empathique de nature, je suis du genre à prendre toute la douleur des gens. Ouais, donc c'est assez compliqué. C'est un peu osé de se lancer dans ce genre de
dans ce genre d'humanitaire quand tu ça va te plomber toi-même quoi. C'est pas une mauvaise chose, mais faut savoir à quoi s'en tenir quoi. Après, c'est une des nombreuses choses, je vais dire, parce que voilà, c'est une des nombreuses choses qui m'a quand même forgé mon caractère, parce que c'est bien d'être empathique, mais au bout d'un moment, il y a quand même des mauvais côtés. Ah, oui, faut savoir doser ses émotions. Il y a un moment, tu peux pas tout absorber, tu craques. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Je suis empathique, donc je sais. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé malheureusement quand j'étais jeune, donc c'est pour ça que je me suis dit, il est temps que je me fasse une armure, hein, parce que le jour où je me reprends un mur, bah, je vais finir en compote de pommes. C'est ça. Et au début, franchement, vous m'auriez connu il y a une dizaine d'années, j'étais le mec tout gentil, tout fébrile, qui reste dans son coin, qui parle à personne. Maintenant, j'ose parler aux gens, j'ose dire merde à ceux qui me font chier. Et derrière, je suis quand même, enfin, je reste quand même quelqu'un de super sociable avec tout le monde, ce qui m'a valu par ailleurs certains petits soucis, parce que il m'arrive toujours d'être le cul entre deux chaises quand il y a un problème. Mais ça, enfin voilà. Mais sinon non, enfin. Après, c'est une histoire d'adaptation aux personnes, je dirais. Je vois, oui. Mais t'as réussi quand même à t'affirmer avec le temps, quoi. Oui. Et vaut mieux, parce que sinon, tu te fais bouffer avec ce genre de truc. Voilà. Mais c'est pour ça que j'aimerais rassurer ceux qui se posent des questions. C'est pas... Faut juste vous forger un caractère et pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis totalement d'accord. Je confirme. Toujours ça. Mais ça vous sera que bénéfique. Et puis, si vraiment vous avez un souci, du moment que vous avez un soutien, pas forcément familial, parce que, comme on dit, la famille n'est pas toujours de bons conseils. Mais juste un soutien, ça suffit, quoi. Voilà. Plutôt des amis ou même des personnes de type random que vous appelez... qui sont là pour ça, quoi, j'ai envie de dire, que ce soit les numéros verts, les associations, seront toujours de bons conseils pour vous. Donc ça, franchement, je pense que les gens ne sont peut-être pas, les plus jeunes, sont peut-être pas forcément très bien renseignés là-dessus, donc il faut pas hésiter à chercher, surtout que maintenant, avec le net, on peut trouver tout ce qu'on veut, donc pas hésiter à chercher de l'aide. Si vraiment vous en avez besoin. Faut que les gens comprennent que souvent, pour sortir de leurs problèmes, il y aura toujours du soutien autour d'eux, mais on viendra pas les chercher, ce sera à eux d'agir. Voilà, s'ils veulent s'en tirer, il faut agir. Il faut qu'ils le fassent. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça, c'est parce que j'ai fait l'erreur, malheureusement, de rester dans mon coin au départ, jusqu'à mes 18 ans, et j'ai fini à l'hôpital. Donc, à partir de là... concrètement, j'ai dit c'est tout, je sors de ma grotte et puis je jurle à l'aide et j'attrape la main qui me sera tendue. Et ça a marché. Bah, tant mieux. Mais tant mieux, oui. Mais même si c'est dur et vous êtes au fond, il faut pas vous complaire dans votre malheur et attendre. Il faut que vous agissiez, quoi. C'est vous qui pouvez vous servir de vous sortir de vos problèmes. Hein. Exactement. Elles sont jolies les gambettes. Là, on les voit plus trop là. Ouais. Ce sont recroquevillées. Voilà. Donc dans les questions que j'ai vues, non, c'est Aélix, c'est pas mon prénom et non, là ça va, j'ai pas trop chaud. Et j'ai vu quelqu'un qui a demandé pourquoi le barbu à lunettes a un kigurumi et j'ai envie de lui dire pourquoi pas. Voilà, paf dans tes dents. Exact. Et si j'ai envie de danser la macarena. Oui, le kill qui arrive. Exactement.
Et ben en tout cas, c'était cool comme témoignage. Je pense que ça peut servir à tous les empathiques du monde. J'espère. Ça, pour l'avoir expérimenté récemment. Désolé si ça a plombé l'ambiance au début, ça a fait un peu ascenseur émotionnel. Non, mais c'est bien d'en parler, quoi. Mais pour l'avoir testé récemment, quand tu craques, ça fait pas du bien, quoi. À force de recevoir les problèmes des gens, c'est pas top. N'hésitez pas à vous entourer de personnes en qui vous avez confiance déjà. Voilà. Enfin bon, merci en tout cas pour ça. C'était vraiment cool. Je vous en prie. Le plaisir est pour moi. Et bah une bonne soirée à toi. Bonne soirée. Allez, salut. Salut. Bon, on va lire les donations. Alors, là on vient tout juste d'avoir le parano qui a donné 20 euros et le message n'apparaît pas. Donc soit pas de il message. Pas, soit il y avait des mots pas gentils dedans. Thomas Platinum qui a donné 100 boules. 100 euros, c'est vrai. Qui a dit un gros don pour l'association. Je vous suis depuis quelques mois et je trouve vos vidéos géniales avec votre sens de l'humour. Vous êtes génial, des bisous. PS, Materia, n'oublie pas ton kilt. Putain, il l'a fait juste pour ça, oui. Oui, il a donné 100 balles, quoi. Oui. C'est énorme. J'ai pas hurlé 100 balles parce qu'on n'est pas sur un stream de Zerator. Mais... Voilà, et on était en vocal avec quelqu'un. C'est sûr que quand on est en live normal, quand il y a un don qui soit conséquent ou non d'ailleurs, mais c'est vrai que si d'un coup il y a un gros don, on va hurler. Couper de lumière. Mais en temps normal, on réagit tout de suite au don, mais là, vu que c'est une radio libre, on laisse les gens finir avant. C'est pour ça que on va pas hurler tout d'un coup 100 balles quand le don est arrivé. On fait quoi au prochain palier de 100? Ah là, je sais pas. Surtout qu'en plus, il dort pas longtemps. Encore 14 euros et on fait un truc. Ouais, je sais pas, bah c'est... Il y en a qui demandent un bisou. Non, pas de bisou. Ouais. Y en a qui te disent sans le slip, le kilt. Sans le slip. Bah, remarque, vous le verrez pas. Bah, c'est ça, mais. Ah, 600, on voit sous le kilt. Non, je sais pas. Une idée? Il y en a qui proposent, qui demandent un striptease des jambes. Non, mais occupe le chat. Bon, moi, je me change. Comment ça se met une photo de Mataya qui porte le kilt. Bah, y'en a déjà une. Y'en a déjà une sur Instagram, mais elle date. C'est ça. Je sais pas comment ça se met, j'ai oublié. Voilà, c'est comme. C'est. Ouais. C'est... Tu, je crois que tu, ça, tu le passes dans un truc et tu mets les deux lanières sur la gauche. Merde. Comment ça marche? Non, regarde. C'est. Je crois que. Je suis pas sûr que ce soit celle-là. À mon avis, tu dois faire passer les deux autres d'abord. Il est con. Mais je sais pas comment ça marche. Voilà, tu vois, t'as deux lanières à gauche. Oui, d'accord. Et là, tu fais passer la lanière au-dessus après. Comme ça ? Voilà, là, tu fermes ça comme ça. Et la grosse lanière qui est de l'autre côté, tu la fais passer par-dessus, je crois. C'est quoi le compte Insta de Materia ? C'est dans la description. Mal date cette photo, faudra fouiller. Oui. Les jambes n'ont que 10 minutes d'autonomie. C'est quoi un best-of? Donc un best-of, je suppose, des lives. C'est pas prévu. Il n'y a pas de best-of de live de prévu. Oui. Proposer des trucs à faire pour le prochain palier de 100. Maintenant, attrape la lanière que t'as laissée à l'intérieur. Et non, pas de ce côté-là. Elle est à ta droite, là. Tu sais même... C'est toi qui la sens et tu la vois même pas, quoi. Ouais, je la vois pas, là. Non, mais elle est à l'intérieur. Ouais, mais je la sors comment? Et tu la fais passer par le dessus et tu la mets dans le... Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça se met. On va dire ça. Ah putain, je suis bon quoi. C'est quoi vos propositions pour le palier des 600 euros? Je sais pas, il dit à 600, on arrive à mettre le kilt.
pour le prochain, on inverse. Ah non, ça va être chiant. Ouais. C'est magnifique, là. C'est pour le refuge, hein. Ah bah, il applaudit. Putain. Je tiens à dire que c'est chiant à mettre, voilà. Oui. Voilà, parfait. Mais du coup, après, les gens le voient pas. Oh putain. Le style est présent, oui. Ah, le style est totalement présent. Hein. Je remercie Smile s'il est là pour me l'avoir offert. Il était là tout à l'heure, mais je crois qu'il est plus là. Les gens ont des mains pour applaudir. Et non, vous ne verrez pas ce qu'il y a en dessous, parce que là, il n'y a pas grand-chose en dessous. Oui, il l'a mis, il l'a vraiment mis comme ça. Voilà. À l'écossaise. Voilà. J'ai pas de truc ridicule à te faire porter encore. Ouais, mais surtout que je peux pas vraiment mettre autre chose. Bon, on verra si vous avez une idée de génie pour les 600 euros. Et j'ai vu, il y en a un qui avait demandé la fursuit, mais non, j'en ai pas, malheureusement. Non, pas de fursuit, désolé. Sinon, je l'aurais déjà mise. Bah du coup, on va passer au suivant. Ouais, et d'ailleurs, je vois qu'il y en a quelqu'un qui s'est rajouté alors qu'on a dit que c'était qu'on prenait plus. Donc, à mon avis, on n'aura pas le temps pour la toute dernière. On verra. Alors, immeuble. C'est parti. Et bonsoir. Un câlin pour les 600. Oh, à la limite, un câlin aux 600 euros, voilà. Bienvenue. Est-ce qu'on entend bien ? Oui. Ouais, si tu peux augmenter un peu le gain de ton micro. Y a pas de souci, je fais ça tout de suite, en espérant que ce soit pas trop fort. Alors, je tiens à dire que quelqu'un dit dans le chat, pourtant on n'a pas vu de caleçon volé, je peux vous confirmer que si. Ah si, si. Ah si, on l'a vu le caleçon. Enfin, moi je l'ai vu. Bon. Déjà, je vais vous dire comment est-ce que vous allez, tout simplement, par politesse. Bah nous on va très bien. Très bien. C'est très bien alors. Donc, vous savez sûrement de quoi je vais parler, on vous a peut-être dit, ou pas. Toi, c'était la sexualité. Non, c'est le point de vue d'un hétéro. Alors, attends, parce que là, je vois Hello in Backup avec Ductif, on vous envoie du monde juste après, on essaie de faire un peu de pub, et bisous. On a bientôt fini, donc. Yep. Mais bientôt, on va traîner encore un peu, quoi. On va peut-être discuter un peu après le... Après les, la radio libre, en vrai. On verra. Oui, donc. Bah, je t'en prie. Et du coup, oui. Alors, moi, étant hétéro, mm-hmm. hétéro 6, d'après la manière dont on me décrit. Mais après, je me pose 2-3 questions là-dessus, mais je pense y revenir un petit peu plus tard. En fait, ce que je voulais parler, c'est surtout en fait comment est-ce que pas mal de gens perçoivent l'homosexualité, la bisexualité et toutes les personnes qui sont différentes, entre gros guillemets, des hétérosexuels. Et moi, je trouve ça assez, mais vraiment assez, comment dire, j'irais pas décevant, parce que je peux comprendre que ça, c'est pas forcément un monde en fait qu'ils connaissent, enfin un monde, comment dire, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Voilà, c'est plutôt ça. C'est ça, merci pour les mots. Y'a pas de soucis. J'ai du mal à trouver les mots généralement. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir en fait, et je pense que ça les effraie. C'est un peu comme tout ce qui est nouveau en général, en fait, dans tout ce qui arrive de nouveau dans le monde, en fait, dans lequel on vit. J'ai l'impression que plus on avance, en fait, plus les gens ont peur et se braquent, tout simplement. C'est contre nature. Quand on voit l'homosexualité, quand on voit qu'aujourd'hui, hommes homosexuels ont peur, justement, d'avouer ça à leurs parents parce qu'ils sont trop fermés ou parce qu'ils le savent, justement, qu'ils sont fermés d'esprit. On peut le voir même pas forcément vis-à-vis de ça, c'est même avec Internet, nature, même avec énormément de choses. Et c'est quelque chose, en fait, que moi, je comprends pas. Justement, cette peur, en fait, des nouveautés. Bah, on peut pas vraiment dire grand-chose là-dessus. C'est bêtement, les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas, ou ce qu'ils connaissent mal, et ils ont des idées préconçues là-dessus. Et ils se braquent, forcément. Ça les dégoûte. Il y a
Faut pas chercher plus loin, malheureusement. Et vraiment, bah, c'est ça qui est triste. Après, ben oui. je pense qu'on peut très largement faire bouger les choses avec des communautés, des communautés, en rassemblant justement des communautés, comme la communauté LGBT ou avec des associations. Essayer d'expliquer un peu plus, de faire comprendre aux gens qu'est-ce que l'homosexualité, qu'est-ce que c'est le fait d'être transgenre, d'être transsexuel, et leur expliquer que c'est pas une maladie mentale, c'est pas être déviant, c'est pas quelque chose de mal en soi. Non, là. Bah oui, il faut savoir que la base, c'est en fait, c'est juste des gens qui connaissent très mal ces sujets et qui sont incultes ou autres. Et ce qu'il faut tout bêtement, c'est passer par le dialogue, par l'apprentissage. Il faut éduquer ces gens-là, leur faire comprendre ce que c'est. Mais malheureusement, pour certains, ça passe très mal, quoi. Ouais. Mais après aussi, malheureusement, il y a des gens qui trouvent l'excuse. La plus merdique du monde, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait. C'est contre nature. Hein. C'était. Ils ont expliqué le fait que les gens acceptaient pas l'homosexualité, tout ce qui était la communauté LGBT, à cause de leur virulence sur Twitter. Mm. J'ai trouvé ça ridicule. J'ai dit certes, des personnes c'est peuvent trouver, contre nature. Hein. Peuvent faire un amalgame, peuvent faire des grosses généralités de merde. Et j'ai dit, mais s'arrêter 5 minutes, quoi. Faut pas juste s'arrêter à 3 tweets que t'as vu ou un vieux thread dégueulasse qui était hétérophobe. Faut pas s'arrêter à là. Bah, c'est ceux qui font le plus de bruit qui sont les moins recommandables, quoi. Évidemment, c'est ça. Après, je pense qu'il y a peut-être moyen aussi de faire du bruit, mais. Sans vraiment être virulent, sans vraiment être violent dans ses propos, en fait. Ouais, bien sûr. On n'en connaît pas beaucoup qui partent dans l'extrême inverse, où viennent à mépriser les hétéros, mais c'est tout aussi con d'agir comme ça que les homophobes. C'est ce que dit Betaghost dans le chat. Il dit « Pensez-vous que certains homosexuels peuvent être aussi fermés que d'autres hétérosexuels ?» Bien sûr, oui. Malheureusement. Malheureusement. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Et évidemment, c'est aussi con dans ce cas que dans l'autre, quoi. Bah oui. Ça l'est pas plus, ça l'est tout autant. On dira tous les dons après, vous en faites pas. Hein. On n'oublie pas. Et du coup, pour venir à autre sujet, c'était que je me posais des questions justement vis-à-vis de ma sexualité. Oui. Pour raconter en bref, j'ai beau eu avoir des relations amoureuses, etc., avec des filles. Je me suis jamais vraiment senti comblé, en fait, ou même fou amoureux. C'est un truc que vraiment ça m'est arrivé une fois quand j'étais plus jeune, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais ressenti ça avec une autre fille ou quoi. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis complètement con et qui bloque sur une ancienne relation qui date de pas mal d'années. Ou tu te demandes si ça si justement ouais si justement t'aurais pas quelque chose de caché comme ça en toi et que tu t'étais jamais posé la question. C'est ça. Et après j'ai comment dire, c'est vrai que j'ai peur de franchir le pas et de m'intéresser justement de découvrir des choses. C'est plus en fait le questionnement qui me gêne, et à chaque fois je suis en train de me dire c'est peut-être pas ça, c'est oui mais non, enfin à chaque fois je bascule des deux côtés et je me dis des fois faut que je fasse le pas, faut que j'essaie des trucs, des fois je me dis ce sera peut-être mal perçu, c'est assez énervant même. En fait, parce que du coup, ça me bloque, en fait. Tu devrais pas... Ouais, tu devrais juste te poser le moins de questions et essayer de chercher par toi-même, juste pour toi, dans un premier temps, à,
à trouver une réponse à cette question. C'est avec, je veux dire, Internet, t'as suffisamment de choses dessus pour te rendre compte si oui ou non ça t'intéresse ou non. Mais tu dois surtout pas faire tes choix de vie ou vivre pour les autres, mais oui. Pour toi-même, parce que sinon tu le regretteras toute ta vie. Bien sûr. Et tu vas te censurer qui tu es. Si ça se trouve, c'est juste que t'as pas trouvé la bonne encore et que ça va venir. Mais si jamais tu sens que t'as envie de tester autre chose, faut pas que tu te poses la question de quoi commence, et si t'en as envie, tu fais. Voilà, si t'as une occasion qui se présente et que t'as envie, tu le fais, c'est tout. T'as voilà, pas envie, tu fais pas. Après, c'est pas forcément qu'on y arrive. C'est pas une envie particulière, en fait. C'est vraiment juste le fruit d'une réflexion entre nous. Ouais. Voilà, un questionnement aussi. Bah, du coup, si t'as envie d'éclaircir ce questionnement, je t'invite à chercher les réponses par toi-même de ton côté sur Internet, quoi, tout bêtement. Pas pour pouvoir en parler à d'autres, hein, juste essayer de voir les réponses pour toi. Ça coûte rien d'essayer, de toute façon. Mais c'est ça. Ouais. Tout ce que ça me rapportera, c'est la réponse à mes questions, quoi. Ouais. Mais bon, après, c'est... Comment dire ? C'est compliqué d'agir quand on est quelqu'un comme moi et qui aime pas être spontané. Plutôt introverti, quoi. C'est ça. Limite asocial. Ouais, d'accord. C'est bon. Après, c'est en personne et il faut que je travaille dessus pour changer. Pour changer moi-même. Alors, en tout cas, je vous remercie pour vos réponses. Pas de quoi. Et c'était très gentil. Et du coup, voilà, j'ai plus grand chose à ajouter, à moins que vous ayez quelque chose à dire, mais je crois qu'on a fait un peu le tour vite fait du sujet. Bah, bon courage dans ta quête de savoir c'est ce que tu aimes. Contre nature. Hein. Merci. Et une bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. Bonne soirée également et bon live. Merci. Merci. La violence de certains sur Twitter, notamment, est compréhensible vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu par rapport à leur sexualité ou autre. Oui, mais c'est pas une raison pour rejeter sa haine sur tout le monde. C'est ça. Et coucou à toi, Avenci, au passage. Des bisous. Salut à toi. Alors, on a beaucoup de dons à lire. Alors, on a eu un don de 5 euros de Micomic qui fait juste un coucou. Peut-être essaye de tourner vers là. Oui, le texte est là-bas. J'ai dit essaye. Itachi qui a redonné 5 euros et qui a dit un petit pas pour l'association, un grand pas pour la fellation. C'est un beau message. Chinis qui donne 4 euros pour faire les 600 tourons, qui dit pour la peine, le son de la cornemuse à la bouche, ça me paraît bien. Je saurais pas le faire, ça. Voilà. Mitis qui avait donné 4 euros pour aussi tenter à mettre à 600 piles. Qui dit ce n'est que peu pour le bien de l'association, mais ce n'est que peu pour le bien que l'association m'a procuré. Gros bisous. Oxnerol qui avait balancé 60 boules, qui dit je travaille dans un collège surveillant et un élève de 3e a failli se suicider car il est gay. Et pour les autres élèves, être une pédale c'est pas naturel. Triste de voir les réactions comme ça. Merci d'être là pour le refuge, les gars. Mais en même temps, ça sort pas de nulle part. Hein. C'est les parents qui inculquent cette mauvaise éducation, malheureusement. Quoi. Mais merci pour ton don, c'est énorme. Ouais. Merci beaucoup. Et Satan qui a donné 2 euros pour faire 666. Ah bah, ça c'est un beau don. Merci à vous tous, tous vos dons sont importants. Il n'y a pas de petits dons, ils sont tous très cool. Hein. Il ouais. n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de petits dons, il y en a juste des plus gros que d'autres. Bah du coup, on fait le câlin. Bah oui. Allez. Il y a l'autre qui applaudit. Oui, je le vois. On voit pas avec le... Ah, non. Attends, il y a le putain de micro, là. C'était censuré. Voilà. Du coup, on fait quoi pour les 700? Je sais pas. Il y en a plein qui ont réclamé avoir les jambes pour les 700. Oui, il y en a plein qui parlent des jambes depuis tout à l'heure. Mais...
On est en négociation avec les jambes, on verra au 700, voilà. Le bisou, non, on fera pas le bisou. Non, le bisou, c'est pas qu'on veut pas, c'est plus une question de... C'est pas négociable, ça. Voilà, c'est... C'est pas, ça ne s'achète pas et ça n'a rien à faire là, même si c'est pour le thème. Alors actuellement, on en a... Il n'y en a pas un qui s'est enlevé ? Si, si, bah, il est plus là, donc... Bon, on a un tout dernier à passer en live et après on arrêtera sûrement. On verra si on arrive à atteindre les 700 d'ici là. Chinis, il dit à quelle assistance j'ai hâte qu'on arrive aux 1000. T'inquiète, on t'enverra ça, mais en MP. Alors, Slan Salamander. Ouais, j'ai déjà entendu son pseudo quelque part. Pareil. Et c'est parti. Ah, il y a eu un don, attends. 10 euros de Marold. Hein. 10 euros pour l'association. Je dédie ce don à mon ami bisexuel, Fury, et dessinateur de manga qui m'a fait découvrir le monde fantastique des Fury. Continuez votre taf, vous êtes génial. Ah, merci à toi, c'est merci très cool. Merci à toi et. Il y a beaucoup trop de mots-clés que j'aime bien dans cette phrase, notamment voilà. Fury, tu vois. Voilà, et bienvenue à toi dans ce merveilleux monde qu'est le Fury. Allô ? Yo tout le monde ! Comment ça va ? Salut ! Ça va, et vous ? Ouais, ah, tranquille. Bien. Bon alors déjà, je tiens à dire que vous êtes très soyeux et que votre Discord aussi. Ah, merci. Merci. Et oui, mon Blast doit vous dire quelque chose, on s'est vu à la CG. C'est ça. Oui, d'accord. D'ailleurs, c'est moi qui ai apporté le rion, il y a eu une injustice là-dessus l'autre jour. Mais ouais, reste... Oui, c'est pour ça, c'est parce qu'il était signé... C'est pour ça que le pseudo, je m'en rappelais. D'accord. Alors, on corrigera ça. Alors du coup... Je voulais vous parler de quelque chose que je trouve assez important, dont on n'entend malheureusement pas assez parler, qui est l'asexualité. D'accord. Oui. Est-ce que tu peux le définir ? Même là, personnellement, je ne connais pas grand-chose. Je connais très peu le sujet. Alors, ben, c'est quelque chose qu'on voit souvent appartenir au LGBT, malheureusement pas suffisamment, et qui est trop méconnu, c'est le fait de ne pas avoir de désir sexuel. Alors, il y a beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de nuances, parce qu'on peut en avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou alors on peut en avoir pas souvent, mais généralement c'est de ne pas vouloir passer à l'acte. Et alors on l'associe aussi, il y a autre chose. L'aromantisme, c'est le fait de ne pas vouloir de relation tomber amoureuse. Et les deux sont très souvent associés, d'ailleurs... Il y a des drapeaux pour chaque communauté. En général, le drapeau pour les deux, c'est le même. Et en fait, moi, par exemple, je me suis retrouvé... ça fait 3 ans que je sais que je le suis, mais sans pouvoir mettre de mots dessus. Ça fait, c'est tout récent. Ça fait depuis cette année que j'ai enfin pu mettre un mot dessus, que j'ai pu me renseigner correctement. Parce que j'en parle, j'en parlais souvent à mes proches. Tous mes proches sont au courant. Moi, en fait, j'ai pas fait de coming out. Tout le monde était au courant, parce que j'en parlais sans savoir quoi je parlais. Et du coup, le fait de pouvoir mettre un mot dessus, ça a été une putain de révélation, en fait. Ça a été un truc de faux. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation et qui auraient besoin d'en entendre parler. C'est contre nature. Hein. D'accord. Parce qu'il y en a qui se posent des questions par rapport à ça, et tu penses que ça pourrait les aider de savoir que ça existe, ça a un nom? Ouais, c'est ça. De savoir que ça a un nom et de savoir qu'il y a plein de nuances là-dedans. C'est pas juste, oh non, le sexe, c'est dégueulasse. Oui, parce que, dire, moi personnellement, la seule personne que j'ai connue, et même, encore même pas personnellement, c'était sur Internet, je connaissais une personne qui était asexuelle, c'était un furie, et pourtant il postait de temps en temps des dessins de Safe for Work, donc du coup c'est pour ça que ça m'avait toujours paru c'est pas contradictoire, mais je savais pas où il en était, quoi. C'est encore même plus compliqué à comprendre que pour les autres. Il y a énormément de nuances en fait à l'intérieur. Il y a les grés sexuels, il y a les asexuels à tendance, il y a énormément de choses. Il y a des asexuels qui sont en couple parce qu'ils sont romantiques et qui du coup et qui se font violence pour avoir des relations sexuelles justement, mais qui se font violence. Ils ont envie de faire plaisir à leur partenaire, donc ils le font. Ils y vont pas en freinant des cas de fer. Mais après, il y a aussi le fait que
on peut presque à la limite de l'autosexuel vouloir se satisfaire par soi-même. Genre, de temps en temps, en arriver à la masturbation, ou même à connaître son corps. Il y en a qui sont asexuels depuis le début de l'adolescence aussi. Mmh. Et ceux-là, en général, ils ont quand même appris à connaître leur corps. Mmh. Oui. Moi, ça me paraît assez obscur qu'on puisse ne pas vouloir découvrir son corps, mais ça doit exister aussi. Ça dépend des gens, oui. Il y en a qui ont leur raison. C'est contre nature. Hein. Genre un Sheldon Cooper de la vraie vie. Du coup, je suppose qu'il y a des asexuels qui se masturbent tout autant que d'autres gens, mais qui ne veulent pas de relations sexuelles avec d'autres personnes, je suppose. Alors, tout autant, je sais pas, parce que malgré tout, asexuel, il y a quand même un certain... Il y a quand même un non-besoin à un moment, un non-besoin, donc en général, quand même beaucoup moins d'envie, mais après, oui, sûrement. Après, mais est-ce que c'est pas de l'auto... Est-ce qu'il est pas autosexuel à ce stade-là? Non, parce qu'il est pas attiré par lui-même. Ouais, c'est encore tout un tas de déclinaisons et de cases compliquées à agencer, je suppose. Parce que, bah ouais, puis c'est des choses dont... Chaque personne est son propre cas au final, donc... Bah oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est un peu comme si on essayait de mettre une case sur chaque personne, c'est super complexe, quoi. Non, Little Stash, je pensais pas à toi. Après... Salut Productif. Salut à toi. Le fait que ce soit pas excessivement connu aussi, je pense que du coup, il n'y a pas de... Les termes sont mal définis. Impossible. Parce que pour en arriver à dire pansexuel, trans ou transgenre, gender fluide, tout ça, il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de temps. Et asexuel, j'ai l'impression que c'est une notion que le terme asexuel existe depuis longtemps, mais que ses variations, non. Oui, ça, je suis d'accord. C'est vrai je pensais même pas qu'il y avait des variations. Je m'en doutais, mais je pensais que c'était simplement d'autres noms. Mais c'est vrai que quand tu y penses, en fait, c'est juste des sous-catégories. Mais... Et c'est un sacré bordel. Hein. Oui, je veux dire, même en étant tout à fait d'accord avec ce que les communautés LGBT peuvent apporter et expliquer, on va pas se mentir que c'est le bordel. Un petit peu, oui. Et j'aurais quelques sites à conseiller s'il y a des gens qui veulent s'y intéresser. Mm-hmm. J'ai trouvé beaucoup d'informations dessus. Déjà, il y en a un qui s'appelle Ava et qui a un Discord au passage. Oulala. Saloperie. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec Google Chrome. Bon, bah, je peux vous citer que les sites anglais là parce que. Pas mis dans mes favoris, c'est en fait. The Asexual Visibility and Education Network, notez ce superbe accent. Parce qu'en fait, la plupart des sites sont sur une mise en avant de la sexualité pour que justement les gens sachent que ça existe. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'apparemment il y aurait quand même 1% d'asexuels dans les populations. Donc c'est un peu dommage que ces gens-là puissent pas se découvrir eux-mêmes. Et sinon, ah si, il y a asexualité-s. En plus, c'est plus simple à retenir. C'est quoi, c'est quand t'es fiché S? C'est quand t'es fiché Ace. Putain. Oui, donc, c'est, plus sérieusement, c'est quoi celle... les tirés S? Non, c'est juste, c'est le nom du site. Ah d'accord, ok. Et qui est bien, qui est en français, c'est pour ça que je le donne. Et qui est super intéressant. Quand on a beaucoup qui posent des questions sur les cases, etc. Et j'en vois un qui dit « Mon frère dit que les LGBT se mettent eux-mêmes dans une catégorie et que c'est pas de la faute des gens si on les met à l'écart. J'espère vraiment qu'il n'a pas réfléchi avant de dire ça. » Le côté bénéfique ou non des cases, chacun le définit, mais oui. C'est vrai qu'il faut éviter, je pense, de trop se complaire dans des cases ou quoi, de trop se prendre la tête là-dessus, parce que ça peut être très prise de tête. C'est vrai, mais en soi, je veux dire, les hétéros se mettent dans la case hétéro tout seul aussi, et c'est pas pour autant qu'ils sont mis à l'écart. Voilà. C'est ça, c'est la vision des cases qui sont différentes. Ils se mettent pas dans la case cis tout seul, ça, il faut leur apprendre. Bah, c'est simplement parce qu'en fait, ils connaissent pas le terme, mais en soi, ils le sont. Tout bêtement.
Mais les gens, ils volent les jambes. Bah là, on a atteint les 700 euros de dons, et il y a tout le monde, il y en a un qui, avec l'émote du flingue, montrait les jambes. on verra après. On voit ce qu'on peut faire avec la dite jambe. Mais ces cases, ça peut être utile quand les gens sont un peu perdus, savoir un peu mieux ce qu'ils sont, ça peut être utile. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert les communautés LGBT, au début, moi j'étais tout con, j'avais des amis qui étaient homo, j'avais mon cousin qui était homo, je connais des filles bi, lesbiennes, et voilà, j'étais au courant de la surface de tout ça, et quand j'ai commencé à m'y intéresser de plus près, effectivement, en fait, c'est un bordel phénoménal, mais c'est que les gens essayent de se créer des communautés, plus que de se mettre dans des cases, ils essayent de créer des communautés pour s'entraider, donc oui, c'est vrai que si on s'assoit uniquement... Si on se considère, moi mon style c'est d'être homo, oui, effectivement, oui. Il y a une connerie. Et je veux dire, c'est comme le principe du furry, en soi c'est une case, mais c'est surtout pour revendiquer son appartenance. Oh, c'est un fétiche. Oui, mais c'est plus que ça. C'est pas qu'un fétiche, non. Mais c'est une très grosse communauté derrière. Mm. Donc c'est juste se revendiquer de telle ou telle communauté. Oui, c'est vrai que sur DeviantArt, c'est incroyable déjà. DeviantArt, c'est pas le meilleur exemple. Mais oui. DeviantArt, non, mais c'est pour tout ce qui est dessin, c'est bien, mais pour tout ce qui est fétiche, ça devient très vite cringe. Voilà. Mmh, ouais. TMTC, mmh. les Sonic et tout ça. Voilà, Sonic, c'est un bon exemple. Sonic Inflate. Voilà, ouais, lui-même. Entre autres. Une saloperie, ça. Mmh. Mais pas de King Shiny. Non. C'est pas le Oui, et d'ailleurs, tant que je suis là au micro, je tiens à dire que le Kigou est très important. On veut te voir avec ton Kigou perso. Ah, mon Kigou... Ah, bah, le problème, c'est que ça coûte cher. Ça coûterait cher à le faire fabriquer. Ouais, tu m'avais dit ça, c'est terrifiant. Dis ça, ça aurait été... Si on se serait tapé 700 euros de dons pour nous, je dis pas, mais là, c'est pas l'ambiance. Là, clairement. C'est pour. C'est... On va rien toucher de ça, hein. Je vous rappelle. On va même perdre en plus des 100. Donc, Oui, voilà. Ça bon, va nous coûter alors, cher. Désolé, le refuge, en fait, on vous donne rien. On a un fantasme à assouvir. Ouais, c'est ça. Je vais commander une partielle. C'est ça. Tu fais que le haut pour les lives. C'est une idée. À 1000 ils se mettent leur solution. Bah attendez, on vient à peine d'atteindre les 700, on va bientôt couper le live, on n'atteindra pas les 1000. À 800 live, je me motive pour t'en faire. Hein. Donc attends, je comprends pas, Oxtero. Si on arrive à 800 euros de dons pour le refuge, tu me fais un Kigou. Bah écoutez, faites des dons, c'est pour le Kigou. Au pire, Materia, mets 100 euros. Non, ça va. Ça serait con, on paierait 100 euros pour avoir un truc qui vaut 100 euros. Tu verrais l'état de mon compte en banque en ce moment. Ouais, non, c'est. Au fait, Alex fait un live pour avoir du fric pour ton costume de Fury. Oui, mais plus tard, pas maintenant, là, c'est pas le but. C'est pas l'ambiance. En tout cas, merci d'avoir parlé un peu de la sexualité. C'est vrai que ça revient pas souvent dans les lives, ce sujet. Mais voilà, j'y tenais, c'était important. Bah, t'as bien raison. C'est bien parce que même nous on apprend des trucs parce que c'est vrai que c'est pas un sujet très courant quoi. Bah non, et c'est plutôt rare parce que du coup tous ceux qui se revendiquent ouverts de sexualité, bah du coup les asexuels les intéressent pas des masses vu que c'est un peu à l'encontre. Oui, il y a des fois où donc, je me suis senti comme un con au milieu de ces gens. Bah c'est une fois de plus, c'est plus de l'incompréhension que autre chose. Et si, il y a aussi un Discord où les gens sont très pimpants, je le conseille. Un Discord à sexualité, à romantisme qui est très très cool. D'accord. Ça me fait un peu penser au vôtre, mais sans le NSFW. Ouais, du coup, mais c'est pas drôle. Ça doit rien vous faire, vous, le NSFW, quoi. Mais, encore une fois, si, on peut être émoustillé, mais... Ouais, ça s'arrête là. D'accord. Ah. Vous n'êtes pas assez corrompu pour ça. Oh, ouais, j'allais dire une grosse connerie. Non, on est en live, c'est pas bien. Les gens sur le Discord, ils sont cons à côté. Oui, je vois ça. Ils font des cons. Enfin bon, merci en tout cas d'avoir parlé de ça, c'était cool.
De rien. Et bonne soirée à vous et bonne nuit. Et bonne on veut les jambes qui font le poirier. On veut les jambes, d'accord. Je note. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bise. Alors, les donations, du coup. Les donations, les... Putain, on a passé tout le monde, en fait. Oui, on a... C'est contre nature. Voilà. Hein. Avec un nouveau don, on le lira en dernier. Ouais. Alors, on a eu Marold, ça on l'avait lu. On a Boulet 1994 qui a donné 20 euros et qui a dit « Je suis ce qu'on peut appeler un 6, mais je peux comprendre à quel point ça peut être dur de vivre avec les mentalités actuelles. Grâce à vous, j'ai beaucoup appris ce soir, alors merci. » Bah, y a pas de quoi. Je vais t'apprendre un truc en plus. 6, c'est CIS, pas SIS. Il y a Smaco 000 qui a donné 4 euros pour faire 700 piles et qui a dit en 4 on veut les jambes. On veut voir plus que les jambes, je veux dire. Ah! Et. Faudra au moins les 800, ça. Et. Rom Rom Raisin qui a donné 10 euros et qui a dit bravo pour ce stream caritatif, Débéco. Ah bah, Débéco à toi. Merci à toi. Et on est quand même réussi à 710, franchement, oui, les gens. Merci à absolument tous ceux qui ont partagé le live et qui ont fait des donations parce que. Je pense que ça va faire très plaisir au refuge, tout ça. Ah, je vois que ça, à mon avis, ça a été notifié dans le... Ah non, suggestion. Non. Alors, oui, mais non. Et non, oui, non. Mais non. C'est pas grave. Du coup, tu peux quitter ce truc-là, ça fera toujours de la bande passante en moins. De quoi? Ah, le salon. Le? Le salon. T'es toujours en ligne. Oui, plus personne parle. C'est pas faux. Du coup, vu qu'on a atteint la 700, on fait quoi? Je ne sais point. Est-ce qu'on montre un peu plus que les jambes? C'est toi qui vois. Ou alors tu vas entretenir le mystère. C'est pas comme tu veux. Je donnerai demain à l'attaque quand j'aurai la carte bleue. Bah du coup, il faudra faire le don directement au refuge. Parce que nous... Oui, parce que sinon ça va faire un peu le bordel. Voilà. Clique sur le live pour Eric sans qu'il goûte au shit. Ah bah du coup, il y a tout le monde qui réclame que ça. Mais en tout cas, pour conclure un peu ce live, c'est cool parce qu'on a vraiment eu des témoignages très divers, des gens de tous les horizons, un peu toutes les orientations, un peu de tout. Et ça montre qu'absolument tout le monde est concerné de près ou de loin par les coming out, par l'acceptation des LGBT, par l'exclusion. Ça concerne absolument tout le monde et c'est... C'est bien de voir que ces gens-là se laissent pas abattre et qu'il y en a autant qui cèdent pour faire un peu changer les choses. Enfin, du coup, on est content. On espère vraiment que cette VOD va aider. Parce que du coup, c'est plus un live, là, c'est bientôt terminé. Oui, mais après, les VOD sont souvent regardés de ce... C'est les VOD les plus vus, les radios libres, surtout sur l'homosexualité. Du coup, on espère que cette VOD aidera des gens. Et, oui, comme dit Nuivre, il dit, on a même eu des jambes. Voilà, surtout ça. On retient que ça. Il a les cheveux de Jésus. Oui. Oui, j'ai le look de Jésus, mais ça s'arrête là. Ils vont enlever les jeans, les jambes en mode Scooby-Doo et on va avoir sa vraie identité. C'est une idée. Putain. T'enlèves le jean. Monsieur le directeur. C'était en fait productif depuis tout ce temps. Mais ça serait trop bizarre le truc, tu sais, où t'enlèves le jean des jambes et c'est productif, mais en entier. c'est surtout génial de voir que vous vous investissez dans cette association et que grâce à vous, il y a des dons. Oui. Ouais. Et si on a pu faire connaître cette association à des gens, bah c'est cool. Voilà. Ça pourra peut-être en aider certains. Bon, bah du coup, s'il n'y a plus rien à dire, plus rien à faire, on va peut-être s'arrêter là. Mm. Parce que nous, on est un peu fatigués aussi. Et même Chini, si, mais. Bah, vous savez quoi, ça fera le mystère pour le prochain live, voilà. Ça va entretenir le mystère et le lore de Need Backup, voilà. Quand on aura la page wiki, il y aura peut-être la partie anecdote avec les jambes. Mystère non résolu avec des théories. Ouais, bah, bonne nuit à toi, Paradox. Allez, bonne nuit. Et à vos théories, du coup. Voilà. Encore merci à tous pour votre participation et vos donations. Et, merci encore. Aimez-vous, putain. Allez, à plus tout le monde.